pas le moment de flancher, d'accord, 113. Allez, relève-toi. Mets-toi debout. C'est ton moment, là. Waouh. Il s'est passé quoi? Ça va aller. T'inquiète. Ok, c'était une explosion, mais ça va le faire. Il faut qu'on descende. Relève-toi, s'il te plaît. C'est pas le moment de flancher, 113. Allez. Okay. Le SWAT, c'est bon? Tout le monde est bon? Tout le monde? Je suis là. Descade. Allez, c'est parti. On continue d'avancer, d'accord? Oui. Allez. Tranquillement, on va split, ok? Ghost, tu pars à gauche. 113, tu me suis derrière. On est bon? Je suis derrière. Ok, tranquillement, doucement. C'est pas le moment, ok? Ils sont encore pas mal en bas. Ok, il y a du monde. On fait quoi? On fait quoi? On tire? Non, attendez. Ok? Écoute-moi bien, 113. Il y a pas mal de monde, ils sont armés, ils ont fait péter juste avant. Ok? Ouais. Tu t'envoies, hein? Ouais. Tu réfléchis pas, tu là-bas. Ok. T'es prêt? C'est bon. Ok. Ouh. Allez, maintenant, go! Go! Oh mon dieu! Ils ouvrent le feu! Ok, couvrez-moi! Vas-y! Ok, non! S'il te plaît, pas maintenant! On avance! Allez, lâchez pas! Allez, on... 113! Je suis là! C'est bon, Ghost. Ok, Ghost, c'est bon? C'est bon. 1, 2, 3, maintenant! Allez, on avance! Non! Non! Riley, non! Non! Ils ont eu Riley! Putain de merde. Ouf. Tu dors? Oh Malcolm. Tu dors? Réveille-toi frérot, réveille-toi. Non là, c'est un truc de fou. Laisse-moi tranquille. Réveille-toi Malcolm, réveille-toi. J'ai plus de bédo, arrête. Réveille-toi. Mais putain Riz, tu vas me laisser dormir, bordel. Ouf, j'ai fait un rêve. Je fais un rêve de baiser, de baiser. Un rêve de fou. Écoute, t'as encore rêvé ton Habib de merde? Non, pas Habib. Attends, laisse-moi me réveiller. Quelle heure il est? J'en sais rien. Il est midi, putain. Encore une fois, on se réveille à midi. Frérot, non, frérot, t'aurais dû voir mon rêve. Raconte ton rêve, raconte. J'ai rêvé que j'étais un keuf. Un keuf. J'étais là dans une banque. Regarde, écoute. Regarde-moi. Je t'écoute. Oh, dans une banque, j'étais là. Arme. Putain, j'avais une M4. Frérot, il y avait... Et après, il y avait Spider-Man. Non, écoute. J'étais dans la banque. Il y avait des putains de criminels. Il y avait mon commandant. Tu vois, le capitaine. On a fait l'intervention, on est rentré jusqu'au fond de la banque. Je le jure, Yanis Abdouben, il a tué mon commandant. Yanis Abdouben, lui-même. Frérot. Yanis Abdouben, il a tué mon commandant. C'était un truc de fou. C'est vrai? C'était un truc de baiser, sérieux. Comme dans le film? J'avais une M4, gilet pare-balles, police. Et t'as tué? J'ai tué tout le monde. T'as un bédo? Non. T'en as plus? Non. Et quoi du coup? On fait quoi maintenant? Je sais pas. On va chercher à Graille, j'ai faim. Vas-y. Attends.
quoi, ton commandant, il a tué Yanis Abdouben, c'est ça? Non, c'est moi qui ai tué... C'est moi qui ai tué Yanis Abdouben. Yanis Abdouben, il a tué mon commandant. Ok, tu veux un café? Ouais. Tiens. Non, c'était dingue, je te jure, c'était un truc de fou. Eh ben, rentre dans la police. T'as dit quoi? Viens, suis ton rêve, on va dans la police. Je t'arrête de me dire la même chose, je te jure, je me disais pareil. Non, mais vraiment. Attends. Quoi? On a essayé la crypto. Ouais. Sur Telegram. NFT. Ouais. On a essayé la revente de petits porte-clés, tu te rappelles? Les petits porte-clés Statue de la Liberté. Oui. Ça a pas marché. Non. On a essayé de travailler au supermarché, on s'est fait virer. Tu te rappelles quand j'ai... Rappelle-moi pourquoi? Parce que t'étais défoncé. Voilà. Tu te rappelles quand j'ai vendu des masques de Khabib? Tu me casses les couilles avec ton Khabib. Quand tu sauras que McGregor il est plus fort que Khabib, là tu pourras avancer. Qu'est-ce que tu racontes? Khabib il a éteint McGregor? Il l'a fait taper 3 fois? Il était malade. Toi, t'as vu, ça se voit, tu connais rien à l'UFC, toi. Toi, tu connais rien à l'UFC, toi, t'aimes trop le catch. C'est même pas réel ce que tu regardes. S'il te plaît, parle pas avec moi. Bien sûr que si. Et c'est pas réel, le catch. Bien sûr que si. Undertaker, quand il arrive, tu crois que c'est pas réel? Non, c'est pas réel. Ils font semblant. De Rey Mysterio, tu crois que c'était pas réel? C'est pas réel, ils font semblant. Alors que quand Triple H, il est rentré chez Randy Orton, tu crois que c'était pas réel quand il a niqué sa femme? C'est des chorégraphies. C'est pas des chorégraphies, c'était réel. C'est juste qu'ils veulent pas en parler à la télévision, tu comprends? Regarde, s'il te plaît. Ça m'a trop donné envie d'être keuf. Ça avait vraiment l'air trop bien. Eh, de toute façon, on s'est toujours dit un truc. Ouais. One life. On va chez les keufs. On a toujours tout tenté, viens, on tente ça. Vas-y. Comme dans les films, genre, moi, tu... Je pense qu'on pourra aller au Perkins. Bien sûr. Non, tu sais, les Perkins en bas. Oui, là, oui, bien sûr, c'est sûr. Je pourrais avoir du bédo, tu penses, là-bas? Non, mais ça, tu sais que j'avais même pas pensé à ça. Bah ouais. Non, moi je voulais juste tenir une M4. Non, moi je voulais juste avoir des bédos. Frérot, toi tu prends les bédos, moi je prends la M4. Toi les M4, moi les bédos. Ouais. Bah vas-y, go. Bah vas-y. Attends, je vais chier un coup. Vas-y, je t'attends devant. On a pas de voiture, putain, j'avais oublié qu'on avait pas de voiture. Los Santos, là je vous parle à Sherpé là. C'est bon, je remets la cam. Vous avez kiffé? Vous avez vu? C'était un rêve, bordel! Bon, on y va? The Beast, c'était un rêve, les mecs! On y va comment? On prend le bus! Oh, j'en ai marre du bus. Bah. Hey, Riz! Ouais. Ça fait 23 ans qu'on fait rien du tout de notre vie. Ouais. Rien. Ouais. Et c'est très bien comme ça aussi. Eh ben non, peut-être qu'avec ça, justement, on pourra. Tu sais? C'est-à-dire? Eh, hey, il y a un max de bédo dans les Perkins. Ah, mais écoute, moi j'ai jamais trop, voilà, je fume de temps en temps, hein. Eh, hey, mais moi tu sais. Oui, toi, je sais. Par contre, une seule chose. Ouais. Moi j'ai entendu dire dans la police, ils acceptaient pas les coupes un peu bizarres. Les coupes un peu bizarres? Mais non, c'est pas. Pas les cheveux, hein. C'est pas l'armée. Non, je pense que c'est l'armée, non, qui. C'est combien de temps ça fait que j'ai... Ça fait au moins 5 ans que je me suis pas... Non, t'inquiète. Non, surveille. Surveille. T'es en train de voler une moto, là? Ouais. Ok, impeccable. On vole une bécane pour entrer dans la police. Frérot, écoute, moi je te dis juste. Il faut qu'on soit crédible. Tu vois, là, t'es... Attends, regarde, descends. Descends. Quoi? Pourquoi vous voulez rejoindre la police, monsieur? Pour les perquises? Non, tu vois, non. Ok. Non. Vas-y, on recommence. Pourquoi tu veux rejoindre la police, monsieur? Parce que Riz, il a fait un rêve et dans son rêve, il était. Non. Ok, bah attends, je te pose la question. Pourquoi vous voulez rentrer dans la police? Car je veux servir. Ce Chronos. Je veux servir mon pays. Ah, c'est pas bête ça. Tu vois? C'est ça qu'il faut faire. Oh, le délire. Vas-y, repose-moi la question. Monsieur? Ouais. Malcolm? Ouais. Pourquoi vous voulez rentrer dans la police? Parce que je veux sauver mon pays. Impeccable. Bienvenue. Oh, c'est allez, incroyable. Viens. Allez, viens. Mais c'est si facile que ça, tu penses? Oui, un truc de fou. Et après, il nous passe un badge, il nous passe des flingues et on y va. Ouais. C'est quoi la première chose que tu ferais en tant que flic? Je pense que je mets un coup de taser à quelqu'un dans la rue au hasard.
Et toi? Attends, c'est où le commissariat? J'en sais rien. Oui, merde, c'est là-bas. Moi, je pense que tu te rappelles le gars là pour. Tu te rappelles le gars là? XX Gamer XX. Oui. Sur le Telegram des NFT. Ouais. Il nous a bien scam ce fils de. Ouais. Je pense que je retrouverai dans les fichiers de la police XX Gamer XX. Mais Quoi? Tu penses que la police ils ont son pseudo? Bah, c'est la police. Ah, mais faudrait qu'il. Bah, attends, la police, c'est la police quoi. Ah, mais c'est le pseudo. Attends, mais on risque pas d'être dans la merde, nous. Pourquoi? Bah, avec le compte Telegram. Mais frérot, à partir du moment où on est des keufs, qui va nous arrêter? Nous? Ok. Hein? On va pas s'auto-arrêter? C'est nous les keufs? Frérot, écoute, s'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. Ouais. Nique pas tout. Okay. Là, c'est mon rêve, tu comprends? C'est mon rêve d'être keuf. Ouais, non, c'était un rêve. C'est oui, pas ton rêve. C'est mon rêve, je l'ai rêvé tout à l'heure. Mais c'était pas ton rêve. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Non, c'est mon rêve. Non, c'est Riz. Ok, qui? C'est un rêve. Qui a rêvé de ça, toi ou moi? Toi. Donc c'est le rêve de qui? De toi ou de moi? T'as fait un rêve. Est-ce que c'est toi qui a rêvé de ça ou est-ce que c'est moi qui a rêvé de ça? Attends, s'en fume un petit dernier juste avant d'entrer, s'il te plaît. Vas-y. Mais réponds. Quoi? Est-ce que c'est toi qui a rêvé de ça ou est-ce que c'est moi qui a rêvé de ça? C'est toi. Donc, qui, c'est le rêve c'est de qui? Ton c'est rêve. Le rêve de qui? C'est mon rêve. C'est ton rêve. C'est mon rêve. Ok, mauvaise idée, viens, on rentre. Vas-y. Des recrutements en plus. Mais pas par là ou attends. Quoi? Viens. Regarde. Wesh. Un truc de fou. Attends, mais ils sont où? Je les entendais parler. Non, mais regarde comme c'est trop stylé, regarde comme c'est trop stylé. Comme ça. Ouais. Est-ce que oui, repos, excusez-moi. Vous êtes keuf vous aussi qui vont recruter au jeu? Non, mais en recrutement, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Nous aussi. Vous avez fait un rêve. Un rêve? Hein? Bon, c'est un rêve. Un rêve. Bah, un rêve. Un rêve. Ouais. Un rêve de quand vous étiez flic et que c'était trop stylé avec des M4. Ah ouais. 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 Un rêve de fou malade. J'arrêtais les gens qui dealaient de la drogue, ouais. Et les gens qui leur fumaient, tu les arrêtais aussi, quoi? Y'a le bug des visages? Quoi? Fumer, non. Tu les arrêtais? Big 2022! Ouais. Non! Ok. Va le voir, Julien, on vient pour le recrutement, je pense. Ok. Comme non, ça, justement, il a dit, on va attendre non, ici. Non, comme ça, il voit que tu prends. L'écoute pas, pour qu'il voit que tu prends les initiatives. Les initiatives. Ok, parfait. Qu'est-ce mais que si vous étiez dans la clé, ou dans la DOA, ou LCVD, ou bien dans le SWAT, sachez bien que vos places ne sont toujours pas acquises. Démarquez-vous, montrez que vous avez bonjour. Besoin de la niaque de rejoindre. Bonjour. Bonjour. Oui. Les recrutements commencent dans 10 minutes. Je vous demanderai de patienter devant, s'il vous plaît. D'accord. Et bah alors donc on va oui. Faire en sorte de recruter pardon. Même si on ouais. Tu penses que ça va marcher, sauver mon pays là? Regarde, t'es comme bien agressif. Sûr que ça va marcher, sauver mon pays. Ouais, ça marche tout le temps, sauver mon pays. Ça marche tout le temps, sauver mon pays, mon pote. C'est le truc de base. Je pense qu'on aurait dû continuer les cryptos. T'as déjà regardé Un flic à la maternelle avec Arnold Schwarzenegger? Oh, c'était trop stylé. Ouais. Ouais, c'était bien ça. Eh ben lui, qu'est-ce qu'il veut? Sauver son pays? Ouais, mais c'est Arnold Schwarzenegger en même temps. Frérot. Pour info, il n'y aura plus. On est Rise et Malcolm. Rise et Malcolm, frérot. Rise. Ouais, Rise. Ouais, Rise. Ouais, c'est dans LOL. League of Legends, ouais. C'est un perso. Ouais, mais Tu te rappelles notre phase League of Legends? Bref, oh, on est Rise et Malcolm. Comme ouais, dans Malcolm. En vrai, on a du flow, hein. Ouais. Qu'est-ce que j'adore mes locks. Combien tu me notes sur 10? Vérité. En termes de flow, là? Ouais. À 10, hein? Autre remarque, ouais. Je te parle sérieux. J'ai besoin de deux volontaires. Ah bah non, moi je te donne un. Bah vous savez, les deux volontaires qui viennent avec moi. 4. Recrutement là. 4? Pourquoi 4? Oui, tout à l'heure. 4. Et pourquoi? Bah, je sais pas. La casquette est spéciale, hein. Tu ressembles à. Et bon, par contre. Attends. S'il te plaît, ça dégaine, je lui mets combien lui? Eh oh, je t'ai pas demandé de me juger, hein. Il a 40 ans, il est habillé comme un lycéen. Il veut me faire? J'ai pas 40 ans. C'est parce que j'ai de la barbe que j'ai 40 ans. T'as 45 ans. T'as fait 25 ans de tôle, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, j'ai fait 25 ans de tôle, ouais. Mais attends, mais on dirait un flic en civil alors que ce n'est pas encore un flic. Et pourquoi y'a Marabunta derrière qui veut faire flic? Je sais pas, Rose-le. Y'a vraiment un mec de la BAC de Marseille.
Non mais pourquoi vous venez au recrutement en faisant les suceurs comme ça déjà? Juste s'il vous plaît. Qu'est-ce que quelques suceurs? Non mais pourquoi vous voulez pas être naturel vous-même là? Toi t'es je suis naturel. T'es habillé genre style de... Je vais mettre naturel. Vas-y. Bon les pucelles, vous rangez vos queues, vous sortez vos couilles et vous me suivez. Oui. Allez, je suis naturel. Ah ouais là t'es naturel. Ouais. Attends, c'est qui parle? T'es où? Je suis derrière toi là. Ah ouais. Ah ouais, c'est bien là. En ligne face à moi. Une belle ligne s'il vous plaît. Y'en a qui font pas la différence entre une ligne et une colonne ou... Eh ouais, Amadou, t'as vu ça? Je crois qu'ils sont un peu limités. Ouais, on est pas gâtés quoi. Bon, je me présente, sergent instructeur Seamus. Alors mon matricule c'est 37, mais vous ce sera sergent Seamus. Ou juste Seamus. Comme dans le catch. Ouais, Seamus. Comme dans le catch. Il a un truc à dire, la serpillière? Il parle à toi. Non, chef. Très bien. Y a pas de problème pour le retard. Tant que le bus est pas parti, on accorde les retards. Alors, je vous explique, vous êtes là pour essayer de rentrer dans le Los Santos Police Department. Je vais faire un petit tour. Chacun, vous allez me dire votre définition du Los Santos Police Department en trois mots. Si on a la fin, on est mort. Je stresse. Le premier qui me convient pas, c'est le caca dans le jambon. Bien sûr. Oui, chef. Oui, chef. Non, dites 10-4. 10-4. 10-4. Ah oui. Très bien. Et nom, prénom et trois mots pour vous qui représentent la LSPD. Si on passe à la fin, on est mort. Et voilà, on est mort. On va passer à la fin. Copy. Comment tu t'appelles? Plagie des gens, plagie des gens. DMB, Fendou. Oui. Suivant. Ken. Je crois que Burger Shot, il regrette Iris. Protection, obéissance. Attends, on n'a pas encore raté. Servir. C'est bien, suivant. Logan Reeves, protection, service et sacrifice. Très bien, suivant. Toi, t'es venu habiller ici, tu crois que t'es où, bordel de merde? On n'est pas au quartier, non, ici on va pas manger le tagine. Ici on va travailler pour le Santos Police Department. Oui. Tu me retires ce bonnet, tu me retires ces lunettes. Ok. Allez, je t'écoute. Jayden Bowman, confiance. Service et loyauté. Très bien. Suivant. John Walter. Protéger, servir, obéir. Suivant. Roberto Rossi Falar. Protéger, servir et honneur. Suivant. Josh Evans. Détermination, autonomie et initiative. Suivant. Malcolm Budley. C'est ce quand tu es Yavis Abdouben. Hein? Ça remonte à des années, ça, mon petit, d'accord? Comme dans le rêve de Riz. Trois mots, s'il te plaît. Allez, prends confiance en toi. Toi, t'as pas confiance en toi. Protection, service et informé. Et nom, prénom? Malcolm Budley. Malcolm Budley, ok. Nom, prénom? Riz Kronos, arrêtez les méchants. Trois mots. Riz, c'est ça? Oui, Riz. Arrêtez les méchants. Arrêtez les méchants. Alors, je vais te rectifier. C'est arrêter la raclure. Arrêtez la raclure. Simon. René Smith. Courtoisie, professionnalisme, respect. Nom, prénom, s'il vous plaît, mademoiselle. Holmes, René Smith. Holmes, d'accord. Simon. Ah oui, Suzuki, Ayuchi, respectez la hiérarchie. Simon. Marek Orlando Black, respecter, servir et protéger. Alors toi aussi c'est pareil, là t'es pas venu manger le couscous ou je sais pas, tu me retires ton direct, merci. Merci bien, t'as de beaux cheveux, il faut en profiter. T'es un gars en or. Merci. Bien, je vais laisser Amadou. Amadou, tu viens s'il te plaît, tu leur expliques pour toi c'est quoi le Los Santos Police Department. Bon écoutez-moi les jeunes, je sais pas dans quelle optique vous êtes venus ici là, si c'est pour faire beau avec vos petits uniformes, ou si c'est pour serrer de la petite. Ou toute autre motivation, mais je vais vous prévenir. Comment vous appelez, madame? Comme ça, au moins, vous savez directement, vous mettez les pieds. Nous n'avons pas besoin de clowns. Oui. Non, continue. Ah, ok, d'accord, excusez-moi. Ici, il n'y a pas besoin de clowns, hein. Je disais, si vous voulez venir faire vos petites affaires, faire rigoler la galerie, vous avez frappé à la mauvaise porte. Hein. Toto Fifi préfère vous le dire directement. Hein. C'est bien. Que ce soit bien clair. Hein. Nous sommes ici pour servir et protéger la population. Et nous sommes ici pour attraper les malfrats, les Doberman, les Rottweilers, les Labradors. Qui ne respecte pas la loi. Sauver le pays.
Voilà, vous voyez, exactement. Adama, lui, c'est un gars en or. Il a une très bonne vision des choses. Vive l'Amérique. Exactement. Ce pays qui nous accueille tous les jours, qui nous donne de l'amour. Il faut les voir. Allez, en ligne. On a un retardataire. Y'a le capitaine. Mes respects, capitaine. Avec moi, mes respects, capitaine. Respect, capitaine. Mes respects, capitaine. Eh ben, y'a du monde, dis donc. Mes respects, repos, tout le monde, repos. Bon. Maintenant, ce qui va se passer. C'était lui. Toi, là, le Power Rangers. Ah, mais y'a trois personnes encore en route. Il est mort. Toi, s'il te plaît, avec tes cheveux longs, comment tu t'appelles? Moi, c'est Markov. Markov? Si. Attends, c'est Watchy. D'accord, qui est mort? Ouais, bah toi, t'es déjà recruté, il faut que tu repartes en patrouille. Ouais, t'es parfait. Garde l'œil, tu vas te faire mal. C'est Watchy. Ça va super. Suivant. Suivant. Ok, les frères Middleton. Bien. Ça va, ça va. Vous regardez tous par là, vous vous tournez par là. Parfait. Les bus vont venir ici. Vous montez chacun dans les bus, dans le silence. Alors moi, sachez que je m'en branle. Que vous soyez noir, blanc, bleu, tout ça, vous vous mettez à côté de tous. Je suis pas raciste. Je suis pas raciste. Bien. On va chercher les bus. Il est vraiment raciste. C'est sûr, il est raciste. C'est si bizarre de le préciser. Tu t'en es remis, ta gueule de bois. C'est moi qui t'emmerde. Bah, t'as dit que le capitaine il était mort, mais il est pas possible, il est là. Salut Fiston. Je le jure qu'il s'est fait tuer par Yanis Abdouben. Je le jure. Oui, des bisous, Mathis. Mais je sais bien, je me suis réveillé, t'avais pas tiré la chasse. Il était trop stylé, Yanis Abdouben. Il avait trop de flow. Il avait ses petits cheveux plaqués en arrière là. Allez, les premiers là, vous montez dans mon bus, allez, on se bouge le cul, j'aime pas attendre, allez. Ok, c'est parti. Sergent Chimus, là, tout le monde dans le bus de Sergent Chimus. Allez, on remplit. Ah bah, je crois qu'il y aura cette place pour tout le monde. C'est un grand bus quand même. Non, y'a pas de place pour tout le monde, c'est pas grave. S'il y a pas assez de place pour tout le monde, y'a le bus de derrière. Laissez-les monter, descendez le conducteur. Ah, faut que je descende. Ouais, ils vont pas pouvoir monter. Allez-y, montez. Super, allez chacun votre tour. Ah non, mais y'a plus de place du tout, c'est bouclé. C'est malheur plan. Allez, on descend, mon puceau. Allez, Mamadou. Non. Il s'appelle pas Mamadou. Oui, j'ai oublié. Madame, montez pas sur le pied. Bon, y'a un autre bus. On suit. Voilà. Vous avez tous préparé un petit pique-nique? Non. Ah, des bonnes protéines, j'espère. C'est important. Que des protéines. La banane, du potassium. Allez, vous nous suivez. Vous prenez une voiture de flic pour la. Mais en fait, si la terre ne fait pas un perso raciste, parce que vous allez en il explose. C'est là pour ça. Ok, petite question. Comment je m'appelle? Sergent Chimus. Très bien. Chef? Oui. Sergent Chimus, s'il vous plaît. Sergent. Mais du coup, vous êtes sergent ou sergent instructeur? Sergent instructeur Chimus, mais je vais pas te casser les couilles, tu dis juste sergent Chimus ou juste Chimus. D'accord? Ok, sachez que moi, je suis un gars cool. Mais faut pas me faire chier. Avec votre crête iroquois, c'est incroyable. Tu parles pas de ma crête, d'accord? Ça a de la valeur. En plus, je crois que c'est incroyable. Je pense que sa crête doit être rousse. Mais je la vois pas. Mais toi, je t'ai vu hier, toi, t'étais venu à la soirée. Non, moi, ça va débugger les visages. Je suis passé à la soirée avec mon collègue. Oui, c'est moi qui t'ai dit de venir. Bah oui. Ah, c'était bien, on s'est mis une bonne race. Ah, c'était. Riz. Il y a eu de l'ambiance, il y a eu de l'ambiance. Tu sais qu'il ressemble vraiment à Chimus, hein? Bah ouais, je m'en doute. Chef? Ouais? Vous faisiez quoi avant la police? Ah, j'aime pas trop en parler, vous savez. C'est-à-dire? J'aime pas trop en parler. Et grosso modo, on veut savoir. Évidemment. Grosso modo, j'ai souvent été amené à me battre. À te battre? Ouais. C'est Chimus. Riz, c'est Chimus. Je crois c'est lui. Riz, je crois que c'est lui. Je te jure, je crois c'est lui. Vous portez des slips? Bah comme tout le monde, oui. Des slips ou des caleçons? Des slips, j'ai jamais aimé les caleçons. Ça soutient bien les boules. Je m'en bats les couilles, je vais lui poser la question. Vous connaissez l'Undertaker? Ah bah oui, j'adore le catch. Ah putain, la WWE. Ouais. C'est Chimus. Il l'a déjà rencontré et tout. C'est Chimus? Non, j'ai jamais rencontré. Enfin bon. Vous êtes cons les jeunes des fois, hein. Mais bon, vous êtes jeunes, vous devez en avoir une pour dans le crâne. Je te jure, c'est. Et toi, du coup, celui qui manque de confiance en toi là, pourquoi t'as une coupe de cheveux comme ça? Malcolm? Bah, c'est Melox. Ah oh putain, alors ça, c'était le mot qu'il fallait pas me dire. Quoi? Melox. Mulox? Non! Pas Mulox! Non, Melox! Non, c'est Melox! Ouais. Non, d'accord, c'est la mode, c'est ça, c'est les jeunes! Ah, c'est ma coupe, quoi! Ok, d'accord. J'ai mis 15 ans à la faire! Ah, c'est comme moi, ouais, j'ai depuis maintenant. Riz, je te jure, je me coupe pas les cheveux! Hein. Je te jure que tu vas pas te couper les cheveux! Tu crois que ça va être quoi l'entraînement là? Quoi? Tu crois que ça va être quoi l'entraînement? Bah, je sais pas, c'était... y avait pas dans ton rêve ça ou pas? Non, dans mon rêve, j'étais directement dans la banque! Directement dans la banque, ok. Ah, mais c'est un travail qu'on... Je pense qu'ils vont nous faire sauter par-dessus des barres. On va. Là oui, mais du coup. Frérot, imagine, j'avais rêvé de ça demain, on aurait raté les recrutements. Attends, mais c'est vrai, t'as rêvé ça avant? Mec, c'est un truc de fou. Oh la dinguerie!
terrifiant. Hey, ça fait bizarre Los Santos quand même. Ça, je suis trop content. On descend les puceaux, allez. Allez les chevaux, sort de l'écurie, allez. Oui. Allez les chevaux. Oui. Allez les chevaux, allez, allez, ça sort de l'écurie. Oh, et allez, sergent. Sergent Chemus. Je vois tout pâle. Je reconnais pas. Hein? Oui, mais moi je suis blanc de peau, mais moi aussi je vous vois tout pâle. Ah ouais? Allez, en ligne, en ligne. Bon, on retire les vêtements tous, allez. Moi c'est bon? C'est bon. Oui. Oh, ah, c'est, bah, bon. C'est bon. Oui. Ah, vous avez crêté les rousses, putain. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'il ressemble vraiment à Chemus. Mais ouais, il ressemble vraiment à Chemus. Faut... Toi aussi, mets ton t-shirt s'il te plaît. C'est Chemus, c'est Chemus. Oui. Bon. Ceux qui ont un haut pas adapté pour faire du sport, torse nu. Genre toi, avec ta chemise. T'es venu où là? Tu t'es cru avec un Perico, c'est ça? Non, señorita. Oh, tu m'enlèves ça. Tu m'enlèves ça de suite avant que je te casse contre le mur. Sweet, ça va? Sweet, c'est bon. Ça, ça va. En face, il y a un pull. Avancez, en rose, t'enlèves ton pull. Vers la ligne, avancez vers la piste. Pauvre. J'ai des affaires dans mon sac. Sweet, c'est un pull d'été d'hiver. Allez, on avance, on suit là. Riz. Ouais. Je m'ennuie. Allez, du néo, dépêchez-vous. On se pète? Oui, chef. Oh, vas-y, on continue un peu. Vas-y. Allez, deux tours de terrain. Allez, au pas de course, on marche. Allez. Pas de course, on marche. Allez, demande à l'eau couille, allez, deux tours de terrain, allez, allez. Non, allez, trottine. Eh, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Okay. Allez, si j'en rattrape un, je le matraque. Allez, on se bouge, allez, Malcolm, allez. Je suis à fond. T'es à fond là? Je suis à fond. Dépêche-toi. Ouh. Ça fait longtemps que j'ai pas couru, hein. Pousse. Attends, mais moi, j'en veux plus. Ça va? C'est le bédo de ce matin, on continue. Okay. Ouais. Cours pas vite. Ralenti. Ah, j'en peux plus. Moi, pour moi, les keufs, ça mangeait des donuts, et ça faisait. T'avais pas ça dans ton rêve? Non. Tu sais pas courir doucement ou quoi? Non. Il faut juste que tu cours une fois, et après tu lâches. Arrête de courir. Marche, cours une fois. Voilà. Ok. Voilà. Allez, voilà. Dépêche, là, sur la terre, on va pomper là. Ouais, plus qu'encore. Dépêche-toi, allez, pompe vite là, allez. Ça pompe, allez. Allez, pompez ou je vous fais pomper au chaud là. Ah oui. Ah oui. Chef, je veux vous entendre pomper là. Il y a vraiment des. Qu'est-ce que tu fais toi? Dépêche-toi. On t'entend pas assez là. Voilà. Allez. J'en peux plus. Tout le monde en peut. Vous savez c'est quoi mon surnom? C'est quoi, chef? C'est l'aigle. Et j'aime bien qu'on me réponde quand je pose une question. Vous êtes fatigué pour répondre? Non, chef. Quel est mon surnom? L'aigle. L'aigle, pourquoi? Parce que vous êtes beau. Parce que je suis un aigle. Oui. À chacun, je vais venir en face de vous. Vous allez me dire votre animal totem. Oui. Et si j'aime pas la réponse, ce sera un bac de paintball. Oui. Ah, okay. J'ai pas la rêve de Cobra Kai. C'est quoi, allez, Cobra Kai? Toi, ton animal totem, allez. Ah oui, le sanglier. Pourquoi? Ah oui, c'est vraiment très bon. Ok, allez, mademoiselle. Allez, l'hermine. Toi, je t'entends, tu gueules. Tu gueules pas. La qui? L'hermine. Allez, relève-toi là. C'est quoi ça? Continue et de faire quelque des chose coups. Qui ressemble un peu à un furie, mais dans les neiges. D'accord, ok. Toi, tu seras la rascasse, pas l'hermine. Ok. Allez, princesse, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton animal totem? L'espadon. L'espadon, toi, c'est quoi ton animal totem? Le loup, c'est quoi ton animal totem à toi? Le singe. Pourquoi? Parce que je grimpe d'arbre en arbre. C'est bien. Et toi? Pourquoi? Parlez plus fort. Et toi? On s'élève tous, j'ai pas fini, on bouge plus. Et toi? C'est de la merde, ma souris! Ça pue sa mère! Et toi? Très bien, l'œil du tigre, c'est ce que je voulais entendre. Et toi? La panthère. Et toi? Toi, je t'ai déjà demandé. Non, moi, c'est le pigeon. Le pigeon, et toi donc? Le serpent à sonnette. Pourquoi? Parce que quand je remue la queue, ça fait du bruit. Tu l'as? Attends, je vais t'appeler le comique. Mais vous l'appelez le comique. Ouais, c'est moi. À partir de maintenant. Toi. Malcolm, t'arrêtes de le foutre de ma gueule. Silence. Ok. Animal totem. Le paresseux. Pourquoi? Je
sais pas, c'est stylé. Quoi? Aïe, 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 aïe. Il n'est pas paresseux dans Los Santos Police Department. Bon, les chevaux, ouais. Maintenant, mise en situation. Ah, c'est bien paresseux, non? C'est très bien paresseux. Bintou, tu peux venir, s'il te plaît, faire le braqueur. Fefe, désolé. Oui, c'est moi. Tu m'as pas donné la tenue. C'est pas grave, c'est pas grave, t'as pas besoin de tenue. Ok, t'es voilà. Alors Bintou, c'est votre agresseur. Ok. Donc, ce sera exercice de réaction, vous allez jouer des rôles. Je vais vous appeler par équipe. Le serpent à sonnette, tu te mets ici. Malcolm, tu te mets à côté. Serpent à sonnette. C'est moi. J'appelle la rascasse à venir derrière le serpent à sonnette. Le con qui m'a dit la souris derrière Malcolm. Improviser. Bah je l'ai réfléchi, et je l'ai réfléchi pendant qu'il... Vu ce que j'ai fait, ça s'appelle former des duos. Pendant qu'il me parlait pas, j'ai cogité. Vous aussi vous formez votre duo. Allez, tout de suite. Quoi? Mais attends, mon duo c'est Riz. Vas-y, vas-y. Hein. Bah, il faut ah oui, vas-y. Excusez-moi, sergent chef, Chemus. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je peux changer de duo? Qu'est-ce qu'il a le comique? Il est pas content? Non, il change pas de duo. C'est comme ça, et pas autrement. D'accord. Si, c'est Riz. On s'est dit tout pour toute la vie. C'est mon coloc. La serpillère, tu parles, tu déranges pas le comique. C'est mon coloc. C'est beau la coloc. Moi aussi j'ai un coloc. Je m'en branle. Vous avez formé votre duo? Oui. Parfait, vous vous dispersez dans tout le terrain maintenant. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Vince. J'ai oublié comment je t'appelais. Ironesmi. Okay. Ironesmi? Oui. Et toi c'est quoi ton nom? Attends, c'est un prénom, Ironesmi? Non, Renesmi. Renesmi? Renesmi? Oui. T'as pas une carte d'identité que je puisse lire, s'il te plaît? Ah, attends, je vais le dire plus simplement. Renesmi. Renesmi. Oui. Ça vient d'où ça? Je sais pas, je sais qu'en tout cas c'est dans Twilight. Renesmi. Allez, on se réunit, mes puissants, on se réunit, mes puissants, allez! Super sympa. Allez, allez! En duo, ligne face à moi! Moi, je m'appelle Riz. En duo! Bon, enchanté. Le comique! Enchanté. Oui, chef! Allez, allez, tu rejoins aussi! C'est qui dans ton light? J'ai repéré des inaptes, je vous le dis. Vous vous mettez en queue le comme le comique et. Oui. Et la rascasse, ils ont fait. Bien. Maintenant, je vais appeler Black. C'est ça? C'est quoi déjà ton prénom? Moi? Oui. Marak, Marak. Marak, ok. On va se reculer, nous les agents. Et tu vas te laisser avoir par la suite. Avancez-vous le duo. vous êtes deux petits civils, voilà. Je sais pas, vous mangez des makemba ou quelque chose comme ça. C'est quoi des makemba? Allez, votre des vie civile là. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est peut-être ça, des nems. Mangez des makemba aussi. Bouge-toi avec ta grosse tête là. Eh, je te préviens, fais pas de geste brusque, je t'allume directement. Ça va, je bouge pas. T'as quoi sur toi là? J'ai pas grand chose. T'as quoi sur toi? Ne mens pas, je vais tirer. J'ai à manger à boire. À manger à boire? Tu me prends pour qui là? Tu crois qu'on est au restaurant là? T'as pas de l'argent? Pause! Demande. Tu veux être agent du Los Santos Police Department ou tu veux être une victime? Parce que si tu veux être une victime, tu me le dis, je te mets chez les EMS. Alors maintenant, tu négocies pour qu'il arrête de te braquer. D'accord? Vous deux, vous êtes un duo. Au Los Santos Police Department, on travaille en équipe. Tiens, je vais parler. Toi, t'as petites lunettes là. Oui, monsieur, monsieur. Hein monsieur. Toi, t'as de l'argent, toi, hein, je sais bien. Oui, j'ai de l'argent. Vas-y, t'as quoi comme argent là? Dis-moi tout de suite là. J'ai environ 300 dollars. T'as 300 dollars, tu me prends pour un clochard? T'es interdit de me prendre pour un clochard. Suivez les autres instructeurs, s'il vous plaît. Il va péter les plombs. Vous devez la venir. Vous approchez pas, je dis. Arrête ton duo là, c'est celui-là. Arrête de t'approcher où je dis. Ok, j'approche pas. Je te préviens. Fifi, ne rigole pas. Baissez votre arme, baissez votre arme. Quoi? Pourquoi tu veux que je. Ah, je pense que t'as de merde. Hey! C'est quoi, briquet? En mode, je t'ai feinté, tu vois, j'ai fait un peu peur. Ah, oula! Hey! Oh, putain! Alors, on est un comique, mais quand il s'agit de se battre, on est pas trop présent. Ouais, j'étais pas sur mes appuis. Vous voulez de l'argent, ce que j'ai. Ok. Je vais te lâcher, dépêche-toi, vite. Ah, oui, j'ai un genre instructeur. C'est bon. Vous connaissez Breaker? Je prends le comique. Vous mettez là en duo derrière. Allez, venez avec moi tous les deux. Moi? Oui, chef. Ok.
Toi la petite, là, tu t'appelles comment là? Oulala, oulala. Tu t'appelles comment? Oh, je m'appelle Renesmee. Dis-moi, comment ça s'appelle? Renesmee là? Eh. Elle est très mignonne. Va pas braquer ma gonzesse celui-là, hein. Elle est très mignonne. Non, 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 tu braques pas ma gonzesse. Comment ça se braque pas ta... Tu braques pas ma gonzesse, tu braques moi. Avec ta coupe de clou là. Ouais, 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 ouais. Ouais, après niveau clou, monsieur, vous êtes paumé. Oh. Vous voulez que je vous allume tout de suite là? Je tire, c'est quoi? Je tire, c'est ça. Non, non, attends, attends. Tire pas, écoute, qu'est-ce que tu veux? Attends, c'est rien. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Je veux ta petite là. Tu veux ma petite? Mais il m'avait dit, t'es pas mineur là, c'est un âge, t'es adulte. Moi, tu me. Et moi. Petite là, ça veut dire la petite, la jeune fille là. Si je te la donne, je me laisse tranquille. Ouais, si tu me la donnes, y'a pas. Vas-y, vas-y, remets ce mère, va. Oh, ou pas. Mais. Par contre, je vous préviens, je parle beaucoup, monsieur. Comment vous faites? Bah, bonne soirée, monsieur. Très bien. Non, parce que du coup, je pense qu'on peut aller parler, je sais pas, moi, des. Alors, dis-moi là, c'est quoi ton problème à toi là? Quoi? Ça y est, je vais te donner la petite. Bah, comment ça là? Quoi? Tu es censé négocier avec moi là, pourquoi tu me donnes la petite? Vous en vouliez pas à moi, vous en vouliez à elle, moi c'est bon, j'ai la vie ça. Ah d'accord, donc toi si par exemple il y a quelqu'un, il y a un habitant ici là, qui a un problème, toi tu vas préférer le livrer et sauver ta vie. Je suis pas encore policier là, je suis un civil, non? Je te mets en circonstance. Pourquoi tu vas passer de négocier? Pardon, ok, j'avais pas, on peut le refaire? Est-ce que tu peux refaire ta vie? Allons, dégage d'ici là, dépêche-toi là-bas, là, vas-y, cours là-bas, va-t'en là. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? On vient avec moi le comique. J'ai vraiment des oui. Ça c'est bien, on fera un débit frais après, d'accord? Oui. Je vais vous donner une arme létale, voilà. Avec 12 balles. D'accord. Vu que vous sortez de l'école de police, vous devez avoir votre PPA. Vous sortez bien de l'école de police. Oui. Moi tu sors jaune. Très bien. Je vais vous donner à chacun une arme létale. Je vais monter avec mon collègue Fefe dans la voiture. Votre objectif, vous êtes à pied. Comment vous allez faire? Vous nous crevez les pneus. Et vous venez directement nous arrêter. Vous inquiétez pas, les pneus ils se regonflent tout seuls et c'est des balles à blanc qu'il y a dedans. D'accord. Ok. D'accord. On commence avec le duo du comique. Oui. Waouh. Un vrai? Non, c'est des balles à blanc. C'est la première fois que je suis l'arme. Oui, mais moi. Comment ça, tu n'as pas eu d'arme? Tu as jamais porté d'armes à l'école. Du coup, on fait. Du coup, on fait quoi? Répétez-moi ce qu'on doit faire. Non, mais attends, excusez-moi là, parce que lui, j'ai l'impression qu'il est venu pour se foutre de la gueule du monde. Non, mais juste en gros, sur les pneus. Je suis venu. Non, mais attends, déjà, pour commencer, tu arrêtes de m'interrompre. Attention. Pardon. Je vais m'énerver. Allez, on stoppe les exercices, démonstration, venez voir. Ah, il a dit on y va. On parle de ça après. On marche. Moi, j'ai pas d'armes, donc je sais pas ce que je vais faire. D'accord. T'es sûr que tu veux rester dans la peau d'histoire? Moi, oui, oui. Allez, oui. On regarde comment il va faire le comique. Avec son duo, une interpellation. Oui. Il y a une base pendant une interpellation, c'est action, réaction. Action. Action, réaction, interpellation, mise en arrestation. D'accord. Wouhou, vas-y, Riz. Et tu lui es droit Miranda, d'accord? Malcolm, c'est pour toi celle-là. Ouais. Non, t'as une arme, wouhou. Regarde, c'est un vrai pétard. Non, c'est un faux. C'est un vrai de vrai. Jamais des gens qui ont pas. Tu m'écoutes, Get Malcolm. Ouais. Le comique. Oui. Cette coupe des cheveux là. Si tu es distrait, tu donnes l'arme à. Non, je suis pas. Je suis concentré. Très bien. Alors je vais partir. Je vais monter dans le véhicule. Et dès que je vais monter dans le véhicule, tu vas dire merde, ce sera trop tard. J'ai kidnappé 3 personnes. Ouais. Ils sont dans le coffre. Je suis dans l'incapacité de leur tirer dessus vu que je conduis. La seule opportunité pour pas exécuter, parce que nous on retire pas la vie. La meilleure arme de la LSPD, c'est quoi? Le pétard. Communication. La parole. La communication. D'accord, donc tu. donc tu descends les pneus, d'accord, et tu viens et tu me braques et je descends et tu me lis mes droits Miranda. D'accord. Et après arrestation. Ok. Est-ce que t'as compris? J'ai bien compris. Est-ce que tu veux que je réitère? Non. Je vais vous observer tous comment il va faire. Je tire sur le pneu, okay. Je t'arrête, d'accord. Voilà. Alors voilà, là je suis kidnappeur. J'ai répondu premier degré. Hein. Je tire maintenant là? Ça y est? Levez les mains! Les mains en l'air! Pas de geste brusque! Un geste brusque, t'es mort! Un geste brusque, t'es mort, je te préviens! Les mains en l'air! Les mains en l'air! En l'air! À genoux! À genoux! Oh là, par contre, non. Voilà, non, c'est très bien. C'est très bien, laissez-le, il monte ses biens. À genoux! Et la collègue derrière, s'il te plaît, tu agis avec lui! Je le menote! Je le menote! Oh! Qu'est-ce que j'ai entendu là? Pause! T'as eu une arme, tu as ta bouche, tu as la parole.
C'est pas le seul à parler, tu lui dis monsieur, non, vous arrêtez, tu vas venir mes droits Miranda, lis-moi les droits Miranda. Remets-toi à genoux, je t'ai pas dit de bouger. Là tu prends trop le rôle. Remets-toi à genoux. Le comique, je vais m'énerver. Vas-y, tire, tu vas comprendre pourquoi on m'appelle Seamus, vas-y. Vas-y, Riz, t'as pas les couilles. Non. Oh. Attention, jeune homme. J'ai pris 400 balles dans ma vie, t'inquiète pas. Là, c'est des fausses balles, ça va rien faire. Ok. Non, tu me tires pas dessus, on n'est pas des gangsters. Non, j'ai pas tiré dessus, mais c'était pour continuer. Allez, redonne-moi l'arme létale et toi, tu me lis les droits Miranda, s'il te plaît, la rascasse. Ok, y'a pas de soucis. Allez, monsieur, nous sommes actuellement le 11 septembre 2022 et il est actuellement. On est en septembre. Vous êtes en état d'arrestation pour les faits suivants: kidnapping et délit de fuite, refus d'obtempérer. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra sera retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à boire et à manger avec un avocat durant votre interrogatoire. Oui, j'ai bien compris mes droits. En tout cas, c'est beaucoup plus propre que la. Allez, on faisait quelqu'un d'autre. Tiens, les frères, vous voulez la péter, bah vous allez montrer votre potentiel. Une bonne diction. Bien joué, Meresmer. Merci, Malcolm. Merci. Oui, merci. Allez, dernier test. Avant les tests psychologiques. Et après ça, on rentre au commissariat et on regarde qui c'est qui a gagné. Alors attends que je roule. Je suis dangereux. Arrêtez-vous, monsieur. Arrête-toi. Sors du véhicule. Pourquoi il me fait un accent ? Contact. Sors du véhicule. C'est un gros raciste. Pourquoi il me fait un accent ? Je suis dangereux. Appelle les renforts. Sors du véhicule, mets en l'air. Les mains en l'air, monsieur. Mets-toi contre le capot. Reste à distance, fiston. Voilà, tranquillement. Voilà, vous avez une arme contendante sur vous. Oui. Laissez-moi voir ça. Hey, vous avez vu? Ouais. Il a suffi que d'une minute d'inattention pour que les deux je les mette KO et je les encastre. Venez voir. Hey. Vous avez vu? Vous êtes fort, lieutenant. Frappez en premier, frappez fort. C'est une des priorités de base de. Malcolm. Quoi? Si c'était Seamus, il aurait mis un Bigfoot dans la tête. J'ai bien aimé votre parole, j'ai bien aimé votre esprit d'initiative. C'est bien. Retraite, je sais pas moi, non. Allez. C'est vraiment Seamus. Test psychologique. On est 1, 2, 3, 4, 5 agents. Ça veut dire qu'il y aura 5 queue-leu-leu. Une queue en face de moi. Enfin, une queue qui va se mettre en face de moi. Une queue qui va se mettre à côté de Leroy. Une queue qui va se mettre à côté de. Hop. Une queue qui va se mettre à côté d'Amadou. 5 queue-leu-leu. Voilà. Allez. 5 quoi ? C'est bon, vous également pas. 5 queue-leu-leu. Exactement. Les queues. Allez, la matière, c'est pas timide, je mange pas, j'ai pas peur. On va où? J'ai pas écouté. Viens, on va avec Seamus. T'en es où, Meresmer? Ah oui, il est là-bas. C'est Widman. C'est vraiment Widman. T'arrêtes de faire le con, sinon je t'encastre. Pardon. Bon, oui, dépassé, allez. Tu veux que je t'encastre? Non. Alors t'arrêtes de faire le con, là. Oui. Très bien. Avez-vous des soucis remontés par les EMS ou quelque chose comme ça, mademoiselle? Une maladie? Non, j'ai le syndrome déjà. Vous avez le syndrome de la beauté. C'est vraiment Widman. Allez, suivant. Le comique? Oui, je vais te marrer la gueule. Je suis vraiment désolé. Le comique? Oui, c'est Widman. Il y a Widman derrière. Attends, t'as fait un rêve de Yanis Abdouben. Alexander, je t'écoute. Oui, moi c'est Markov. Markov, oui. Est-ce que tu as déjà perdu un proche? Oui. Tu es déjà tombé amoureux? Non. Une arme, ça sert à quoi? Tuer. Non. À se défendre. Exactement. À quel moment tu sors une arme? Si je suis en danger. En danger pour toi, ça veut dire quoi? Définis-moi la légitime défense. Pour me protéger au cas où ma vie en dépend. Définis-moi la légitime défense. Si ma vie en dépend. Définis-moi la légitime défense. Si quelqu'un en vient à s'en prendre à ma sécurité ou ma santé. Une réponse adéquate à la force employée. Exactement. Une réponse adéquate à la force employée. Suivant. Je suis déçu. Mon prénom, est-ce que tu es déjà tombé amoureux? Peter Clutch, oui. As-tu déjà tué? Oui, je sais pas. Oui. Je pense en pourquoi? Vous êtes pris, vous, madame?
J'étais mandaté par le gouvernement. Ça veut dire que tu as déjà travaillé par le gouvernement? Tout à fait. Ah, ça aurait pas été possible de travailler dans le centre hospitalier par Sébastien, monsieur. C'est vrai? Ouais. Je pense que vous pourriez avoir... j'ai quelques compétences que je pourrais vous partager. Bah, vous voulez, vous irez la proposer au capitaine directement. Directement au capitaine? Oui, parce qu'on va pas vous faire passer cadet alors que vous avez travaillé pour le gouvernement, s'il vous plaît. Très bien, je comprends bien. Allez, bah, je vous laisse retourner à vos occupations et revenir au commissariat plus tard. Très bien, merci beaucoup, sergent Chemus. Il n'y a pas de problème, suivant. Es-tu déjà tombé amoureux? As-tu déjà tué? Oui et non. Oh, toi, je vais te marbrer. Oui, tu es déjà tombé amoureux, non, tu as jamais tué? Non. D'accord, c'est quoi l'arme la plus puissante du Los Santos Police Department? Le bazooka. D'accord, ok, ça va pas être possible, je te laisse continuer la, ta route. Et là, faut que je sois sérieux, là. Tu es Gogol mental. Mais non, c'est pas vrai. Tu es Gogol mental. Non, c'est pas vrai. Bon, ouais. Ça va bientôt être l'heure du couscous, donc s'il te plaît, tu te presses. Le quoi, c'est quoi du couscous? Bon, je t'ai dit que ça va pas être possible. T'es refusé. À moins que tu faisais une blague. Non, c'était une blague. Non, c'était pas une blague. Ici. J'ai pas rigolé, c'était pas une blague. Et moi, j'ai rigolé. J'ai pas rigolé, c'était pas j'ai une pas, blague. J'ai pas rigolé, même j'ai pas rigolé non plus. Rigolé. Non, je suis expert en humour et j'ai pas rigolé. Pas drôle. Et je suis le comique pourtant. Suivant. Oui. On même pas à quoi ça ressemble. As-tu déjà tombé amoureux? Non. As-tu déjà tombé en dépression? Non. As-tu déjà tué? Non. As-tu déjà eu la volonté? Dans des jeux vidéo, oui. Tu joues à quel jeu vidéo? Call of Duty. Oui, allez. Non. Tu as déjà fait l'armée? Non. Très bien. Tu passeras les prochaines. La meilleure arme du Los Santos Police Department pour toi. C'est pour toi. La communication. Pourquoi? Car les armes tuent, mais les mots blessent. Oh, tu l'as pas vu venir celle-là, elle est magnifique. Eh bien. Elle est trop magnifique. Ouais. À quoi bon blesser un adversaire? Ben, pour pouvoir le mettre en prison. Eh bah, c'est ça. Oui ou non? Oui ou non? Tête de con, allez, mets-toi sur le côté. Lequel? Le côté des bons ou des... Le côté là-bas. Ok, côté cool. Simon, tu vas pas d'Amérique, toi. Parce que je suis fatigué, j'ai de la spie. À quel moment dois-tu tuer quelqu'un? Ça fait combien de temps? Menacé par quoi? Ah bon? C'est incroyable. La perte de la vie. À quel moment t'es menacé de la perte de la vie? Non, ça va, tout va bien. Pourquoi se moquer de toi? Tu consommes de la vœu? T'es un défoncé, t'es un camé? Non, à l'époque. Tu sais que si j'apprends que t'as un camé et que t'es dans mes rangs, toi, je vais te marbrer. Avant. Je vais te marbrer, Malcolm. Tu me le dis si tu consommes de temps en temps. Non, jamais. D'accord, ok. À ce moment-là, ma vie elle est en danger. D'accord. Sa vie elle est en danger. Pas, gens, alors non. Voilà. Quand on te sort une arme létale, ta vie est en danger. Par contre, quand on te sort une arme blanche, t'as qu'à le diquer, le gars. Et c'est avec la voix du poing que tu le niqueras. D'accord. Je t'ai dit, toi, tu dois prendre confiance en toi. Allez, sur le côté. Suivant. Bien joué. Mes préférés. T'as été bon. Ouais, t'as été bon. Je me suis perdu vers la fin. Ouais. J'ai commencé à parler de bœufs et tout, mais je sais pas. Non, mais ça s'est pas senti, c'était naturel. Ok. Non, c'était naturel de fou. Eh, tout à l'heure, pendant notre simulation de prise d'otage, ouais. Mon otage, il est mort. Parce que j'ai dit à l'instructeur, vas-y, tire. Tire si t'es un homme, et il a vraiment tiré. Bon, il m'a dit. Parce que je voulais voir comment ça faisait quand il tire. Bon, il m'a dit, oh, je veux kidnapper la gonzesse. J'ai dit, ah, tu m'en veux pas à moi? Il m'a dit, non. J'ai dit, bah vas-y, prends-la. Et il l'a pris. On est bon, du coup. Ouais. Tu penses que c'est grâce à ton rêve? C'est sûr, frérot. Oulala. Franchement, t'as vu, Meresmer, je l'aime vraiment beaucoup. Hein. Alors, c'est qui Meresmer? La fille. Ouais. Mais quand elle parle, je comprends rien, je le jure. Oui. Mais, attends, je peux te dire un truc, j'ai le droit ou pas? Je sais pas. Moi ça me fait un peu rigoler. C'est pas raciste hein. Non, c'est pas raciste. C'est juste ça me fait un peu rigoler, c'est tout. Ouais. Non moi ça me fait pas rire mais juste je comprends rien. Bon. Mais c'est vraiment Weedman, je vais péter. Ceux que j'ai mis sur le côté donc venez. Ah, ils sont pris tous là. Il y a ouais. Vous avez recruté Weedman dans la police. Ça s'appelle pas Weedman, c'est Joey. Je suis le Joey. Le comique, tu viens avec moi. C'est Weedman. Vous me laissez parler avec le comique. C'est Weedman. Le comique, tu viens avec moi. Attends, Weedman, je reviens, je vais parler avec le sergent chef Sheamus. Oui, ok, pas de soucis. Aïe, je suis arrosé. Alors, moi, tu vois, je suis très strict, je suis très réglo. D'accord.
la prochaine blague que tu fais, tu vois, je te prends par le callback, je t'en casse contre le mur, je te fracasse la gueule. Mais pourquoi ça veut dire de vous faire rire? Là, j'ai l'impression que tu te fous de ma gueule et j'aime pas qu'on se mais de non, ma gueule, non, non, je me fous pas de votre gueule à vous. J'aime pas qu'on se fout de ma gueule. Non, là, je le jure. Je tire le point là parce que je commence déjà à péter ma tête. Non, non. Tu vois, tu non. Me fous de ma gueule. Non, promis, je le jure. Je le jure, je me fous pas de votre gueule. Tu te fous de ma gueule ou tu te fous pas de ma gueule? Non, je le jure, je me fous pas de votre gueule. J'ai une tête de con. Non. T'es sûr? J'aime beaucoup votre crête. C'est vrai? Ouais. Tu veux te faire la même? Ouais. Donc tu te fous pas un peu de ma gueule? Non. Tu veux la même crête que moi? Ouais. Très bien, t'as quel âge? 22. Eh vas-y, t'es pas con, allez retourne là-bas. Quoi? Et arrête tes blagues de merde parce que sinon je te promets toi je te plaque au sol et je t'enchaîne. Mais je retourne sur le rang. Comment je peux retourne sur le rang. Enlève ton t-shirt et remets-le s'il te plaît chef. Et comment tu veux que je sois le comique si jamais je fais pas de blague chef? C'est ton surnom le comique. D'accord, j'ai un surnom pour tout le monde moi. D'accord. C'est bon. Ah ouais, tu crois c'est ta musique préférée? Vous croyez c'est un RP québécois et c'est pas juste une québécoise? OK, très bien, toi t'es mort dans le film, c'est quoi ta musique préférée à toi? La kiffance de Nap. Mais non. Ok, très bien, toi tu veux mourir demain, c'est quoi ta putain de musique préférée toi? Ah ouais? Melimen. Comment? Melimen, très bien. Et comment vous savez? C'est quoi ta musique préférée? Je dirais Drill FR4. Drill FR4, très bien, tu es un oui. Top Man en road velour. C'est quoi ta musique préférée toi, le balai à shot là? La rentrée de Rey Mysterio. Ça c'est quelqu'un qui a du goût, c'est quoi toi ta musique préférée? Moi c'est Weshden Coco. Je préfère te dire, tu es déjà viré. C'est quoi ta musique préférée? Ah oui, moi c'est Mariano Kahn. Maintenant, pour pas vous copier, Mariano Kahn. S'il vous plaît, vous m'écoutez. Je vais vous appeler un par un. Ça va être. Oh, c'était Nom de Linkin Park. Je vais m'expliquer votre vraie volonté de venir dans notre entreprise département. Ça c'est pour des civils. Parce que sachez qu'on va pas prendre tout le monde. Le comique, tu viens en face de moi. Oui. Vas-y, reviens avec moi. C'est quoi ta musique préférée? C'est Nom de Linkin Park. Je crois que tu parles à moi. Allez, pourquoi tu veux rentrer dans l'Ancien Autopsie Département? Pourquoi je veux rentrer dans l'Ancien Autopsie? Là, c'est pas une blague. Pour. Non, les regarde pas, tu me le dis à moi. Ah, pour protéger mon pays et avoir une utilité dans la vie. Continue, c'est un concours d'éloquence, hein. J'ai pas envie que tu fasses de la merde. Ah, pour. Tu peux. C'est éliminatoire. Hein. Premièrement, protéger mon pays, car les États-Unis d'Amérique sont le plus grand pays de toute la galaxie. Deuxièmement, pour avoir une utilité directe et un impact colossal sur la vie. Et troisièmement. Car c'est mon plus grand rêve d'être policier. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être flic? J'ai fait un rêve. C'est mon rêve. Bonsoir, messieurs dames. C'est votre rêve, l'histoire. C'est mon rêve, c'est mon rêve. Bonsoir, mes respects. I have a dream, c'est ça. C'est mon rêve, exactement, c'est mon rêve. Ok. Très bonne citation. Malheureusement. C'est un peu light. Hein. C'est la vérité. Ouais. Je n'ai pas rajouté d'artifice. J'ai juste dit ce que mon cœur me disait de dire. Qu'est-ce qu'il a dit pour devenir flic? Comment? Il a dit que c'était son rêve. Mais après, par contre, au niveau de l'intervention tout à l'heure, il a mis de l'énergie. Ouais, c'est pour ça, là. L'intervention, il gagne beaucoup de points. C'est on s'en fout. Je suis un homme de terrain. Tu as envie d'aller sur le terrain. Écoute, ce que je veux voir, c'est l'efficacité sur le terrain. Écoute, là, l'intervention, elle t'a sauvé. Ouais. Bon, et niveau éloquence, t'es une bille, t'es comme moi, tu vois. Oui. Mais ton intérêt, elle t'a sauvé, t'es un gars du terrain. Bon, on va te prendre. Merci. Okay. Par contre, on tire pas sur le capitaine, s'il vous plaît. Merci. Tu le dis pas aux collègues. D'accord. Oui, bien sûr, on a mais respect capitaine. Mais respect capitaine. Mais respect capitaine. Tout le monde repose. Mon capitaine, je savais pas gérer le cas de Peter Clutch, c'est un cas particulier, je voulais le gérer du coup. Le cas de Peter Clutch, qui est-ce donc? C'est lui. Vas-y, on va te remettre dans les rangs. Merci enfin, chef. Non, toi tu te mets là-bas toi. Merci chef. OK, suivant, tu viens. Bien sûr, cette épreuve est éliminatoire. Ah merde, moi je l'ai fait en parlant fort. Let's go. Bah je me faisais recal, c'était fun perso. Voilà. Peut-être pas fan perso, mais bon, ça aurait été chiant quoi. Ouais. C'est bon, j'ai été pris. Hein. C'est quoi tes ambitions futures? Pourquoi tu veux rentrer? En fait, c'est vraiment global. Il faut que tu nous parles de manière globale. D'accord, très bien. Après, est-ce que tu pouvais vraiment te faire recaler? Bah, ça, je vous jure, moi j'ai DM personne de la police pour leur dire ouais. Vas-y, je récupère. Tu me prends obligatoire, tu vois. Viens avec moi, Zé. Il aurait pu. Zay. Alors, il a pas reçu de mail. Un qui vient avec moi. Il a pas reçu de MP Discord, t'as intérêt à me prendre sinon je te banne quoi. Si jamais c'est ça votre question. Viens là. J'ai menacé personne. Non, c'est vrai. Je vous jure, j'ai menacé personne. Pourquoi tu vas rentrer dans. Je jure. Pourquoi t'as choisi ce métier? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta perspective d'amour? Enfin, de donner de l'aide aux équipes et tout ce qui s'ensuit, soit administration, tout ça. Ok, le vert, tu viens là. Oui, lieutenant. Tu me dis tout de suite pourquoi tu veux rejoindre Los Santos. C'est un concours d'éloquence, faut pas être mou. J'ai envie de rejoindre la police pour protéger ce pays et l'Amérique. America great again.
Quand j'étais plus jeune, mon meilleur ami s'est fait descendre par un criminel qui est encore dans ces rues de ce pays, quoi. Si je veux rentrer dans les forces de la police, c'est me dis pas, il a fait un perso pour faire régner l'ordre et pour revenge. Que ce pays soit protégé. Son ancien perso. Unité de police qui soit. Aujourd'hui, si je me présente, c'est que vraiment je suis motivé. Je pense avoir toutes les j'espère qu'il a pas fait ça. Les compétences nécessaires pour entrer dans la police, lieutenant. C'est quoi pour toi la pire raclure dans notre ville actuellement? La pire raclure? Ouais. Je pense que c'est les membres de gang. Ouais, ok. Qui vendent la drogue. Ouais, surtout ça. Ok. Tu vas là-bas, mais il va falloir être bien fermé. Ça marche, merci lieutenant. Malcolm. Enchanté, messieurs. Enchanté, mon pote. Vous êtes pris? Ouais. A priori, ouais. C'est qui ton pote qui est mort? Désolé, on va trouver. Et Connor. C'est qui, Connor? C'est mon meilleur ami. Il travaillait où? On était encore enfants, quoi. Vous habitiez où? Russie. Ah, ok. Je croyais t'en... C'est pris une balle perdue dans... Ça fait mal d'en parler. D'accord, courage, je te tapote l'épaule. Merci. Et pas tous les jours, directement au niveau des bus. Ok, continue. Et donc, débordeur, moi, Malcolm Dudley, qui peut paraître comme un trou du cul, Venez, madame. Je vais respecter toute cette déontologie et toute mon âme pour cette patrie et cette police. Au moins, il mange pas son ancien perso. Là-bas. Non, c'est mes vrais cheveux, mais coloration. T'as entendu ou pas? T'es bon. Ça paye quand je reste réveillé, j'aurais un esprit criminel, j'ai appris tout ça là-dedans. Je l'ai baisé. Ça veut dire quoi, déontologie? Quoi? Ça veut dire quoi, déontologie? Mais on a rien à foutre, je l'ai dit, c'est tout. Get son menton comme il est carré. Ah mais ouais, c'est un marteau mon menton, hein. Ouais que t'as la mâchoire, c'est carré. Comme ta gueule, c'est bien, t'as de l'autodérision, c'est bien. Un peu de respect, s'il te plaît. On se connaît pas. C'est pas du respect, c'était un ordre, ferme ta gueule. Toi, tu te prends pour qui, toi? Oui, parce qu'elle met ça là-bas. Faire les choses bon, comme ça, là. On est collègues après tout. On va dire que c'était une petite blague. Non, c'était pas une blague, c'était vraiment. Alors vraiment, ferme ta gueule. Merci. Il boude. C'est bon, je te demande pardon. Je te retapote l'épaule. Je te demande pardon, j'aurais pas dû. C'est vrai que je suis allé un peu loin dans les insultes. Je t'appelle comment? Non, mon pote. Ren Esme. Mon pote. C'est bon. T'as quel âge? 22 ans. Suivant, 22 ans, t'as une voix comme ça, toi? Ouais. Celui qui est habillé comme un gangster, là. Je t'ai réprimandé au début. Ouais, t'appelles comment, toi? T'appelles Riz. Riz? Ouais. Riz comment? Vous aimez bien mon pote? Chronos. Chronos? Ouais. Ok. Avec un K. Ok. Et toi? C'est Markob. Markob. T'es juif? Moi je pense que tout le monde est en 10 sur 10 dans ce monde. Non, attends, tu parles à moi ou au collègue à droite? Non, lui. C'est vraiment pas. Non, je suis pas juif. D'accord. Et toi? Comment je t'appelle? Non. C'est Markob Alexander. Toi c'est Markob? C'est vraiment un 11. Ouais. Et toi c'est Markob? Non, moi c'est Ken. Ah! Ken Moon. Je crois que je t'appelais Markob. Bah non. Ok. T'as une tête à m'appeler Markob? Bah, j'en sais rien, j'ai peut-être à m'appeler Riz. C'est une femme incroyable, elle est vraiment belle. Ouais, je peux m'appeler Riz, ouais. Ok. Markov, et toi t'es un russe? Encore une fois, Riz, ouais. C'est vraiment pas un 10 sur 10. Pour Rangers rouge, tu viens? Ah. Tu viens d'où, Ken? Je viens des États-Unis, tout simplement. Parce qu'il a une tête asiatique, il vient pas d'ici? C'est quoi ça? Ça le message? Jamais dit ça. C'est ça le message. Non mais c'est juste de nos jours, il y a beaucoup d'immigrés. Ouais. Il y en a beaucoup dans ce pays. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah, raciste. Ah non, je suis pas raciste. Mais t'es quoi là? T'es même pas américain, t'es russe? Tu fais raciste? Ouais, en plus t'es un traître à la nation. De quoi tu me parles, Ken? Les Russes c'est des traîtres à la nation, c'est des rouges. C'est pas parce qu'on est connus qu'on va pas t'enculer là maintenant. Ouais. C'est vrai, ça mal comme ça. Dis Chief Kiff. Pourquoi tu veux rentrer dans Los Santos Police Department? Qui ça, moi? Bah oui, toi. Il vient de le dire, Malcolm. Okay, en plus d'être con, t'es bouché des oreilles.
Ouais, bon, toi et moi, je pense qu'on va pas s'entendre. Ah, c'est une mutation. Mais t'aurais pas pu nous le dire avant. Mais pourquoi tu mets en recrutement si t'as été... Ok, d'accord. Je comprends. Je comprends pas avec ton cheveu sur la langue, désolé. C'est pas un cheveu sur la langue, quoi. Hein. Ok, mais la volonté d'être policier, elle vient d'où? Toi, t'étais bon sur l'Inter, toi. T'étais bon sur l'Inter. T'as été pris, Rose Mesmer? Eh oui, j'ai été prise. Rose Mesmer. Vous venez avec moi, ceux qui sont là? Oui. Allez, là, un petit peu de gageuse. Ah, Riz. Ouais. Je crois que c'est vraiment mort avec René Smith. Toi? Ou moi? Non, toi. Pourquoi? Elle a une copine. Mais je l'ai une pas... belle ligne devant moi maintenant. Mais je l'ai même pas Kedra. On va parler sérieusement. Bah si, je l'ai vu tout à l'heure. Mais je l'ai pas Kedra. Si. Oh, René Smer, je t'ai Kedra. Ah, non, lui. La rascasse. Oui. T'as quelque chose à dire? Ah, non, monsieur. Ah, parce que si tu ouvres trop sa gueule, là, je le dis direct. S'il y en a un qui ouvre trop sa gueule, moi, je le renvoie direct. Ok, chef. Discord. À partir de maintenant, vous êtes sous mon aile. Vous êtes sous mon aile, sous l'aile de l'aigle. Vous allez être pris en tant que rookie dans le Los Santos Police Department. Wouhou. Mais sachez que si vous ne faites pas l'affaire, moi je vous renvoie direct, je m'en branle. Ah oui, 10-4. Et par faire l'affaire, j'entends pas qu'être bon dans les inters. J'entends respecter les supérieurs. J'entends ramener le café quand il faut. J'entends savoir aider la population. C'est compris? Ok, ah, chef. L'affirmatif. Oui, chef. 10-4. Y'en a, je vais m'attacher à vous. Non, il y en a, vous allez vous attacher à moi. Mais moi, je m'attacherai jamais à vous. J'ai connu un cadet à l'époque. Aujourd'hui, il est revenu. Salam alaikum, tout ça. Je lui ai dit, casse-toi. Ici, c'est bonjour. C'est la règle de base. On sert une ville américaine, on parle américain. On est américain dans le cœur, et dans les burnes, et dans l'apparence. C'est compris? Compris, oui. Chef. La semaine dans la semaine, il va y avoir un stage avec vous, les rookies. Tous les rookies. Croyez-moi que vous êtes une armée de rookies. Ce stage-là, il sera décisif parce qu'il y aura des recalés. Et si vous êtes recalés, hop hop hop, ça reviendra au processus de recrutement. Comme je vous le dis, votre place, elle n'est pas toute faite en tant qu'officier. Si vous ne faites pas l'affaire lors de ce stage, je vous renvoie. C'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Là, il y a eu des renvoyés, il y a eu des recalés. Vous m'avez compris? Oui, chef. Vous avez des questions? Oui. Affirmatif. Non, chef. Négatif. Qui c'est qui veut commencer une patrouille avec moi? Moi. Ah oui, moi. Levez la main. Moi. Lève la main. Tout le monde. Il y a pas de problème. Ok. Eh ben, on va faire une petite patrouille vélo. Patrouille vélo. Je déconne. Je sélectionnerai sur la route ceux que je prendrai. Je poserai des petits quiz. La rascasse, tu veux que je te prenne en patrouille? Ah oui, monsieur. Imo? Non, on retourne au PDP. Avant ça, je vous donne vos clés. Je vais m'auto-nerf. Okay. Vos clés de rookie. J'ai une idée pour m'auto-nerf. On ira chercher vos tenues. Au début. En gros, pour pas conduire et pas faire des théories des routes et être trop fort et éteindre tout l'illégal en une semaine. Ah, parfait, je vais me sauver la vie. Pour l'instant, j'ai pas le permis. Également, je distribuerai les clés du poste. Enfin, vous me dites. Fais le compte, s'il te plaît. Ça m'évitera. Alors, c'est un illégal en 3 jours, tu vois. Suivant, allez, suivant. Parfait, merci. Allez, suivant. 2, suivant. Enchaînez. 4, 5, 6, 7, on est dans la police. 8, 9, merci. 10, félicitations, les gars. C'est bon. Ça t'est passé. Reviens là. C'est nous les condés. Non mais quelques jours, oui évidemment, pas à vie. Tac. Il aura le permis, vous le savez. Allez, on rentre au commissariat, on prend une douche, on prend les tenues. À la douche, allez. On a combien là? Je prends vraiment. On est à 10. Alors, 13. Il y en a 3 qui vont aller à vélo hein, pour le début, hein, je vous préviens. Ah oui, ça me va. Allez, on bouge mes petits puceaux, allez. Je vous adore. Ah, y'a plus de place, ça fera aller dans le bus là-bas. Super. On est retour PDP. Je vous explique, les gars. On va à la douche ensemble, ok? Ouais, ok. Bien sûr. Oui. Après, on met les tenues. Parce que quand on prend le service, on pue pas. Là, j'ai sué, il fait chaud, voilà. Là, il est 23h. Enfin, bientôt 23h. On va commencer les patrouilles à 23h. À 23h, sachez que
Je veux que ce soit carré, quoi. Il y a déjà un braquage. Les codes radio, tout ça, j'imagine. Ouais. Vous avez été à l'école de police. Affirmatif. Ouais. Affirmatif. Alors, si je vous dis 10-4. Oui, c'est du affirmatif. Affirmatif. 10-41. Pas affirmatif. C'est début de patrouille sur un secteur. Bon, exactement. Exactement. Oui. Bah, ça, vous l'apprendrez avec moi, d'accord, même petit bichon. Déjà, Malcolm. Je connais aucun code. Toi, tu t'es trompé, donc tu vas venir sous mon aile. HRP, vraiment, hein, genre vraiment. Ok. Je peux pas travailler avec Malcolm, s'il vous plaît, chef. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a un binôme, on a un binôme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Y'a pas de binôme dans mon Los Santos Police Department. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais réfléchir sur la route. Ok. Chef. Oui, Seamus. Seamus. Sergent Seamus. La douche, elle est obligatoire? Ah bah oui, bah oui. Tu me poses la question. Bon, pour mademoiselle, ça va pas être obligatoire. Mais tous les gars à la douche, je veux rien savoir. Tous ensemble. Quoi, là, on veut montrer son kiki? On se douche vraiment, genre? On se déshabille, on se douche? Moi, je suis chaud. Avec du savon et tout, genre? Vous prenez votre tenue. Après que vous avez pris votre tenue, et bah vous allez à la douche, vous sortez de la douche, vous mettez votre nouvelle tenue. Et votre équipement, et on part. C'est important la douche, les jeunes. Et les douches mix? Moi, j'ai arrêté de me doucher pendant un mois, je peux vous dire que j'ai regretté. Ah ouais? C'est bien dommage. Petit joueur, pardon. Eh hey, chef. Oh, Widman. Oui. Il était comment, il est abdomen? Ça fait trois fois que tu poses la question. Qu'est-ce qu'il y a? Il était comment, Yannis Abdouben? Je ne vois pas de qui vous parlez, monsieur. Arrête, Widman. Putain, je suis pas Widman, bordel. Quand quelqu'un vous dit que vous êtes en tort, vous dites je m'appelle Joey. Dis. D'accord. Yo, les man. Vous êtes trop qui, mais. Yo, les man. Au lieu des civils, vous êtes supérieur. Yo, les man. Supérieur protecteur. Yo, les man. Mais c'est carrément toi, Widman. Ah bon? Bah oui. Putain, bon ben. Si vous le dites. Et vous, c'est comment? Moi, c'est Riz. Riz, enchanté, enchanté. Merci. Et toi, c'est Widman. Bon, bah, je m'appelle Widman, désormais. Oui. Mais que pour vous? Super. Ok, au top. Los Santos. En fait, je suis sûr d'avoir joué à LC, c'est trop bien. Parce que... dans un contresens. Là, c'est moi la loi. Là, je suis à LS. J'ai un test pour voir si quelqu'un est cassé les couilles. J'ai bien fait, ouais, quand même. Je suis tout rape là. Ah ouais, lourd. Lourd. Allez. Allez, à la douche, mes pisseaux, à la douche. Allez, à la douche, allez, en footing. Popa, t'es où? Popa? Oh, le look. Tiens, le mec à la crête, c'est mon père. Oh, t'as trop de flow. Ouais. T'as trop de flow. Bah ouais, je sais, on a du flow. Bah ouais. Mais il est où notre popa? Non, mais les meufs, elles peuvent trop bien s'habiller, sérieux. Je me douche vraiment pas. Moi non plus, je me douche pas, t'es fou ou quoi? Puis quoi encore? Douche. Brosser les dents. À la douche, allez, ouais, douche, allez, à la douche. Allez, tous à la douche, allez. C'est où? C'est genre, on s'essuie après être allé aux toilettes. C'est où? Moi, je vais me laver les mains après avoir essuyé mon cul avec mes mains. T'as poil, allez, à la douche, tout le monde, allez, Rookie, allez. Ah oui, c'est parti, monsieur. On commence, allez. Ah oui, sergent chef instructeur. Allez, à la douche, tout le monde. Tu peux m'aider, s'il te plaît? À la douche. Moi, je veux que vous soyez à poil. Personne garde son casson. Ouais. Personne garde son casson, je déconne pas. Allez, lavez-vous, là, ça pue. Ah oui, c'est parti. Allez, bordel de merde, allez, on s'en fout, allez. Allez. Couscous tagine, allez, toi, tu vas, allez. C'est oui. Parti. Oh, putain, mais... C'est vraiment obligatoire, la douche? Ouais, c'est obligatoire, allez, semaine, tu vas toi aussi, allez. Ah oui. Il y a des petits kikis, là. Il est bon, mon slip, hein. Quoi? Oh putain, ça c'est la douche des filles! Ah non, c'est bon, tu peux y aller! Allez! Oh. Eh, regardez les gars, allez, faites les nico, on déconne! Allez, Malcolm, fais les nico! Ouais. Pardon, je vais rentrer avec toi? Pardon. Ah oui, vas-y! Merci. Allez, rentre, Malcolm, déshabille-toi! Ouais. Je veux que je te frotte le dos! Allons, encourage Malcolm! Malcolm! Allez, je te frotte le dos! Allez, on pas trop! Voilà, on s'entraide, on se frotte ensemble, les gars! Allez! Toi aussi, tu vas à la douche, t'as dépêché! Viens, Malcolm, viens! Ok, monsieur! Allez, viens, on échange! Ah, je te frotte le allez, jeu. Et quand je vous dis de sortir, c'est qu'est-ce qu'il y a de vos tenues? Fais gaffe, tu mouilles avec de l'eau là. Frotte-moi avec tes cheveux. Ah oui, mais c'est prêt tout court. Non, arrête de mouiller. Moi, si on me frotte-moi le dos avec ta tête, s'il te plaît. Non, c'est toi qui as. Tiens.
Non, moi j'ai un combat. Ça fait du bien. Ça fait tomber ton savon. Non, non, non. Ah, c'est la sabonnette. Merci, poussez-vous, ça va sortir. La sabonnette. Pour les vestiaires de tout le monde. C'est un crack, merci beaucoup. Allez, vous allez sur le coffre là, coffre rookie. Allez, allez, et vous mettez votre tenue, allez, vous les enfilez, vous dépêchez le cul. Oui, c'est bon. Très bien. Riz, guette-moi. Wow, c'est incroyable. Par contre, mes chaussures, c'est quoi comme chaussures IRL ça que j'ai? Parce qu'elles sont des flics. Parce qu'elles sont vraiment incroyables. Hein. C'est pas S, c'est ça. Merci, New Balance. Merci. Mes petits puceaux préférés, après vous faites une queue le bien droite pour qu'on vous donne vos armements. Attends. En face de moi, une queue le bien droite, s'il vous plaît. Tiens, la piston. Rookie, là. Une queue le bien droite. Dis-moi, c'est quel modèle? En vrai, c'est incroyable. Connard. Ouais, moi j'ai l'insulte facile. Je tiens à préciser. 2002R. Vas-y, on se prend tout. Attends, bonsoir, madame, Rookie homme. Gérer les équipements. Normalement, il y a tout ce qu'il faut. En théorie. En lampe torche, on est juste. Balance. Juste assez. 2002R. On se prend photo pour, pour notre glory. Vas-y, prends. Non, prends-toi. Okay. Je prends moi. Vas-y. Ouais. Yes, bon coffre. Faut que t'ailles dans le coffre. Et c'est bon. Ok, je vais les acheter, je pense. Je les ai déjà. Genre 5 ans. Quand on sera viré. Vas-y. Bah oui. Y'en a qui portent mieux la tenue que toi. C'est bon, vous avez votre badge, tout ce qu'il faut. Très bien. Vous avez eu votre badge ou pas du coup? Ah bah très bien. On n'a pas des gilets pare-balles? On les renjoue après les armes. Ah bah 19 général, on va présenter toutes les unités, ça va être encore plus. Je sais. Mais ça veut dire qu'il est même pas flic, il y a moins de 2. Officier 1, rookie, ben 15 en fait, il est plus flic. 190 V2. On a dit qu'on arrêtait. Non, il est vieux. Tu veux que je te défonce la gueule toi? Très bien, merci. Il a rien fait, pourquoi? Comme je vous dis, pour les personnes qui n'ont pas entendu au cours de la soirée, d'accord, ah ouais, tout ce qui est prise de service, fin de service, je ne veux plus entendre un mot, être trop, sinon. Donnez les cartes. Ok. Toi aussi, casse les couilles. J'aime bien du balance en ce moment. Putain. C'est ça, je pense que je vais pas avoir du flou, non? Ils donnent les armes, là? Ouais. On va avoir un pétard, direct. Ils ont pas fait la tenue... T'M4. Tu vois? La M4 de mon rêve, mon pote. Attendez, on dirait pas. C'est quoi votre tenue là, votre gilet? Tu vois? Pardon, c'est un. Ah ouais, New Balance. Merci. Qu'est-ce que t'as fait, Tan? Tu dis comment? Balance? Sale bâtard? Merci. Non, les clés c'est en masse, c'est les clés du PDP. Ah, pas vous. On a pas la radio? Radio, je vais la donner après. Okay. Merci à vous. Je vous ai donné. Pourquoi tu me fouilles, Fifi? J'ai deux pistolets là. Ah, super, merci, t'es bon. Tiens, c'est tout ça. Ça ne bougez pas. Bien, merci. Ah, pour vous. Merci. Suivant. Ils disent balance. Merci. Balance, New Balance. Suivant. Et merci. Qu'est-ce que vous racontez? Merci à vous. Et préparez-vous bien physiquement, j'insiste, pour le stage de cette semaine qui est éliminatoire. Balance, New Balance. À quelle date? J'ai pas encore la date, mais ce sera en forêt. Ok. C'est les clés de quoi, ça? Du poste. Les clés du poste, etc. Tout. De partout, genre, de toutes les portes? Ouais, c'est ça. Okay. Tu peux m'en donner aussi, s'il te plaît? Ouais. Je prends la clé de porte. C'est-à-dire, on pourrait y aller la nuit, on pourra faire des soirées. Eh, t'arrêtes de dire, j'ai entendu la connerie que t'as dit, toi. Pardon, chef, c'est le comique. Eh, mais non, le comique, la prochaine fois, je te jure que je t'appelle Jamel Debbouze, toi. Bah, si vous voulez, je fais des blagues. Je vais te péter la main. Remarque, tu vas te la péter tout seul à force de faire ça sur la branlette. Ça, c'est bien. Tu vas être déçu, Riz. Elle est bonne, celle-là. Et Riz, il est con, putain. Non, il vous a oublié. Non, le pistolet, c'est pas quand vous êtes rookie. Vous avez oublié les clés des menottes aussi. Les clés des menottes, vous les avez quand vous menottez quelqu'un. Et mon pétard. Prends confiance en toi, s'il te plaît, Riz. C'est important. Le Glock. Y'a pas de Glock, vous êtes rookie. Et si y a un mec, il a un Glock, je meurs. Vous allez bien, 15. Faut faire avec. Tu seras avec des supérieurs, t'inquiète pas, vous. Il a attaqué une banque et il avait une M4. Bon. Il avait une M4. On va sortir dehors, y'a un dispatch général. Ce sera l'occasion de vous dispatcher avec des unités. Oui, et bougez pas, je vais chercher les radios. Il va chercher les radios. Si, justement.
J'étais un keuf. Mais pourquoi il dit que t'as attaqué une banque? Mais non, je défendais la banque. Et il y avait le capitaine, il s'est fait tuer par Yanis Abdouben. Quoi? Faut qu'il choisisse leur matricule. Ah ouais, c'est vrai, il est pas dans la bonne timeline, je crois. Non, ça, donne-lui son 4, non? Bah, plus tard, quand il va monter, petit à petit. Excusez-moi, messieurs. Oui, dis-moi. Le matricule 04, il m'est pris. Est-ce que j'ai une tête d'annuaire là? Ah non, peut-être pas, mais peut-être que vous connaissez vos collègues. Regardez, c'est l'équipement là, tout cela. Ah oui, c'est l'équipement, merci. Vous avez l'équipement, allez sur le parc. Attendez, s'il vous plaît, votre père est en recrutement. Je pense qu'il va arriver juste après. Ok. J'ai pas compris. Comment on sort? Ah, le temps, mais respect. D'accord, bah j'attends dehors. Attribué à des rookies. Très bien, donc vous vous organisez en termes de grade. Rookie à droite. Et le restant à gauche. Ça, vous avez oublié les radios. Oh, je pense Marlin de grillage, non, c'est peut-être mieux. Rookie à droite. C'est rookie, quoi. Attends, c'est où les rookies, chef? Ouais, par là-bas, monsieur. Rookie tout à gauche. Rookie à gauche. Ah oui. Bonjour, madame. Même ceux qui sont là depuis longtemps. Ah, qui n'ont pas leur radio, là, c'est bonjour, madame. Vous avez fait vos preuves. T'as pas ta radio? Bonjour, madame. T'as ta radio ou pas? Non, j'ai pas de radio. Tiens. Bonjour, madame. Ah, mon dieu, j'ai pas de radio. Bonjour, madame. Toi, je vais t'étrangler, toi. J'ai dit bonjour, madame. Radio, ma belle. Princesse, t'as ta radio? Oui, j'ai ma radio. Pardon, mais j'ai pas compris. Mais c'est qui ça, hein? Princesse, le blond. Oui, non, mais oui. C'est quoi le numéro de la radio, chef? Monsieur. C'est une. Fréquence une. J'ai pas de radio, j'ai pas de radio. Tiens. Bonjour, madame. Chef, j'ai pas de radio. Ok, range-toi, je vais t'en donner une. Je me range. Test radio, est-ce que vous me recevez? Ah oui, j'ai bien pris. Ça marche. Voilà. Oui, on entend aussi la personne qui vient de faire c'est ça. C'est quoi la radio? Fréquence 1 pour la radio. Fréquence numéro 1. Est-ce qu'on a toutes les unités qui étaient en patrouille sur le PDP maintenant? Rapprochez-vous un peu de là-bas. Je prends ça pour un oui. Mais je peux pas? Bah oui, c'est normal, toi, t'as pas les clés. Tiens. S'il vous plaît, on resserre les rangs. Les gars, tous les rookies à gauche, s'il vous plaît. Là-bas. Les têtes de cul, voilà, vous écoutez ce qu'elle dit, Jenny. Je l'adore, c'est une meuf en or. Oui, bah ça on a bien remarqué, sergent. Ah. D'ailleurs, je me suis pris un avertissement là. Parce que j'ai. Ah non, là tu peux. Oui. Parce que j'ai matraqué un afro-américain, mais c'est bon quoi. Oui. Oh, non, mais je suis pas raciste. Ouais, ouais. Bien sûr, ouais, on se pose. Bonsoir. Je vous demande s'il vous plaît. Eh, tiens, silence! C'est bon, calmez-vous. Il n'a pas eu sa radio tout à l'heure. Il n'a pas eu de radio. Super. Moi je l'ai, mais je peux pas. On va aller sur la fréquence numéro 1. J'ai pas. Incroyable, elle. Je crois que je vais laisser mon arme comme ça. Très bien, on a tout le monde. Bon, capitaine. Très bien, repos tout le monde du coup. Bon. Déjà, bienvenue à vous les nouveaux rookies au sein de ce poste de police. On va vous expliquer les règles de comment ça fonctionne ici, d'accord? Dans un premier temps, vous allez vous présenter, histoire que tout le monde vous connaisse. On est clair? Oui. Très bien, règle numéro 1 déjà. Quand je vous pose une question, vous répondez, d'accord? Oui! Précise rapidement, d'accord? Oui, capitaine! Très bien. Affirmatif, capitaine. Très bien, allez-y, commencez ici. Avancez d'un présentez-vous. Parlez bien bien fort, que tout le monde entende. Bien sûr. Je suis Oliver Middleton, rookie du LPG et père de 3 enfants. Quoi? Très bien. Suivant. Jayden Bowman, nouveau rookie au sein de la SPD. On est ça comme rookie? On l'entend pas. Parlez bien fort. Eh bien, retournez en haut. Jayden Bowman, 25 ans. Voilà. Face à face, capitaine. Je pense qu'on va devoir faire ça, ouais. Ouais, on se met tous face à face, comme ça on vient en milieu pour parler. Face à face? Ah, officier en face des rookies. Les officiers derrière nous, de toute façon, vous êtes attribués à des nouveaux rookies. Bien derrière, d'accord. Je n'aime pas quand on colle. Ah, très bien. Et René Smith Holmes, 25 ans. Enchanté. Très bien, enchanté. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Joey Middleton, j'ai 21 ans. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir. Fons Freeman, 24 ans. Bonsoir. Très bien. John Walter, enchanté de faire mes débuts avec vous. Très bien, enchanté. Vous avez tous une vie passionnante, dis donc, on dirait. Bonsoir, Ken Moon, j'aime le cinéma et voilà. Putain, je vois rien. Rookie Jess Stewart, 27 ans et au district actuellement de Davidson. Hey! 15 retour radio. Ah oui, enchanté, Ayuchi Suzuki, fraîchement venu du Japon.
Parfait, suivant. Joyce Ortiz, matricule 19, en santé. Parfait, suivant. Olivier Guénaud, 10, enchanté. Par eux, enchanté du coup. Oui, enchanté. Suivant. N'hésitez pas à crier, s'il vous plaît. On choisit à tout ce qu'on 55, veut. Le matricule qu'on veut. Suivant. Oh, Malcolm. Ah bah vous me connaissez déjà, c'est 26. Hein. On choisit ce qu'on veut. 26. Ah non, on ne vous connaît pas, madame. Suivant. Le comique, la patate, elle va arriver. Ah pardon, c'est moi, mais elle est même pas passée, madame. Je m'appelle Iris Chrono, je suis le colocataire de Malcolm. Et j'aimerais bien... Mais moi. Le matricule, je peux choisir ce que je veux. Non. Ah. Bah, score au matricule, alors. Ça va prendre 113. 113. 113 ? 113. Pourquoi ça vous plaît pas, 113 ? Si, j'aime bien. Merci. Malcolm, tu me croiras jamais. Quoi ? Dans mon rêve, le mec, il m'a appelé 113. Bonjour à tous, je me présente, je suis Markov Alexander. Je le jure, c'est vrai. Ancien Ruskov. Bonjour. Bonjour. Ancien Ruskov, il a dit. Bonjour, je m'appelle Malcolm Budley. J'ai 23 ans et je suis le colocataire de Riz, qui est là-bas. C'est moi. Regardez, c'est Riz, c'est moi. Mais remettez-vous en... Merci. Vous savez pourquoi on est colocataire? Parce qu'il s'appelle Malcolm et moi je m'appelle Riz. Vous l'avez? Ah oui, vous faites un vrai beau binôme. J'ai croisé un petit douille tout à l'heure. La prochaine fois que tu fais une remarque aussi conne, je te fais encastrer le poteau, tu vas voir, tu vas bien souffler. Pardon, chef. Bonjour, 42. Junior Johnson, je suis le neveu du commissaire. Enchanté. Ouais, merci. Bien. On va t'aider. Hein. J'appelle le piste. Franchement, j'aime pas critiquer le physique, mais qu'est-ce que t'as, s'il te plaît. Bonsoir, je m'appelle 12. J'aime pas critiquer le physique des gens. Regarde la tête du mec à droite. Je viens du Berchy City. Ouais, c'est bon. Oh, l'énergie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Trop bizarre. Y a pas de ouais. Avant, je vais vérifier un truc. Sortez tous votre radio là, les rookies, sortez tous votre radio. Non, votre radio, pas votre badge. Fréquence 1, vous me dites si vous arrivez à aller dessus. Ceux qui n'y arrivent pas à aller dessus, vous faites un pas en avant, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va et vous? Radio. Bonjour, Malcolm. Hello, guys. Fais radio, s'il vous plaît. Radio, s'il vous plaît, les rookies. Non, chemise, c'est mieux, chemise. Je peux vous aider? Toi, je vais te casser la gueule. Pas Manu devant tout le monde. Pardon. Ah bon, ça va. Ah, j'ai toujours mon permis de libération. Vous allez bien, commissaire? Le capitaine? Oui, ça va, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais arrêtez vos conneries un petit peu là, c'est bon. Sans être méchant, vous êtes blanc. Waouh! Pour le coup, non! Rien, très très bien, très très bien. Mettez-vous au moins à la place de votre bon, capitaine. Bon, du coup, vous en étiez où là? Désolé. Oui, votre soeur, votre ami, whatever. Les radios, c'est ça, c'est fait, c'est bon, c'est testé. Ils ont pu. Bon, c'est présenté? Oui, tout est bon. Très très bien. Du coup, je vais vous expliquer les choses de manière très simple de ce qui va se passer. Juste après ce que je vais vous expliquer, on va vous attribuer un officier, d'accord? Cette personne-là est là pour vous. Si vous avez un problème, une question, vous lui remontez. Et vice-versa, évidemment. Si vous posez problème, ça va faire en sorte à ce que vous ne fassiez plus partie de ce service. Aïe de ce poste. On est clair on ou pas? On explique toujours comme ça au début, de façon motif, capitaine. Merci. Ça commence à rentrer, on est très bien. Déjà, première chose, la radio, avant tout. Tout ce qui est prise de service et tout ça, vous n'avez pas forcément besoin de le signaler. Si vous commencez votre service, pas de problème. Après, ça risque d'être un problème. Comme ça, la radio, début, c'est après, ce qui est le plus important. Si la radio est insupportable, vous passerez un service de merde. Tout simplement. Donc, n'utilisez pas la radio à tort et à travers. Uniquement les importantes, tout simplement. Quand on est nombreux en service, ça devient vite le brouhaha. Tant que la radio est clean, ce sera une bonne chose. On est clair ou pas? Affirmatif. Affirmatif. Commence à rentrer. Très bien. Du coup, le fonctionnement de ce poste de police est simple, d'accord? Votre droite, je sais pas si c'est présenté, mais le lieutenant lead de la MCD, Major Crime Division actuellement. À droite encore, vous avez le lieutenant 70 qui s'occupe de la patrouille, c'est-à-dire les commencer, division de la patrouille. La plus importante. À ma gauche, vous avez le lieutenant Bennett, du coup, Zay Bennett, qui s'occupe de l'unité du... Unité d'intervention. Et à ma toute ma gauche, vous avez le sergent formateur, qui s'occupe du coup des formations, ce qui paraît logique, et des recrutements bien évidemment. Vous êtes énervé là, le sergent. Oh non, je suis énervé, j'ai pas mal de toc tout à l'heure. Ça va aller, respirez.
Très bien. On est clair ? Affirmatif. Je vous explique les choses. Ici, ça fonctionne droit. D'accord ? Il y a des règles et on les respecte. Ne les respectez pas et vous comprendrez. Tant que vous respectez ces règles-là, tout se passera bien. Et vos services se passeront bien aussi. Franchissez la ligne et je serai là pour vous. Vous inquiétez pas. On est clair ? Affirmatif, capitaine. Derrière bien, capitaine. Du coup, ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va laisser l'espace à l'état-major, du coup. Les officiers, on va aller de ce côté-ci jusqu'au bout. Vous allez prendre un rookie en tant que rookie référent. Cette semaine, vu qu'il y a beaucoup de rookies, ce ne sera pas uniquement les officiers 3, mais tous les officiers. Allez-y, avancez. Et est-ce que vous vous rendez compte ? Allez, vous dormez. Que pendant la scène d'intro... Allez, on se réveille, là. Vous n'avez pas d'excuses, vous venez d'arriver. On a fait une scène RP d'un rêve. Allez, action, maintenant. Et si jamais vous n'êtes pas au courant, c'était pas une vidéo, hein. Je l'ai joué en direct. Ouais. Avec Chemus, excusez-moi. Vous avec Chemus, tout ? C'est Chemus, on va avec vous ? Mes petits puceaux, on patrouillera ensemble tout à l'heure, d'accord ? D'accord. En ce qui concerne votre référent, vous allez prendre pas de vidéo. Ah ouais, la vidéo. Voilà, c'était pas de vidéo. Dans tous les cas, je suis votre instructeur référent plus plus. D'accord, pour tous les cadets. D'accord. Ça veut dire que dans tous les cas, quand je vous dis vous êtes sous mon aile, d'accord, paniquez pas. Amassez-vous, imassez-vous. Ils ont confiance. Alors, oui, c'est ce qui va se passer. Je veux voir les rookies qui. Ah, vous pensez que c'est une vidéo ? Allez, retournez dans la ligne. On va patrouiller ensemble après. D'accord. Les rookies qui n'ont pas de référent, mettez-vous ensemble. 55, viens, 55. Très bien. Il reste qui ? Non, c'est pas une vidéo, je le jure. C'est vraiment vous incroyable. Deux, vous êtes ça y est, mon pote. Get. Walter, très bien. Un officier 3. Les rookies qui n'ont pas encore de référent, mettez-vous tous côte à côte, s'il vous plaît. T'as vu, mon taser, il est vert. Walter, allez-y. Et quand je le sors, il est jaune. 8, Mathieu, ça passe. C'est Silva, exactement. En ligne. En ligne, en ligne. Très bien, vous. Venez avec moi. Voilà. Allez avec. Au hasard. 24. Il est après, capitaine. Bonsoir. Et bonsoir. 42, surprenant, dis donc. Oui, personne vote avec moi encore. Oui, bah oui, surprenant. Vous inquiétez pas. C'est bizarre. Ça va aller très très bien. Vous allez aller avec 92. Déjà deux personnes. Et bah la personne juste à côté. Stifleur. Parfait, Stifleur. Faites pleinement confiance. Vous avez 42. J'ai déjà un rookie. Non, vous avez Stifleur. Vous, c'est quoi votre nom ? Malcolm. Eriz. Malcolm. C'est con. Eriz. Le lieutenant, il sera pas là. Hop, ça en fait deux, très bien. Oui. Il reste des places où là ? Lieutenant Bennett, vous allez vous occuper d'eux, ça va être aussi simple. Et dès qu'on aura un officier libre, pour ça, on les dispatchera avec eux, d'accord ? Parce que là, c'est 3-3. 2-3-3-3. Ah oui, c'est vrai, il y en a deux. Zai. Oh, oh pardon. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Il est parti tout seul, je le jure, il est parti tout seul. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave, c'est Riz. Et toi, avec moi. Okay. Je m'en occupe. J'avais pas la sécurité. J'avais pas la sécurité. Je vous attrape vous deux là, d'un côté là. Pardon. Très bien. Ils seront réattribués en officier du coup. J'ai vraiment pas fait exprès. Je te jure, j'ai pas fait exprès. Vous venez là. Tu voudrais que je t'aie sur toi après? Tu voudrais que je t'aie sur toi, c'est trop bien. Ouais. Ok. Non, je suis vraiment désolé, Sheamus. Vraiment, non. Vraiment, je. Non. J'ai vraiment pas fait exprès. Je peux le taser par pitié. Non, tu le taseras pas, non. Un taser, c'est comme une arme létale. Si tu le tires deux fois, il est mort. D'accord ? Là, t'as touché à mon chouchou. Malcolm ? Non, c'est pas encore mon chouchou, mais ça va être mon chouchou. Ok. Parce qu'il manque de confiance en lui. Et toi, tu le harcèles alors qu'il manque de confiance en lui, tu te rends compte ? Mais. Bah non, c'est Riz. Oh ! Patrouille ! Voiture ! Oui. Attends, mais on a pas notre référent ? Mais c'est normal, y a pas assez d'officiers, vous allez l'avoir plus tard. Ils ont mon frère. Allez, viens avec moi. Ok. C'est qui ton frère ? Attends qu'on lui dise bonjour. Ah putain, tu t'occupes. C'est toi notre référent ? Ok, oui, bonsoir. Bonsoir. C'est où ça, son échec ? Zai. Ah, c'est dans le Bennett, je me présente, je suis lead SWAT. Bennett ? C'est votre nom. Bennett. SWAT. Chris ? Ouais. Réfléchissez. Monsieur le référent, c'est quand il y a une grosse intervention de banque avec un gros braquage, c'est le SWAT qui intervient ? Exactement. Riz. Avec ce truc de fou. Riz, il restait pas de référent, c'est le seul référent. C'est le destin, mon pote. Je jure que pour le coup, c'est vraiment une coïncidence, même moi je suis surpris. C'est le putain de destin, mon pote. Les deux puceaux ? Oui ? On a du travail, on se dépêche. D'accord. On fait connaissance, c'est l'ordre du capitaine.
fait connaissance et on leur fait visiter PDB. Ah oui, 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 faites connaissance, oui, c'est important. Je m'appelle Riz. Ok, et toi c'est... Ouais. Ok. Ah, je vais être Douy, ok, durant la semaine. Francis. Francis. Ah oui, c'est le grand frère. Ouais. Ok, bah venez avec moi, on va visiter PDB. 42. Ça faisait plus de bruit dans ma tête. Seamus, tu vas faire quoi? Bah là, je vais aller patrouiller là. Vas-y, je viens avec toi. Bah, je vais prendre les deux rookies. Les deux têtes de bite. En fait, là, je vais prendre Malcolm. Dans le PDP de Davis. Donc là, vous avez le hall d'entrée. C'est là où les officiers travaillent. Ils prennent des plaintes, ils font des petites enquêtes de leur côté, ils règlent tout ce qu'il y a à régler. Si vous avez les cellules. Une pour les hommes et une pour les femmes. Généralement, on s'en fout du écriteur, on met en bureau. Ensuite, capitaine. Ici, vous avez le bureau du capitaine. Ouais, bah là, en face, t'as le bureau du capitaine. J'ai le droit de couper la radio de merde ? Vous pouvez la couper. Super. Vous êtes pas en service. Non, c'est ici, vous avez le bureau du capitaine. Vous avez le bureau du lieutenant. Ah oui, c'est 70 patrouilles. Attends, j'étais pour le savoir. De l'autre côté, vous avez l'autre bureau et c'est... je me le partage avec mon frère. Très bien. À l'étage, j'ai une... Vous êtes quel grade, vous ? Non. Ici, vous avez une salle de repos. C'est beaucoup, genre, lieutenant ? C'est le plus haut grade, après, il y a le capitaine. Donc ici, c'est une salle de repos. J'espère jamais vous voir là-dedans. Venez. On a déjà eu plus d'agents. Sous nos ordres, vous savez très bien. On a déjà eu plus. Mais d'un coup... Juste en bas, il y a les saisies, les douches. Où ça ? Ce que vous allez faire, c'est le capitaine. C'est encore en open space. Là, c'est des bureaux. C'est par où, les saisies ? Mon comprénom c'est Warren. Il est pas écrit mon prénom. Mon matricule c'est 80. Ici il y a la personne qui prend les personnes à l'accueil. Ouais. Et saisis en bas. Ouais, bon, viens, saisis en bas. Putain, j'ai cru que j'avais perdu. Du coup, j'ai possédé. Carte de police, du coup, je vais t'inviter à la faire. J'espère que j'ai pas le même que lui parce que sinon on aura deux. Ouais. Donc ici on a une première salle d'interrogatoire. Hein ? Ah, c'est pas les saisies ici. Si. C'est pas les saisies, je vous montre le PDP dans l'ordre. C'est ça l'interrogatoire. Et les saisies, c'est par où ? Pourquoi vous êtes intéressé par les saisies ? On s'en bat les couilles des saisies. Non, mais quand on va prendre des trucs, comme ça au moins on saura où les déposer. Ici, c'est. C'est pas les saisies. C'est pas les saisies, c'est pas les saisies ça. Ok. Ici, c'est quoi ? Ok, bon, ça passe. Ça, c'est pas les saisies non plus. Ah ! Ici, il y a la scientifique. L'armurerie. Ici, il y a l'équipement. L'équipement, exactement. Ok. Ici, il y a quoi ? Les vestiaires. Les vestiaires. Ok. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Vous appelez comment ? Vassano, agent Vassano. Pourquoi je lui dis pas vous appelez comment à tous les gars que tu croises ? Quand c'est une fille, pourquoi je lui dis comment vous appelez ? Bah non, parce qu'elle était dans le vestiaire, elle était toute seule. Mais vous êtes qui, vous ? Mais vous êtes qui, vous ? Vous êtes qui, vous ? Vous êtes les nouveaux rookies ? Attendez, parce que je coupe ma radio. Ouais, ouais, c'est nous les nouveaux rookies, et vous ? Bah moi je suis agent Vassano, officier. Vous voulez être notre référente ? Ah, mais vous avez pas de référence ? Non, on a pas. Non, on a pas de référent. Et ils ont dit, ouais, la première personne vous croisez. On peut lui demander pour être son référent. Je suis le référent. Alors non, mais on voulait faire un transfert. C'est là, tranquille, venez quand je vous traite. Voilà, ça vous avez un référent. A plus tard. Mais si, parce que. Lieutenant ? Non, c'est juste qu'on vient d'arriver. Vous avez l'air d'être pas mal occupé, en vrai, ça ferait peut-être du bien de pas. Non, je suis pas occupé, ça tombe bien. Venez. Putain, fais chier. Peut-être de pas avoir de rookie dans les pattes, ça pourrait peut-être vous aider. Le temps par contre, les saisies, vous avez vraiment dit que c'était en bas. Je suis en apnée de 20 minutes, juste après. Attendez, c'est ici les rookies, c'est une blague. Apparemment, non. Là, c'est les saisies. Pas trop. Ok, bah apparemment, c'est les saisies. C'est très bizarre, ça. Les saisies. Quelque chose de très bizarre. Ok. Voilà, ici, tout ce que tu. Mais genre, ici, on met tout ce qui est drogue. Ça va nourrir tous les cartons. Hein, genre, on met tout ce qui est bœuf, tout, etc., genre là-dedans. Exactement. Mais genre, pour arrêter des gens dedans ou de prendre des trucs. La bœuf, on la met là-dedans. La bœuf. Exactement. Okay. La beuh, la coke, la weed... Tout ce qui est drogue, tout ce qui est armes blanches, armes de poing, armes lourdes, munitions... Okay, la beuh, c'est tout là. Ça, quoi. Ok. C'est bon pour vous ? Ouais. Oui. Il y en a, là, genre, un peu... Enfin, pour voir comment... Il y a rien. Ok. Non, pas du tout, pas le moins du rien. Monde. Okay. Allez, venez avec moi. Mais ça va, Stano, elle est quel grade ? Capitaine ? Basta, Fastano... Vassano, capitaine. Allez, on va prendre une voiture. Pas là, la sortie, c'est... C'est pas Zach, c'est Zai. Combien de fois je vais devoir te le dire ? Ça fait longtemps qu'elle est policière, Vastano ? Ça fait un moment. Ah ouais, elle travaille bien ?
Je sais pas, je la connais pas, elle vient d'arriver. D'accord. Ton prénom c'est quoi? Laura. Lieutenant Zay. Laura, Laura. Oui. Ah, vous avez vu le sergent du coup? Salut Laura. Ils étaient là du coup les deux KSR. Messieurs, du coup, la personne qui sera référente de vous, ce sera cet officier là, d'accord? L'officier va C'est notre Stano, Laura, elle s'appelle. Super. Mais gros, vous avez fait chier qu'elle m'appelle Laura. Elle est officière. Ça fait un petit moment qu'elle est dans la police. Oui, ça fait 2 mois, je suis ancienne agent de la DOA. Ouais, c'est pour ça, on le sait. Ouais. Mais comment ils savent? Bah, vous êtes avec Bastaplo du coup. Ah, je sais pas. D'accord. Ça marche. Ça marche, ça marche. On y va, Laura? On y va, pour dégagez-vous, s'il vous plaît, on va sortir une voiture. Oui. Écartez-vous, oui, on va prendre notre. Sortez-moi un véhicule, s'il vous plaît, entre vous deux. Vous êtes, du coup, c'est quoi vos matricules? 113. 114. Tu peux même pas 113 et 114, ouais. Tu veux venir avec nous? Je viens de le choisir à l'instant. Non, ça va, faut que j'aille gérer des trucs, je viendrai peut-être après. C'est pour choisir 114 ou pas? 92, il est là, il est parmi nous, 113. Non, il est pas manœuvre 2, il doit être avec son. Pourquoi je choisis 113 moi ou pas? Pourquoi je vais lui péter la gueule? Au début, je voulais choisir 213. Après, je me suis dit, non, c'est trop. Non, mais c'est ça, je vais le dire à la radio. J'ai choisi 113. Ouais. Ok. Je vais te niquer ta mère. Il répond ou pas? Je savais pas, c'est un gradé, putain! Il a c'est un lieutenant? C'est un lieutenant? Mais non, c'est pas un lieutenant. Y a que lui et moi encore. Non, c'est pas un lieutenant. Putain. Oh, j'ai eu peur. Il est pas gradé, il est pas gradé. Ok, ouais, bah je vais vraiment le niquer. Non, Vassano, laissez-moi faire. Non. Okay. Ok, vas-y. Madame! Tango 24, oui, allez, dis-moi. Par contre, n'est patrouillé avec moi? Non, c'est notre référence. Oh putain! Je peux conduire? Moi j'ai pas le permis moi. Je ne conduis pas. Tu veux pas conduire Riz? J'ai pas le permis. 87. Oui, attendez, non plus. Attendez, arrêtez. Allez, viens. 87, venez à la voiture s'il vous plaît. Dites-moi. Du coup je pars avec 113 et 114, mes deux rookies. Ok, impeccable. T'es bonjour. L'officier référent. Ouais, c'est ça, oui. Je viens de me réveiller et je me suis retrouvé avec toi. C'est notre prof. Ok. Bah impeccable alors. Pas de soucis. C'est notre maîtresse. C'est quoi votre matricule, Vastano? 64. Tango 64, tout secteur. C'est ça ou pas? Non, c'est Tango 64, 1041, tout secteur. Oh, c'est trop cool. C'est la réponse, tu conduis? Mais enlevez-les, je vais refaire. Arrêtez, enlevez-les. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Mais il a pas le permis. Ah, mais quoi? Vous avez pas le permis? Non. Ça joue bien, je vais bien. Non, mais arrêtez. Lâchez ce volant. Accélère. Okay, non, lâchez ça. T'es calme, qui c'est qui va t'arrêter? Arrêtez. Aïe. Pardon. Mais vous êtes. Aïe, mais vous êtes trop. Je gère, il faut apprendre. Non, mais calmez-vous, je vous en excité là. La voiture fume déjà. On est en panne, je crois. Laura, on fait quoi? Bah, appelez un mécano. On appelle un mécano? Ouvre le capot, t'inquiète, j'ai des notions. Non, mais il faut pas paniquer quand vous êtes au volant. Hein. Ouvre le capot. Vous savez ouvrir un capot? Ok. Ah ouais, ça fume hein. Ouf. Mais vous paniquez trop, faut pas paniquer, respirez, je sais pas. Ok, c'est Riz qui va conduire. Mais j'ai pas le permis. Je m'en fous, moi aussi je l'ai pas. Ouais mais... Mais vous avez vraiment pas le permis, vous avez jamais conduit un véhicule? Si, j'ai déjà conduit ouais. Et vous savez conduire ou pas? Bah je sais conduire mais j'ai pas le permis. Bah vous inquiétez pas, c'est pas tout problème, moi non plus j'ai pas le permis. Enfin personne, au sens où je suis, je crois, le permis. Enfin LS PD je crois ici ça. De toute façon qui va nous arrêter hein, comme disait Riz. Vous êtes sûr vous avez le permis? Non, justement j'ai pas le permis. Non mais attendez, vous m'avez dit que vous savez conduire. Ouais, je sais conduire. Il sait conduire. Une fois sur Forza, il a fait 1 minute 30 sur la map 5. Mais ça a rien à voir, vous confondez un jeu vidéo avec une... Mais c'est bien fait, c'est bien fait. On est en 2022. Par contre, vous habitez ici ou pas? Non. Vous venez de... Ah ok, parce que moi je ne connais pas du tout cette ville. Je viens de LC, vous faites quoi? Je fais demi-tour. Madame 93 entre sur le dernier appel. Vous conduisez très très vite hein. Ouais. Eh, c'est un problème là. Arrêtez de faire des drifts. Pardon, j'ai contrôlé la voiture, mais j'ai du mal à la contrôler. J'ai du mal à contrôler la voiture. Descends. Oui. Bonjour. Tu veux tuer les grands-mères ou quoi? Faut que je sois en radio ou pas? Bonjour, monsieur. Excusez-moi, monsieur, mais j'apprenais à mes rookies de conduire.
Un mot, dis-moi, il faut que je crée en radio ou pas? Non, non, vous faites radio, tout monter dans le véhicule et on va pas. Je sors mon taser, je sors mon taser. Je sors mon taser. Comment on appelle des renforts? C'est con là, c'est quoi ces cons sérieux? On se fait agresser à Groove Street. On se fait agresser à Groove Street. Aïe. Aïe. Cassez-vous là, cassez-vous d'ici. Non mais là je ne peux rien faire lieutenant. Malade, quoi. Non mais c'est des fous eux. Aïe. On a un Groove Street, on se fait agresser. Mayday, mayday. Là, j'éteins ta radio, attends. Envoie ta radio, envoie ta radio là. Aïe. Eh venez, casse la caisse. Vas-y, je prends la main. Aïe. Tango 07 pour se rendre sur la terre. Malade. Aïe. Montez dans le véhicule 193, je ne fais pas qui. Arrêtez. Aïe. Attends, désolé la famille. Cassez-vous d'ici. On va faire des drifts comme ça, vous êtes des aïe. Pas les bienvenus. On est à Groove Street comme si c'était chez vos mères. Si, si, vous pouvez passer, mais faites pas des trucs comme ça. Mais excusez-moi, je ne savais pas vous. Que mes collègues allez, allaient allez, faire ça. Allez, ça part. Je sais pas où ça va. Allez, oh, ça arrive, ça arrive. Ouah, cassez-vous. Les gars, ouais, ça arrive. Vous pétez la gueule. Gare, vous faites la même avec l'autre chop. Si, Gare, vous faites la même. Vas-y, vas-y. Il l'a bloqué. Est-ce qu'on peut les mordre? Moi, je vais où là, les roues? Ça les mordre. Aïe, s'il vous plaît. Yo, moi, si vous aidez à vous lever, montez à l'arrière du véhicule, je vous amène à l'hôpital. Barrez-vous, oui. Barrez-vous. Voilà, toi aussi, par toi. Allez-y, venez, je vais vous amener à l'hôpital. Oui. On en a marre, non, là, non, on en a marre. D'accord. Allez-y. Allez. Ça vient chez nous, ça drive. Allez, allez, beaucoup de gazeuse partout, c'est ça. Ça se disperse, ça se disperse. Ça se disperse, allez les animaux, allez. Ils vont péter la gueule, Laura. Non, mais pas du tout, mais plus jamais, je vous laisse conduire, c'est pas possible. Mais quoi? C'est comment sur Groove Street là? C'est bon, c'est géré, annuler les demandes de backup. Et j'en ai tasé un pour toi. Mais attends, la demande de backup elle est partie ou pas? J'ai fait une... De quoi, comment ça elle est partie? Ben j'ai l'impression que je faisais des demandes de renfort mais qu'il n'y avait pas de demande de renfort. Ah oui, Afi, je vous êtes sûr que vous avez bien fait des demandes de renfort? Attends, il faut que tu m'apprennes, Vastano. Oui, t'es notre référent. Tango 07, on se fait encercler par les individus à Groove Street. Ils se font encercler, ils se font encercler. Partez, on y retourne. Non, c'est bon. Négatif, ils nous laissent partir. Mais non, okay. Je vous ai amené à l'hôpital, vous avez pris des coups de batte ou de chaussures, non, je ne sais pas ce que vous êtes. Des coups de poing. Des coups de poing, des coups de poing. Ok, bah je vais vous amener à l'hôpital, vous allez vous faire soigner, vous n'allez pas rester blessé non plus. À l'hôpital pour des coups de poing. À l'hôpital pour des coups de poing. Oh. On est déjà, moi. Je suis une gonzesse. Ah. Ok, pas de soucis. Mais par contre, vous ne savez pas du tout conduire, vous m'avez menti. Ben, j'ai déjà joué à des jeux de conduite. Il n'y a rien à voir entre un jeu de conduite et une vraie conduite, bah, bien sûr que si, c'est réaliste. Mais pas du tout. Non, non. Mais t'as déjà joué à Forza? T'as vu comment c'est un truc de fou ou pas? Non, je n'ai jamais joué à Forza. Mais joue à Forza, tu verras quand t'auras joué à Forza. Je n'aime pas les jeux vidéo. T'as quel âge, Laura? 25 ans. Pareil. Ah, comme moi. Aussi. Ah, toi aussi. La patrouille de ceux qui étaient à Groove Street, là. Ouais, s'il vous plaît. T'es notre référent, sauve-nous, s'il te plaît, sauve-nous. Non, mais pas vous, ceux qui ont provoqué le truc à Groove Street. Diafi. Oui, Afi. C'est la patrouille de Mademoiselle. Oui, Afi, je vous réponds, sergent. Discat. Dites-moi. Mon bureau, s'il vous plaît, maintenant. Aïe. Je vous jure, si je me prends un truc à cause de vous. Non, non, t'inquiète, on va te sauver. Non, on va te sauver. On va dire la vérité, t'inquiète, c'est bon. Moi, j'avais prévu que j'avais pas le permis, hein. Non, mais non, je vous ai demandé si vous saviez conduire. Vous m'avez dit oui. Mais je pensais pas que vous allez partir en drift dans un quartier. Et c'est pas que je driftais, c'est que j'appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps, ça faisait des trucs bizarres. Mais non, mais oui, non, mais j'ai compris que vous ne saviez pas du tout conduire, je prendrai la conduite de rien avant. En fait, sur Forza, y a que deux pédales, c'est-à-dire genre juste tu freines, mais là, y'avait la troisième à gauche. C'est des boîtes auto. Mais non, on a même acheté un volant. On a acheté un volant. Oui, mais t'as vu la pédale de gauche? Elle existe pas. Comment ça, la pédale de gauche n'existe pas? Ben, oui. À gauche, la troisième là, tout à gauche. J'ai pas ça moi sur Forza. C'est normal parce que sur Forza, je pense que ça doit être des conduites boîte auto et pas boîte manuelle. Ouais, mais comment tu veux que je sache? Et même là, arrêtez de comparer un jeu vidéo avec une vraie voiture, s'il vous plaît. Attends, sur Forza, il y a un volant avec deux pédales. Ici, il y a quoi?
Il y a un volant avec trois pédales. Voilà. Oui, donc. On va dans mon bureau, s'il vous plaît. Oui. Oui. Votre matricule, s'il vous plaît, la référente. T'es dans la merde. 64. Mais non, mais c'est pas sa faute. Je... Écoutez, c'est pas sa faute. On va écouter la version, d'accord. Là, je vais péter. Qu'est-ce qui se passe, Malcolm? Il était attiré par le tachyde. C'est un quiproquo, en fait. Mais je même pas arabe. Je leur ai demandé. Bref, on vous expliquera dans votre bureau, Serge. T'inquiète, Laura. Chut, parle pas. Chut. Attends, je mets mon doigt sur tes lèvres. Non, mais évitez de me toucher si vous. Ah oui. C'est pas là votre bureau, non? Et vous avez un. Mais il est où votre bureau? Il est en haut votre bureau, non, chef? Non, venez, je connais mon bureau. On va pas. Y a pas assez de bureaux de toute façon. Y a pas assez de bureaux, on va là. Comme des suspects. Hein. Comme des suspects. Remarque, Malcolm, ça doit peut-être lui être familier quoi. Non, pas du tout. Pourquoi? Non, c'est bon, on déconne. Putain, c'est plus risque. Bon, du coup, écoutez-moi, lieutenant et sergent, je vous explique. J'ai voulu laisser la conduite à ces rookies pour savoir. C'est le comique là. Mais rookie, laissez-moi partir. Je vais lui prendre sa défense. Écoutez. Alors, je vous explique. J'ai laissé ce conduire. Je pensais qu'il savait conduire. Il s'avère que un ne savait pas conduire. La personne à ma droite. Donc j'ai décidé de laisser son coéquipier conduire. Il se retrouve à faire un drift. Je vous jure, c'était vraiment stylé. Et du coup, on s'est retrouvé à être entouré de plein d'individus. C'était un tout petit drift. Et en fait, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, d'un seul coup... Je suis trop fatigué, ça va. Pour ne pas être en vulgaire. Très bien, d'accord. J'ai essayé de calmer mes rookies, histoire de calmer les tensions et de les faire monter dans le véhicule. S'il vous plaît. Et de les faire monter dans le véhicule, ils ne sont pas montés dans les véhicules et à partir de ce moment, vous avez demandé des demandes de paquets. Arrêtez de mettre votre dote sur ma bouche. Pardon. Malcolm, ça se fait pas ça ici. C'est de notre faute. On a voulu bien faire. Riz, il a fait un truc trop stylé. Sauf que c'était pas apprécié des individus. Il a fait un drift en premier. C'était vraiment stylé, par contre. C'était vraiment stylé. D'après ce que je comprends, première sortie, un drift dans un quartier sensible. Oui, mais c'était pas un drift voulu. Une personne. Oh, tu lui pas chute quand même, hein. Shit. Tu peux continuer. Continue, vas-y. Ça va être rapide. 57 à radio, si vous voyez une chiburec bleu ciel. Attends, est-ce que vous pouvez contrôler l'état des personnes à l'intérieur? Ils devaient se rendre à l'hôpital, ils n'y sont pas. Hop là. Vous avez fait un drift. Vous avez percuté une personne. Vous avez laissé votre référent sortir. Vous êtes encore à l'intérieur de la voiture. Ça veut dire que cette votre référent aurait pu se faire agresser. On est descendu. Hein. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ils sont descendus. Ils sont tous descendus. Du coup, je suis descendu avec eux pour leur demander de remonter dans le véhicule histoire de calmer les tensions et de laisser les individus tranquilles pour calmer. Mm-hmm. Et au final, ils m'ont pas du tout écouté. Ils ont été agressifs envers Savastano. Tous ensemble. T'es tous ensemble. Personne reste toute seule. Mais personne n'était resté tout seul. On est resté très solidaires. On était très solidaires tous les trois. Ah bon? Oui. Pas eu l'impression quand je suis arrivé, mais bon. Pas eu l'impression, c'est moi qui ai dû venir calmer la bande de tribus là qui était là. Je vous ai salué. Ah non, mais oui, mais c'est pour ça que je vous ai demandé de l'aide parce que vraiment. Ça se calme vite, faut pas parler avec eux. J'ai l'impression que Laura t'es pas assez solide pour les deux. Si, elle est très solide, très solide. Très, très solide. Seamus, tu les récupères? Non, Laura, elle est bien. Non, elle est très, très solide. Je récupère pas. Ce qui va se passer, c'est que là, vous avez vu, je vous ai dit quoi quand je vous ai pris? Vous êtes pas sûr de rester? Oui. Et là, vous avez fait un pas vers la ligne de sortie. Parce que Laura, elle est irréprochable. Oui. Et bizarrement, avec vous, bande de mauvaise réputation de merde, elle avance vers la ligne de l'exclusion. C'est pas ça, Seamus, c'est que j'ai pas le permis. Mais comment ça t'as pas le permis? Il m'a dit qu'il savait conduire, et au final, j'ai appris qu'il avait appris à conduire sur un truc qui s'appelle c'est vraiment super bien fait, c'est un jeu de simulation de voiture. Si tu sais pas conduire, ce qu'on va faire. C'est que tu vas prendre ta fin de service et tu vas aller me passer le permis. Ah non, je peux juste rester côté passager sinon. Tu restes côté passager, mais tu passes le permis. Dans 48 heures, t'as le permis. D'accord. On va le passer juste même après. Même le chien à droite, ils n'ont pas le permis. Les deux n'ont pas le permis. Hein. Oui. Les deux zigotos. Donc Laura, vous prenez les manettes et je veux plus entendre votre patron gueuler. Oui, moi je suis chez la tribu, on voulait manger le tagine, tout ça. Non, c'est terminé. Quel tagine? C'est une expression. C'est comme le sandwich toujours. Bref, retournons au patron. Pas de soucis, c'est le jambon dans le sang. Vas-y, venez. D'accord. Voilà, merci beaucoup, Seamus, merci.
Mes respects, Seamus. Mes respects. Ouais, vous deux, c'est le jambon dans le sandwich halal, ouais. Quand tu veux. Mais je ne suis même pas arabe. T'as la tête, d'accord. La tête de quoi? Arabe. Seamus? Oui. 50 autour radio. J'ai pas le droit de parler de ça. Non, attends, attends, Seamus, s'il te plaît, s'il te plaît. Seamus, t'as entendu ou pas? Je sais, ouais. Riz, je te jure, c'est Seamus. Frérot, c'est sûr que c'est lui, c'est sûr que c'est lui. Infrastructure, c'est Seamus. Mais frérot, il faut pas que l'oreille se vire à cause de nous. Okay. Pourquoi le sol il est bugué? Elle est où? Elle est en train de se faire gronder par par l'autre connard là. Tu conduis? Viens, on ramène le véhicule jusqu'à elle, comme ça elle est contente. Voilà. Tu penses que ça va lui faire plaisir? J'espère. Non mais sérieux, elle est vraiment trop belle. C'est toi qui vas la draguer? Tu vas pas la draguer toi? Non, vas-y. Il est où votre collègue? On est là, on est là. Ok, laisse-moi. Tu conduis du coup? Ah oui, non mais vous touchez plus à rien. Oui, dis-moi. Va me récupérer de la weed, s'il te plaît. Quoi? 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 Va me récupérer. Pourquoi? Je peux le faire. Non, mais vous voulez me faire virer aujourd'hui, c'est pas ça. Attends, je récupère. Remontez dans le véhicule, vous. Où? Non, y'a pas de. Ouvrez la voiture. Oh, attention. Où mon collègue? Ah, c'est toi. Bah, il allait chercher Dawid. Au revoir, Seamus. Je sais pas. Ouais. Si tu veux que je conduise, mais je conduise doucement, je peux le faire, hein, Laura. Non, tu conduiras pas. Non, mais je conduis doucement. Vraiment, fais-lui confiance. Je fais attention. Une dernière fois. Une dernière fois, Laura, s'il te plaît. Vas-y. Bon, déjà, non, attends. Une dernière fois, je me mets derrière. Allez, mets-toi sur le pot de côté passage. 30 minutes à la craquer. Hein. Non, mais écoutez-moi, je vois un seul drift, on fait retour PDP okay, promis, et vous me faites 50 pompes. Promis. Il faut juste Est-ce que c'est clair ou pas? Il faut que j'appuie sur la bonne pédale au bon moment, c'est tout. Non, mais attendez, mais regardez déjà un tuto. Genre, prends les pédales en main. Enfin, au pied. Enfin, bref, vous m'avez compris. Oui. Aïe! Ok, j'ai le volant. Laisse-moi le volant, Laura. Vous faites pas de drift. Non, pas de drift. Pas de drift. Je vous jure, je vois un seul truc, je vous tire le frein c'est à main bon, direct. Ça marche. Laura, il faut que tu me montres là où c'est les quartiers, parce que moi je connais pas trop. Mais je ne connais pas non plus, je suis arrivée hier, genre moi je viens de LC. Comment on fait les baguettes? On a été rapatriés ici. Oui, il faut que tu nous fasses un petit tuto. Vous connaissez vraiment pas ou Non, vraiment, je sais pas. Tout à l'heure j'essayais d'en faire. En fait, j'essayais de toucher mes pecs et de faire appeler du renfort type 1, type 2, type 3. Mm-hmm. Mais ça marche pas, bah, regarde. Là je fais, ça marche pas. Mais comment, comment Attends, est-ce que là vous voyez la mienne? Non. Ah ouais, mais ça marche pas en fait. Comment tu touches tes pecs? 64 pour centrale. Enfin, pour quoi? Lui, non, en vrai. Tu te tripotes? Je suis la seule à avoir. Genre, t'as vu, moi quand je veux donner quelque chose, je te tripote à toi. Eh ben, tu te tripotes à toi tout seul là. Ah, en fait, faut le faire par le dispatch. Ouais, marcherait bien. C'est-à-dire? En gros, vous savez, accepter et annuler les appels ou pas? Non. Non. Ce soir, c'est votre dispatch. Montez dans le vide. Je peux pas. J'arrive pas. C'est comme si j'avais pas vraiment envie de monter dans la voiture. Ok, c'est bon, j'ai envie. C'est parce que j'étais monté sur le véhicule. D'accord. Mmh. Ok, c'est quoi le dispatch? Là, j'ai un truc, c'est Welcome to J Police Panel, c'est ça? C'est comment tu fais comment? Non, c'est pas celui-là. Okay. Et c'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Attends. Attendez, parce que moi. Ah, ça c'était F2. F10. D'accord. Attendez, parce que moi je vais retirer pas loin. Oh! Nous, on est quoi, nous? Attendez deux secondes. Ah, Riz! Regarde, Riz, y'a ton nom en bas! Oui, en gros, vous en. C'est. Attendez, non. J'ai un petit problème. On voit pas. Si, tout en bas, y'a ton Riz Chrono, Malcolm Budley. Non, je vois Ken Laura Suda, Vastano. Warren. Tout en bas. On n'a pas le même ordre, je crois. Ok, bah cherche tes initiales, RK. Ah oui, Laura Vastano, Malcolm Budley, Riz Chrono. Ok, attendez, après... j'arrive, je fais juste un truc. Comment tu fais une demande de backup? Non, mais non. Blips des unités des actus. Quoi? Ah! T'as trouvé? F6. Go. Mais non, il faut se connecter et tout là. Mais non, c'est votre première fois à utiliser. Voulez-vous regarder une vidéo d'explication? Attends, je vais t'aimer la vie. Attends, je me gare. Mais c'est incroyable. Ah, mais non, mais parce que je suis côté passager, ça a rien à voir. Ah. C'est bon, du coup, vous avez compris pour les demandes de. Non. Backup? Bah non, justement. En gros, du coup, c'est le truc vous pouvez accepter et refuser les appels. Ouais? D'après ce que je t'ai demandé. Tu vois tout en bas à droite? Tout en bas à droite. Avec les noms des gens? Ouais, mais en gros tu peux faire une demande de backup. Négatif, je vois pas. Dans le nord, on s'en occupe pas. Dans unité? Ouais. Bien reçu. Et comment je fais? Avec ton bras gauche. Oh! Tu me fais dire des trucs horribles. Ok, non, c'est bon. D'accord. Pour transmettre.
Venez au... Malcolm, MCD, s'il vous plaît. Quoi? J'ai fait une demande de backup. Ok, attends, je vous vois pas. Ok, c'est bon. Quoi? En oui, gros... 08. En gros, regarde. Ouvre ta tablette, F10. Et t'as vu au niveau de unité, hein? Clique droit. Vous faites aucun effort. Mais non, mais dans la tablette, dans la tablette. Incroyable. Dans la tablette. Mais oui. Mon ordre, on est où maintenant? Oui, j'ai pas entendu. Car, on... Non, c'est pas toi. Si, Riz. Malcolm. Non, mais moi, je laisse. Moi, je peux conduire? Ouais. RA sur la demande de backup, on faisait des tests sur la radio, pardon, désolé. C'est vraiment long. Je conduis, Laurent? Non, non. Ah, tu oui, m'avais dit oui. Serpierre, mets-toi derrière. Il s'appelle Malcolm. Oui, lieutenant. Il s'appelle Malcolm, pas Serpierre. Faut que j'aille m'acheter un téléphone aussi. Moi aussi. Non, j'ai pas fait encore parce que actuellement je suis en train d'apprendre aux routiers de s'utiliser des demandes de backup. C'est où qu'on achète des téléphones? À l'épicerie, tu crois? Non, mais attendez, mais lieutenant, vous voulez me faire sauter ou quoi? Attends, je peux pas tirer avec mon taser? Dans la voiture? Ouais. Bah, je crois que je peux pas. Je demanderai aux routiers de faire ça. Merci. Aïe! Pourquoi il dit aïe? J'ai rien touché. Si, vous avez. Non! Vous avez foncé dans la bite. Mais non! Je suis foncé dans la bite. Bonjour monsieur. Je voudrais acheter une carte SIM. Non, c'est fake ça. Ah non, c'est pas fake. Non, c'est pas fake. Une carte SIM. Ils vendent pas des téléphones, ils vendent des cartes. Mais elle est à Apple. C'est pas ici venu. Ouais, moi j'ai pris une carte SIM moi. Mais laisse-moi conduire bordel. Vous savez pas où c'est Apple. Bah, tu peux me mettre sur le GPS. Et du coup, tu viens de Liberty City. Tango 07 1019, dernier appel de vol. C'était bien. Qui c'est qui veut bien patrouiller avec moi pendant sa patrouille là, je suis tout seul. Nous, Seamus, on veut bien te prendre si tu veux, on arrive au commissariat pour te récupérer. Allez, venez au PDP. Récupérer Seamus? Ouais. Ah, si. Tu faisais quoi avant la police? Calmez-vous sur les drifts. J'essaye. Laura, tu faisais quoi avant la police? Mais j'ai toujours été policière. Depuis que t'es née, t'es policière. Non, mais. Ah bon? Attention, s'il vous plaît. Doucement quand vous rentrez au poste. Pardon, j'ai du mal, il faut que je gère le frein. Allez, dis-moi. Vous avez du mal. Bah, avant, je. On est derrière Seamus. Au foyer. Et ils sont où tes gosses? Au foyer. On est derrière, mais on j'ai un seul enfant, il est avec ses grands-parents actuellement. Et pourquoi c'est pas toi, il est pas que toi? Bah parce qu'il est en vacances chez ses grands-parents. Je le récupère dans 2 semaines. Début octobre. T'appelles comment? Ah ouais, mais on peut pas patrouiller à 4 là. Si, bah, si, on peut. Bah si, on peut. On non, peut. Non, on peut pas, on peut pas. Si, on peut, on peut, on peut. Si, on peut. Non, 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 c'est une des bases, on ne peut pas patrouiller. On peut. Ça veut dire qu'il va falloir se dispatcher. Regarde, il y a un siège, donc tu peux. Allez. On fait une mini patrouille. C'est pas possible. C'est pas une patrouille, on fait une mini patrouille. Allez, Seamus. Négatif, c'est pas possible. Vas-y, tant pis. Au revoir. Seamus en attente de dispatch là, s'il y a bien un petit volontaire. Tango 07. Et il est où son père à ton gosse? C'est un véhicule type Washington. 1056. Colombie, je ne suis plus avec. Il est en Colombie, t'es plus avec? Non. Il est colombienne. T'es colombienne? Et il est parti en. À côté de la marina. En bon terme ou genre il s'en occupe et tout du pied ou pas trop? Pas trop. Ah merde. Non mais on s'est quitté quand j'étais enceinte de 4 mois. D'accord. T'es célibataire? Non, actuellement je suis en couple. Mais non! Avec qui? Seamus, on arrive! Lieutenant? Oui. Seamus, vous me recevez? Non, rien, Seamus. Alors, toi, tu fais un 19 PDP de suite. Pourquoi t'as dit quoi? T'as fait quoi? J'ai dit, on arrive! Après, je me suis dit, bah non, la pauvre Laura quand même. Après, je lui ai dit, non, rien. Et du coup, il m'a dit, tu fais un 10-19 PDP tout de suite. Je sais même pas c'est quoi un 10-19. Un 19, en gros, c'est vert quelque chose. Attends, genre, par exemple, 9 Bénise. Tu sors avec le lieutenant? Oui. Lequel? 70. Ah, comme si on connaissait. Ah, 70. Le Marseillais. Le Marseillais. Ah, okay. Je prends quoi comme téléphone? C'est quoi le mieux? Non, mais vous pouvez prendre. Peu importe. Oh, je vous vois plus. Casse les couilles là, c'est pas possible. Je vous vois plus. Qu'est-ce que vous avez? Vous me voyez là? Vous me voyez vous? Oui, je vous vois. Pourquoi vous me voyez pas? Non. Là, vous me voyez? Non. Moi, je sais pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Je prends et là, quoi? C'est bon? Non. Attends, j'achète un téléphone. Bon, j'achèterai un téléphone plus tard. T'as pas de sous, Malcolm? Ouais, j'achète un téléphone. Tu veux quoi? Un iPhone. Vas-y, je prends l'iPhone 14 x2. Attends, mais ça j'ai mis ce pas de service, là, je dois régler des comptes. Fouille-moi. Discat, bonne soirée. Vas-y, ok. Mais y'aura assez pour le loyer ou pas? Non, on aura des iPhones. Ouais. J'ai pas de carte SIM, t'as une carte SIM? Non. Mais non, j'ai que la mienne. Mais pourquoi je ne vous vois pas? Mais non, Joyce. T'as pas quoi, 19? Mais. Maman, elle est où, Laura? Ah, elle est là. Mais t'as... Ah, y'a! Pardon! C'est 2451 mon numéro, Malcolm, envoie-moi un message. Mais j'ai pas de carte SIM encore. Mais achetez. Mais pourquoi vous en avez pas acheté? Je peux pas. Pourquoi? T07, fin du 1038, reprise du 1042 à tout secteur. C'est quoi 1038? Il a reçu 55. Laura, c'est quoi 1038? Ton cri venait vraiment du cœur, Laura, par contre. Rien n'a plus. Je sais pas ce que c'est 1038. Oh mon dieu. Mais t'es pourquoi t'es notre référence? Je ne sais pas, je venais de me réveiller. Je pense qu'en fait, non, mais ces derniers temps, depuis 2 jours, on est sur mes côtes. Le lieutenant Leroy est énormément sur mes côtes. J'ai l'impression qu'il me fait du mal. C'est ton mec? Oh là là, t'as vu comment je gère ou pas? T'as vu comment je gère?
Calmez-vous sur la conduite, s'il vous plaît. Leroy pour Sheamus. Allez, écoute. Vous pouvez venir me passer, me récupérer au bureau de la MCD. Je vous jure, retourner dans un quartier en driftant. 07 1038 actuellement. Moi je pense qu'il faudrait. Tire le frein, hein. Il faudrait qu'on aille présenter nos excuses pour apaiser les tensions. Non, mais ouais, allez-y doucement, c'est... alors faites du 10 km/h. Faites du 10 km/h, sinon je vous jure, je attends, vous renvoie PDP. Il va acheter une carte team. Ok, tu peux m'en acheter une. Oh putain. Mais t'as pas de sous? Si, mais je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Ah oui, vous êtes une personne comme ça. Ouais, je crois que je mange comme ça. Entre des courses, un iPhone 14, il y a un peu différent. Ok, pas de soucis, je dirais pas que vous êtes un rat. Oh, pas besoin de le dire, je le sais, hein. Tiens. Merci. De rien. Je gère. Freinez un peu. Je freine un peu. Arrêtez-vous au stop. Je m'arrête au stop. Et vous mettez juste les gyros, c'est tout. Enfin, en fait, faut comprendre qu'il faut qu'ils viennent. Enlevez-les et remettez-les, comme ça ils viennent. C'est un peu long. Non, c'est bon. C'est bon, vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter. D'accord. Wow. Salut. Du coup, mes collègues vous présenter leurs excuses pour tout à l'heure. Non, vas-y, tranquille, pas de soucis, les gars. Ok, ça marche, merci. Excusez-les. Il a dit pas la peine. Ouais, non, voilà. C'est bon alors. T07, fin du 1038 sur la marina, on reprend le 1041 tout secteur. Voilà. QE55. Les contrôles? Non, mais pourquoi vous voulez les contrôles? Par contre, c'est une armée. Viens les contrôles. Laura, viens les contrôles. Pourquoi vous voulez les contrôler? Pourquoi vous voulez les contrôler? Parce qu'ils. Mais comment vous garez? Ils ont l'air suspects. Comment vous garez? Attends, Laura, je te montre. Bonjour à tous, messieurs. S'il vous plaît, vous allez tous contre le mur. Yo, man. Pourquoi? Contrôle de routine. Contrôle de routine. Négatif. Contrôle de routine. Vous montez dans le véhicule. D'accord. Oh, le raciste. Vous allez voir la prochaine fois qu'on va se voir. Montez dans le véhicule. Oui, maintenant. Ça marche, pardon. Et moi, je suis quoi? Au revoir, messieurs et madame l'agent. De rien avec. Ouais. Mais arrêtez de vouloir contrôler tout le monde comme ça. Hein. Ben, ils avaient l'air suspects. Mais pas du tout, mais pourquoi ils avaient l'air suspects? Dites-moi ils les critères, 14. Trois critères. Ils étaient 14 avec des baguilles, des bandanas, C'est suspect. Mais non, c'est pas du tout suspect. Bon, allez-y, sortez du véhicule, vous deux, s'il vous plaît. Faites-moi 15 pompes. Hein? 15 pompes. On a déjà fait... J'ai des courbatures. Là maintenant, j'ai des courbatures. Laura Bastano est la meilleure agente. Dépêchez-vous. Quoi? Laura Bastano est la meilleure agente. 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 Sinon vous remontez pas dans le véhicule. Laura Bastano est la meilleure agente. 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 C'est bon? Ou je continue? Vous pouvez remonter dans le véhicule, mais Malcolm vous pouvez pas. Merci. Vous allez courir à côté du. Ah bah. Oh bah on dirait bien qu'on est plus que toi et moi, Laura. Affirmatif. Du coup, vous venez d'où? De où? Vous voulez que je vous montre où j'habite? Vous habitez ici, à LS? Bah oui. Vous avez pas de lit? Si. Aussi. T'aimes bien? Bah ça, c'est vrai, c'est un appartement. Là, pourquoi vous l'avez ramené chez nous? Bah elle voulait savoir où on habitait. Ça va, c'est pas mal pour deux personnes. Mais on habite ensemble, mais on. Comment dire? On n'est pas. Oui, vous inquiétez pas, je sais. Tu sais pas quoi? Je sais pas quoi. De quoi je sais pas quoi? Bah t'as dit je sais. Oui, mais. Enfin, vous êtes pas en couple. On est juste des colocs. Non, on est oui, colocs. Vous êtes juste des colocs. Voilà. On est dans le même lit. Oui, mais pas de soucis. Mais on n'est pas. Bah oui, j'y comprends. On n'est pas amoureux, genre. Oui, on s'échange même les caleçons. D'ailleurs, je t'ai pris le tien. Bah après, bah vous êtes comme des frères, quoi. Non, pas du tout. Frère de notre mère. Non, pas du tout. Ah, okay. Genre coloc. Ok, bah coloc, pas de soucis. On dort ensemble, mais on n'est pas amoureux. Oui, j'ai compris. On fume même sur le même bédo. Des fois, il me fait des soufflettes. Est-ce que c'est une soufflette? Non, c'est quoi une soufflette? Viens, on fait une soufflette, par pitié. Il colle sa bouche à ma bouche et il me souffle la fumée de la beuh dans la bouche. Ah ok. Laura, par pitié, laisse-moi te faire une soufflette. Non, ça ira, de toute façon je ne fume pas. Attention aux collections. T'inquiète. Attends, t'as jamais fumé? Je fume, si, la cigarette, mais je ne fume pas votre substance. Ok, laisse-moi te faire une soufflette avec la cigarette. Non, ouais. Mais vous pouvez faire... Bah montrez-moi avec votre collègue. Oh, y'a un braquage. Mais Siffleur s'en est déjà occupé. Y'avait pas de braquage. Putain en fait. Ils sont juste en train d'en mettre de l'essence.
Si, si, il y avait un braquage, mais attention, il faut partir en 56. D'accord. Ah, ok, bah c'est bien reçu, Stifler, merci à vous. Il s'appelle Stifler comme... T'as l'air un peu perturbé. Comment ça, je suis perturbé? Pas du tout. Il s'appelle Stifler comme American Pie. Allez à la station essence Little Seoul, on va faire le plein. Ok, après, il faut vraiment qu'on voit où sont basés tous les gangs. Ouais, il faut qu'on voit. Je ne sais pas du tout où ils sont. Mais il faut qu'on le découvre. Des flics okay. ou quoi? Oui, mais pas de soucis. Laura Vastano, pourquoi je l'avais... Normalement, c'est pas ça, Vastano? Non, enfin, je sais pas. La supérette, on reprend le 10-40 à ce secteur. Je suis plus Savastano que Chiro. Je suis plus Chiro que sans ça. Apparemment, je suis Chiro. 93 RS sur le vol de véhicule, on repart sur la 10-40 à ce secteur. J'arrive, me chercher à manger. Bon app. Qu'est-ce qu'elle est belle, en qu'est-ce qu'elle est trop belle, sérieux. Non, franchement, elle est vraiment trop belle. Hein. T'as vu comment t'es dans la voiture? Elle me voyait, j'ai dit, tu peux me tutoyer? Elle m'a dit, d'accord, comme tu veux. Ah, t'as vraiment dit ça? Ouais. Ok, ce soir tu la ramènes à la maison. Mec, c'est sûr, elle est amoureuse de moi de fou. Je peux regarder ou pas dans le trou que j'ai fait? Quel trou? Ah, bon, je t'en avais jamais parlé, j'ai fait un petit trou en vrai. Entre le mur et la chambre. Hop, 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 on va lever le pied. Hein. Pardon, ah, capitaine. Déjà, on parle sur. Bonsoir. Hop, 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 le casque! Le casque! Le casque! Le casque! Le casque! Descends! 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 De la moto! Pourquoi il menace? Pourquoi il menace? Le casque! Enlevez vos tasers! Enlevez vos tasers là maintenant dessus! Enlevez vos tasers! T'as vu tout à l'heure, je t'ai pétiné la tête! M'énerve pas encore, deuxième fois! T'as entendu ce qu'il m'a dit? Quoi, t'es passé il a à dit quoi? Là, okay, okay, là, on l'arrête là. Là, on l'arrête. Il revendique, il dit qu'il va piétiner la tête. Descends ma bécane, sale fou. Mais arrêtez. Mais il a agressé un. Écartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Il vient d'agresser, il vient d'agresser le collègue. J'ai mal au cœur, putain. Ne bouge pas, ne bouge pas. Il refuse le contrôle, il refuse le contrôle. Il a mis un coup de pied. Il a mis un coup. Enlevez les broches déjà. Putain de sa mère. Enlevez les picots, enlevez les picots. Je vois la lumière. Debout. Les picots, quel picot? Bah, du taser. Ah oui. Ah merde. Ah putain. J'ai enlevé, c'est bon. Très bien, très bien. Sinon, vous le traînez avec une laisse là, à ce moment-là. Ça va, monsieur? Vous nous entendez? Mais comment ça, ça va? Il... Oui. Il a. Il a. T'agresses mes collègues, toi? Oh, pardon. Pardon. Alors là, vous abusez un peu, les rookies, par contre. Mais il agresse! Vous m'attraquez devant moi et je vous assure que vous finirez pas votre service. Il m'a tapé. Faites 20 pompes et dites que le capitaine est le meilleur. Il m'a menacé. Oui, Ren. Le capitaine est le meilleur. Le capitaine est le meilleur. Comment ça? Le capitaine est le meilleur. Je peux me démenoter, les mains. Le capitaine est le meilleur. Allô, je peux me démenoter, s'il vous plaît. Très bien, vous expliquez votre comportement, du coup, monsieur, ou pas? Attendez, déjà, c'est vous, monsieur le capitaine? Oui, pourquoi dites-moi? Bah, parce que j'aimerais vous parler d'un petit truc. Rudy, il y a une semaine, des embrouilles de fous, des flics sous tension. Heureusement, mais attendez, là, il a pris ma main, là. Il va se la fermer, hein. J'aimerais être libre de mes mots. Il agresse des agents de police. Merci. J'ai perdu mes menottes, okay, t'as vu jamais là? T'as vu, capitaine, y'a un mec de chez toi. J'ai plus de menottes. T'as tué mon petit frère. T'as vu, on va parler le bon américain. J'ai plus de menottes. T'as un mec de chez toi. Venez, je vous en passe. T'as vu, avec oui. ton insigne et tout, qu'a tué mon petit frère. Ah bon, qui ça? Tenez. Genre là, je lui ai mis des menottes et j'ai plus de menottes. Et j'ai même pas de clé de menottes. Vous avez? Merci. Non, je vous ai pas de menottes, redonnez-moi son transfert. D'accord. Attendez, mais dans les journaux, il y a combien de temps à peu près? J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Ok, ça va. Merci à toi. Ah. Mais attends, on va fermer les yeux sur le fait qu'il a agressé un agent de police? Chut. Attendez. Hier, minuit 16, regarde. Hier? Ah bon? Hier! Je peux même pas lire le communiqué, vraiment. T'as vu, j'ai mal au cœur déjà. J'ai la haine, t'as vu? Je vais tout casser. Très bien. À mes agents, c'est ça que vous dites. Je crois qu'il faut que t'arrêtes de faire des pompes. Pas la direction du poste à ce moment-là, tout simplement. Plus jamais je fais des pompes. Ceci étant dit, pourquoi vous dites ça? Votre frère a été abattu pour quel motif? C'est un criminel, parce non? Non, même pas, c'est un petit 16. Il a 16 ans, man. Il a 16 ans, il est allé à l'école. Il y a pas de man. Il y a pas de man. Tu crois le capitaine, c'est un gangster comme toi ou quoi? Oh, c'est monsieur! Mais toi. Je suis en train de parler, d'accord? C'est monsieur! Mais vos rookies sont complètement malades, hein? C'est monsieur! Je suis en train de parler, par contre, Rocky. Pardon, capitaine. Très bien, pardon. Du coup, vous êtes un criminel, vous aussi, je vous rappelle. Donc bon, Oui, c'est vrai. On vous connaît tous, d'accord. Donc c'est un peu du culot, d'accord. Vous passez votre temps à tirer sur des gens, hein. Oui, moi je tire, mais mon petit frère, il tire pas. Il a jamais touché d'arme. Très bien. Il pourra jamais en toucher, là. Très bien. Vous avez une carte d'identité sur vous?
Non, j'ai pas. Mais j'aime pas de carte d'identité en plus, d'accord. Ah, je mets, c'est Davis Jake, et mon petit frère Davis, il s'appelle Jake. Mason Jake, il est mort. Très bien. Et ben vous aurez peut-être dû faire en sorte à ce qu'il roule pas dans ces affaires-là. Il serait peut-être en vie à ce moment-là. C'est de votre faute. Il est à l'école. Tu m'aurais pas pu essayer tout à l'heure, peut-être qu'il serait pas mort. Il était à mort. Je te connais, mais ça fait deux semaines, il est mort, enculé. Bien fait. Redis du enculé, mais il est mort pour une bonne raison alors. Redis bien fait, je t'encule tout de suite. Bien fait. Aïe! Il va péter le nez! Aïe! Il va péter le nez! La bouche hallucine! Aïe! Pas bien, toi. Ça va, Riz? Allez, c'est bon, bien. Ça va? Ouais, ça va de fou, ça. Aïe! Allez! Non, mais j'hallucine, mais c'est quoi ce délire là? C'est donc ça, hein, la police! C'est donc ça de quoi? C'est donc ça la police de quoi? Je vais t'envoyer le rejoindre, ton petit ref, moi, tu vas voir! Hein? Mais toi, mais. Bon, propos, ok. Je vais te mettre un coup de boule, tu vas jamais. Ah, vous allez rien faire du tout, tu vas rien faire. La seule chose que vous allez faire, c'est passer la nuit en cellule et comprendre ce que vous avez fait. Et ouais. C'est bon, je m'en occupe, capitaine, on s'en occupe. Une chose dans le crâne, très bien. Si votre erreur, c'est de votre faute, pas de la nôtre. Allez, avance! Avant la voiture, à l'arrière de la voiture là! Tu vas agresser des keufs? Il m'a agressé deux fois, trois fois il m'a agressé. Je vous mettais dans le véhicule, je vous ouvrais pas. Ouais, c'est du harcèlement, tu vas me dire. Ouais. Allez, Vastano, occupez-vous bien de lui. Je m'en occupe, capitaine. Tu vas voir, capitaine. Merci, capitaine, merci. Arrêtez de tout taser. Qu'est-ce que vous faites? Tu vas voir, capitaine, tu vas voir. Mais vous faites quoi? Nique mes pneus là. C'est même pas ma chope, trou du cul. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire. Menacer. Rentrez dans le véhicule. Très bien. D'accord, ok, très bien. Parce que si vous continuez comme ça, je peux voir où vous habitez, hein. Il a dit... On toquera à vos portes chez vous. Vous voyez toutes les petites maisons. On fera une petite visite de courtoisie, évidemment. On verra s'il restera des choses après. Viens l'envoyer, sa capitaine. Très bien. On se dit à bientôt, alors. Vous êtes le meilleur. C'est vrai que c'est le meilleur. Suceuse de pite. Ouais, ouais. Oh ouais, mon grand. Vous me dégoûtez. Moi, je vais sucer dehors. Toi, tu vas pas sucer en prison. Quoi? Bah, c'est mieux, non? Vous allez sucer les barreaux. Viens l'envoyer, ça, Vastano. Vas-y, déposez-moi là, on a rien vu, on a rien entendu. Ah non, mais vraiment pas, hein. Je vais rien dire aux grandes chez moi. Non, non. Tout va bien. Regarde, c'est ce que tu vas leur dire. Les grandes chez toi, tu vas leur dire Malcolm, il les encule. Malcolm 114, j'ai... d'accord. Mais t'es qui toi? T'es qui? Moi, je suis Malcolm 114. Tu dis Malcolm, il les encule. Attends, t'as vu la demoiselle là? T'as vu tout à l'heure, tes rookies, ils ont fait de la merde. Mm-hmm. Ils sont venus, ils ont drifté chez moi. Et bah, moi là, j'ai fait de la merde. C'est le moment de faire 1-1 et de me laisser partir. Non, mais on a déjà fait 1-1 parce qu'on est parti aller s'excuser dans ton quartier. Mais j'étais là, vous vous êtes pas excusé, c'est faux. Non, c'était ton quartier de merde. Bah oui, j'étais là. J'ai écrasé la tête du mec devant moi là. Ouais. Je l'ai écrasé. Il a écrasé ma tête. C'est moi. Non, mais et là, tu t'es bien fait écraser la tête. On est revenu dans votre quartier. Après, on est revenu dans votre quartier. J'ai pas entendu. J'étais pas au courant. Désolé. Bah voilà. Ouais. Ouais, je m'excuse. C'est bon, ça fait 2-1. Là, t'as vu, je vais repartir drifter dans ton quartier. Et toi, tu seras même pas là pour me tabasser la tête, gros bouffon. Eh ouais. Mais fais ça quand je suis là, sinon c'est pas marrant. Allez, descends en merde. Vas-y, aide la demoiselle, t'es la seule qui a l'air d'avoir un cerveau, s'il te plaît, laisse-moi partir. Non. C'est tranquille. Il est parti tout seul. C'est une demande du capitaine. J'ai pas fait exprès. Putain, il est parti tout seul, désolé. Vous avez bien fait, il a essayé de me voler mon arme. Quoi? Oh, je suis. T'as enculé, y'a des caméras derrière vous, vous êtes con quoi? Ah, putain. Alors, t'avais essayé de me toucher? Non, non. J'accepte quoi pas. Oh, par c'est... contre, pas d'acte 1, non, pas méchant ça. Tu veux toucher l'arme de l'autre? Tu veux toucher? Bah, je suis pas... Pardon. Allez, pardon. Tape Laura, c'est mais bien. Mais pas toucher Laura? Non, je touche pas Laura. Une pas deux. Allez, allez. Alors, en cellule, gros bouffon. Mais je fais fou là. Allez, merde. Avance, merde. Ouais, avance. Alors, je tiens pas sur tes pattes. Allez, avance. Je peux rien faire. Avance. Avancez. Allez, merde. Avance. Fais un souffle, s'il vous plaît, Malcolm. Je vais t'appeler Poupe. Pourquoi Poupe? Je m'appelle Driver, enculé, va. Pourquoi je l'appelle Poupe? Oh putain. Avance, Poupe. Pourquoi t'as mis une balayette, fils de pute? Ouais, bah, je vais t'en remettre une avance. Mais laissez-moi marcher, bande de bâtards. Mais la tête de ma mère, ça va pas se passer comme ça, mais vous êtes des malades. Ta gueule, avance. Si tu dis que tu t'appelles merde, on te laisse partir. Écoutez, tu t'appelles comment? Je suis mort, allez vous faire enculer. Comment je t'appelle? Quoi? T'appelles comment? C'est ta chance, là, c'est ta chance pour partir. Ok, je m'appelle Driver. Ah merde, non, merde. Tu t'appelles comment? Merde. Dis bonjour, je m'appelle Merde. Bonjour, je m'appelle Merde. Eh ben, Merde, il va en prison. Allez. Oui, avance. C'est bon, c'est bon. Mais t'as pas, c'est bon. C'est dingue. Je peux vivre, s'il vous plaît. À droite. Ah, mais comment que ça s'appelle comme moi? Je m'appelle Davis. Sérieux? Putain, mais c'est un truc de fou. T'emballes quoi? Ça va aller, quoi? C'est pas grave, Je suis fou quoi.
Allez, à gauche. J'ai pris un truc bizarre. D'accord. À gauche. Je vais m'occuper de sergent, du sergent formateur. Bah, vu que vous êtes une femme, allez. Non, allez. Quoi allez, homme. À droite. À droite. À droite. Stano et les rookies, je vais vous voir dans mon bureau après. Pourquoi, chef? Vous voulez nous féliciter? Je crois qu'on l'a bien fait. Ok, du coup, maintenant. Bon. T'as pas vu tout à l'heure, il était content quand. Ouais. S'il vous plaît, fais un pas, s'il vous plaît. Il a quoi sur lui? Fais un petit pas. Oh, ça. Attendez, je vais le fouiller. Il a quoi sur lui? Salut, Leroy, j'ai dit salut. Ça va quoi, tranquille? Ça va, tranquille, tes têtes et les autres agents là, tes rookies, c'est des enculés. Je te jure, je te laisse dans la merde, t'as rien sur toi. Allez. Merci. Quoi? Mais la tête de ma. Mais attends, mais attends. Oh, mon argent! Eh non, par contre, je devais acheter des trucs pour le quartier, arrêtez. Rendez. Oh. Seulement si tu dis je m'appelle merde, rendez-moi s'il vous plaît. Je vais dire rentrer dans le bureau déjà. Ok, je vais convoquer, je vais pas dire que je vais rentrer à l'intérieur. Je prends ta tête, tiens contre le bord. Aïe, Riz, aide-moi! Riz! Riz, aïe! T'inquiète! Il t'a fait mal? Un peu, mais ça va. Oh, je passe une trop bonne soirée, sérieux. Je t'aime, Riz. Moi aussi, mon frère. Toi aussi, Seulement si tu dis je m'appelle merde. Dis que je t'appelle merde. Dis je m'appelle merde et je te jure que je te libère. J'ai dit je te jure. Je m'appelle merde. Tu t'appelles comment? Dis merde. Bonjour, je m'appelle merde et j'ai été interpellé. Bonjour, je m'appellerai merde et j'ai été interpellé. Vas-y, fais-moi sortir ma conférence. J'ai jamais de la vie. Mais, fils de pute. Il est trop con, sérieux. Il a cru bien avant le capitaine, il veut nous sucer. Je vous ai dit rentrer dans le bureau. Pardon, excusez-moi, capitaine. Bastablo, Blostano. Vastablo. J'ai juste dit Vastano, pas vous. On est ses référents. Allez, sortez. Allez, oust. Toi aussi, non? Oui. Très bien. Je vous ai donné des rookies en référent, non? Arrête. Oui. Vous êtes pas capable de les tenir? Très bien, écoutez-moi bien, d'accord? Une radio, ça se tient clean, et vous le savez très bien. Donc la radio, je veux pas entendre leur bordel en radio, c'est clair ou pas? Après, ils ont pas fait de bordel en radio. Ils ont hurlé en radio en début de service. Monsieur le capitaine, pour sa défense, elle a quand même deux rookies d'un coup, alors que tout le monde en a qu'un. C'est un peu compliqué. Non, la quasi-totalité des agents ont deux rookies. Ouais, mais là, c'est deux rookies qui se connaissent. Ah, Miss Click, ça. Comment ça? Ils se connaissent les deux, ils sont colocataires. Oui, ils sont colocataires. Oui, bah faites un peu. Travaillez un peu, non? Oui, on est colocataires! C'est Riz! Très bien. C'est mon coloc! Rentrez dans le bureau, les deux. Pour qu'ils soient plus calmes. On rentre? Oui, rentrez. Respect, capitaine, respect. Mais respect, capitaine. Très beau bureau. Très bien. Du coup, messieurs, déjà, on va commencer par respecter votre officier référente, d'accord? Bah ouais, oui. On fait un petit tour en prison. Vous êtes déjà censé être là dans le respect des choses, tout simplement. Monsieur le capitaine, est-ce que ça vous dérangerait d'enlever votre t-shirt et de le remettre votre t-shirt? C'est envisageable. Affi est pour le lieutenant 70 aussi. Bah, sur la 70, t'es moche. Oui. Merci bien. Non, mettez un masque plutôt, capitaine. Le t-shirt. Ah, bon. C'est bon? Oui, c'est le t-shirt. Oui, vous êtes parfait, là. C'est bon, capitaine. Pardon, j'avais un petit peu chaud, je vous avoue. Très bien. Donc, ça fera on va dire que ça a commencé sur une mauvaise note. Oui. Donc, ce que je vous demandais, c'est du sérieux, d'accord? Taser les personnes sans aucune raison, c'est hors de question. Frapper les personnes en leur fonçant dessus à la matraque, c'est hors de question. Par contre, à l'inverse, les civils, c'est pas autorisé aussi. Et mais attendez, capitaine, pour la défense de ma staro, ma référente policière. Oui, follow. Bastano. Oui. La personne qu'on a appréhendée m'avait passé à tabac dans le quartier à Grove Street. Et secondo, il a passé à tabac Malcolm, mon collègue, donc c'est pour ça, c'est pas un coup de taser pour rien. C'est mon premier coup de taser et c'est sur lui. D'accord. Mais moi, j'ai eu la remontée comme quoi vous avez volé l'arme de Savastano aussi. Devant le PDP. Moi, j'ai eu la remontée comme quoi vous étiez ingérable. Qui remontée de qui? Bastato. Bastano, elle a pas dit ça. Bastano? T'as dit ça? Bastano, quoi, oui? T'as dit oui. Ça? J'ai dit quoi? J'ai pas entendu. Vous n'étiez impénétrable. Ingérable. Quoi? Ingérable ou impénétrable? Ça fait des allusions sexuelles. Ingérable, bien évidemment. Non, j'ai dit que vu que les deux se connaissaient, à des moments, je n'arrivais pas trop à léger. Non, on avait des moments de complicité, quoi, c'est tout. D'accord, très bien, d'accord. Bah, je ne veux plus entendre de retour de votre part, ok? Faites en sorte à tenir vos deux rookies comme il faut. Ça fait deux fois ce soir. Deux fois. Couchez-vous. Non, y'a pas de coucou. Très bien. Je ne veux plus entendre parler de vous pour le restant de la soirée, c'est clair?
et faites en sorte de ne pas rendre la tâche impossible au, à l'agent Bassafasso. Bastano. BCSO. Voilà. 64. Très bien, très bien. Coucou, c'est clair ou pas? Toi, tu Malcolm. Oui, quoi, c'est clair ou pas? Tu te fais parler en même temps que ça. Capitaine, est-ce que le. Oui, dis-moi. Est-ce que les deux cadets ont autorisation? C'est moi, je suis là. Sachez, capitaine, que Vastano est une très très bonne référence. Mais pas dans le sens bonne, vraiment, genre vraiment, elle est très très bien. Chemus, regarde. Elle est très bien comme référence. Oui, j'en doute. Elle fait très bien son travail. Elle nous a appris à faire des demandes de backup. Y a pas de problème. C'est bien. Ah oui, c'est un très bon début. C'est un bon début, effectivement. Bah, tâchez de faire en sorte à ce qu'elle ne se fasse pas rétrogradée du fait qu'elle n'arrive pas à vous former. Hein. D'accord, merci, capitaine. Elle a vos carrières dans ses mains et vous avez sa carrière dans les mains. À vos ordres, mon capitaine. Très bien, repos, allez. Merci. Au revoir, capitaine. Très belle chemise, capitaine. Merci. Je ne connais pas encore assez. Mais prends confiance en toi. C'est qui s'occupe du petit mec qui est en cellule là? C'est moi, madame. Ok. Ok. Bon, il dit qu'il doit sortir depuis un moment, ce n'est comment là? Oui, on va le faire sortir, madame. Ok. Donc, tu vas prendre compte. Oh, bonjour, comment ça va? C'est quoi ton nom? Ça va, ça va. 5-5-5 tiré. Ça va top, hein? Vous avez vraiment fait la 5-5-5 tiré 25-73. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Riz aussi, il peut le prendre? Oui, Riz aussi, prends le numéro de téléphone. Riz, calme-toi. D'accord. Regarde, je t'appelle. Très bien. 8-8-40. Allô? C'est ouais. Malcolm. Oui, tu vois, il y a pas besoin de WhatsApp, tout ça. Le réseau, il passe comme ça, d'accord? Peut-être pour appeler, voilà, t'as besoin de WhatsApp. Là, t'as pas besoin de WhatsApp pour m'appeler, d'accord? Mais prends confiance en toi, merde. D'accord? Et toi, Alice, prends confiance en toi aussi. D'accord. Ok. Parce que sinon, vous deux, je prends vos têtes, je les ramène dans les chiottes, je vous encate la tête jusqu'à temps que vous saignez. Attends, c'est quoi ton numéro, Riz? C'était 24-51. Jaimus, tu peux m'envoyer un message, s'il te plaît? 24-51, ok. Combien tu m'as dit? 24-51. On a encore l'énergumène là? Bah j'aimerais bien partir, capitaine. Il doit sortir le rookie. Pas le moins du monde. Vous êtes très bien là, vous êtes à votre place. C'est qui? Non, pas toi. Allô? Je dois aller étudier là. Allô? Allô, oui? Qui t'a l'appareil? Je suis auto. C'est moi. En fait, qui? Je vais dire. En fait, j'ai pas encore ouvert ma boîte, je devais l'ouvrir. Allô, Malcolm? Oh, bâtard! Vous êtes sadomaso ou deux là? Pourquoi? Sauf que ça va être compliqué, je pense. Parce qu'il paraît, quand vous faisait faire des ponts, vous disiez marraine, oui, marraine. Oui. En fait, j'ai parlé de. Bon, faites quoi là? On patrouille. Collègue, parce que mon petit frère s'est fait abattre. Ah, vous avez. Avec Laura. Récupère-les, elle est fatiguée. J'ai perdu mon sang-froid. Vas-y, allez, on bouge. Allez, d'accord. C'est ce que vous dites, vous m'avez menacé. Attends, je libère le trou de balle. Littéralement menacé. On le libère ou on le libère pas? Il a l'air de continuer sur la. Il est énervé, il a pas ses brouillades, c'est ça? Non, non, t'auras pas tes brouillades, t'auras les repas du Los Santos Police Department. Je le palpe, je le palpe pour être sûr, capitaine. C'est mon cul, c'est mon cul. Non mais. Super. C'est mon cul, c'est bon, RAS. S'il vous plaît, mon sergent. Au revoir. Au revoir, capitaine. Allez, ça va patrouiller, mais depuis ce que vous venez. Elle est où, Laura? On patrouille plus avec Laura? Je peux partir. Capitaine, il peut partir? Je vais voir qu'est-ce qui vous pousse à l'erreur. Il a pas fait grand chose en vrai. En vrai, oui. Est-ce que tu peux nous montrer où sont les gangs? Les gangs? Oui. Vous savez quoi là? Vous êtes punis pour le bordel que vous avez fait. Et elle va payer pour vous. On va aller faire une patrouille à vélo. Oui, vous et vos menaces. Hein, non, quartier, par pitié. On veut d'abord voir les quartiers, par pitié, Sheppard. Voir quoi? Les quartiers, on sait pas où ils habitent, les criminels. Ah, vous connaissez pas encore. Non, on connaît rien, on connaît que dalle. Bon, ce sera pas une patrouille, mais vous montez vous trois. D'accord. Allez. Ce sera une semi-patrouille. Et montez ou pas, Melinda? Ah, quand c'est Melinda, on peut patrouiller à 4 par contre. Ah, Melinda, hein. Ah, Melinda. Bon. Bon, Melinda, tu veux monter ou pas? Non, c'est pas Melinda, mais je sais monter. Tu vas partir, Mastano? Comment? Laura? Mais vous êtes Laura aussi, capitaine. Oui. Laura, va avec Laura. Laura, tu me manques. Quoi? Tu me manques. À toi. Allez-y. Attends, Vastano, pitié, deux secondes, s'il te plaît. Quoi? Attends, donne-moi ton numéro, s'il te plaît. Et descends de la voiture. Laura. Attends, regarde-moi, c'est pour la photo de contact. Regarde-moi, pour la photo de contact, s'il te plaît. Non, mais vraiment. Pour la photo de contact, pour la photo de contact. Mais y'a pas. Ah, pardon. Aïe. Mais pour la photo de contact. Je vais te mettre. Non, mais regardez dans l'annuaire, vous allez avoir mon numéro de téléphone. Y'a pas besoin de contact. Quand vous enregistrez un numéro, y'a automatiquement. C'est quoi ton numéro? Je sais pas ce que c'est, 5841, je sais pas un truc. 5841, d'accord. Attends, c'est moi ou t'es en train d'esquiver parce que ton mec est dans la voiture? 5801. Oh non, putain. Elle t'a donné son numéro? Oh putain, fais chier. 5801. Oh putain, fais chier. Quoi? Okay. Laura? C'est quoi ton matricule? 26. Et c'était quoi le matricule de l'autre Laura du coup? 64. D'accord. Switch 64 avec 26. Hein?
En gros, t'es avec 64, tu vois. À moins que tu veuilles rester avec nous. Mais non, elle est pas partie, elle est à l'intérieur. Bon, moi j'ai pas. On peut éviter de perdre du temps parce que je dois me coucher à minuit 40 et depuis tout à l'heure je suis tout le temps au PDP donc. Ah oui, bah viens, tu vas patrouiller avec nous. Allez. Alors les quartiers. Pourquoi je dois coucher à minuit 40 ? Parce que j'ai l'université de Los Santos demain à 6h40. Ah ouais, c'est vrai, mais t'es jeune, t'es policière à côté. Policière et l'université. Bah, je continue mes études, c'est ça. Il n'y a pas de job étudiant dans la police, hein ? Hein ? Mais c'est pas un job étudiant ? Bah si. Bah non. Bah du coup si. Non. Bon alors les quartiers de base, comme je t'ai expliqué du coup. Il y a l'école de police toujours à côté en fait. Oui, elle va à l'école de police. Ouais, elle va à l'école de police. Et ça se passe à l'université de Los Santos. Du coup là on va rentrer dans un quartier dit Zai. Ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi Zai ? Zai ? Je sais pas. Zone à immigrer. Oups là, attention. Ceux qui m'ont frappé tout à l'heure. Attends, par contre, ils sont vraiment beaucoup. Ils m'ont frappé et j'ai arrêté leurs collègues là tout à l'heure. Attends, mais what the fuck, mais pourquoi ils sont autant ? Je crois que c'est l'heure du couscous ou du tagine. Il y a des coups de feu ? C'est quoi ? C'est couscous ou tagine là ? 62. Oh putain, mettez-moi un point sur la position du coup de feu. Bah, je cherche. Je cherche. Je l'ai pas. C'est rue Great Ocean Highway. Un point, je connais pas. Je sais pas où c'est. Bah, attends, mais là, il y a un brawl qui va se préparer ou un truc comme ça là. C'est Great Ocean Highway. Great Ocean Highway. Mais comment tu l'as ? Great Ocean Highway. C'est là-bas, c'est la GOH. Je peux mettre un point s'il te plaît, Laura ? Mais il se passe quoi là ? Mais ils font quoi la tribu là ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Oh. Attends, mais vous l'avez vraiment là le coup ? Mais non, moi je le vois pas le point moi. Bon, on va aller voir. Vas-y, mais dépêche-toi ! Oh, c'est bon. Oh non, j'ai le même truc que tout à l'heure, non! Putain, j'ai mon ex qui m'a recontacté, les gars. Vas-y, je te ramène, t'inquiète, je te ramène. Mais pourquoi je vois pas les appels, moi? Ah là, le truc, c'est qu'on a pas le droit de patrouiller à 4, putain, ça me fait chier. Chef, je vois pas les appels, oui. Moi. Mais attends, mais t'es sûr? Oh putain! Attends. Ah si, c'est bon, je les ai. Allez, écoute! Et le contresens? Tu dis à mon fils? Que c'est une merde! Quoi? Envoie-moi une position! Apparemment, il y a des meurtres en cours. Tu m'envoies une position. Je te jure que si c'est une connerie, je te matraque la gueule. Ok, d'accord, ok, on va l'arrêter, mais envoie-moi la position. Prends, bon, je suis pas. Je suis pas avec une hache à droite. Tout le monde. Ah. Non, mais attends, je vois le truc des coups de feu, mais c'est pas là où il y a le point GPS, hein. C'est pas là où il y a le point GPS, c'est où? Non, attends, laisse-moi conduire. Ok. Vas-y, va derrière. Maintenant? Ok. Allez, il se prend confiance en toi. Tu manies le volant, ok? D'accord. Tu manies le volant comme tu manies le cul à qui? À personne, jamais manier le cul qui que ce soit. C'est pas grave, on apprendra ça ensemble. Mais frère, pourquoi je ne vois pas? Et Laura, toi, du coup, on parlait. T'as mangé quoi ce soir? Ah, mais Laura, c'est dans le nord les coups de feu, d'accord. Ah, bah laisse, c'est bah la oui. Chasse. Va, Vespucci. Oh putain, attends, mais laisse-moi, j'ai la pause. Laisse d'accord. Conduire, vas-y, plaisir. Conduis. Du coup, Laura, t'as mangé quoi ce soir? Wow. Rien du tout. T'aimes pas manger le soir? Je suis en diète. Ah merde, ça doit faire chier ça, non? C'est très bien. Et toi, Riz, tu as mangé quoi ce soir? Moi, j'ai mangé une pizza. En gros, une pizza, crème fraîche, pommes de terre, oignon, merguez. Ah putain, elle devait être trop bonne. Elle était excellente. Pourquoi ça te dégoûte? Ah non, mais quand il y a la crème fraîche, c'est toujours. Oh, mais comment elle est aigrie celle-là? C'est pas possible! Ouais, minuit 40 et tout ça. Wow. Minuit 40, diète. Wow, oh, qu'est-ce qui se passe? Allez, on braque. Hey! On bouge plus! Los Santos Police Department, on bouge plus! Hop! Ah, les mains en l'air! Les mains en l'air! Mais quelle main en l'air? Tu m'avais arrivé! Tu m'avais arrivé de loin! Mets tes mains en l'air! Tu mets tes mains en l'air, premier avertissement! Tu mets tes mains en l'air, deuxième avertissement! Tu mets tes mains en l'air, troisième avertissement! Il les avait mis! Il les avait mis, chef! Ah, on a fait, hein. Il se passe quoi, les gars? Abel, connard! Lui, c'est mon fils, lui, vous me le laissez. Qu'est-ce que tu me ramènes ici pour une pause? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui t'a embêté? Il y a des gens qui sont venus chez toi, ils sont rentrés chez toi, ils ont commencé à tout voler, tout casser. Et t'as pas su nous protéger? Si, mais c'était dit. Qui c'est? Tu balances. Des Brésiliens, ils habitent là-bas. Ok, super, on va aller leur rendre une visite. Je savais pas qu'il y avait des Brésiliens, super. Et bientôt, il y aura quoi? Des Colombiens, fais chier! Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais. Oh, mais toi. Allez, Laura, tu viens s'il te plaît, confiance en soi. Laura, confiance en soi, allez. Oh, policier de merde. Oh.
y a des brésiliennes. Qu'est-ce qui se passe? Super, c'est le carnaval. Ils se sont fait tabasser, je crois. Vous avez fait quoi, Riz? On va voir les brésiliennes, t'inquiète pas. Non, mais c'est trop bien de patrouiller avec lui. Là, j'ai mis un coup de taser à un mec qui était innocent. Il m'a rien dit. Il m'a rien dit, je le jure. Aïe. Calme-toi! Boubacar, tu viens là! Et je suis... Ça va, chef? Viens, viens là. J'arrive. Viens. Allez, Laura, confiance en soi, Laura. Laura, il y a des mecs derrière. Merde, c'est un quartier, c'est un quartier. Chef, il y a des mecs qui nous parlent derrière. Sors la gazeuse, cassez-vous. Cassez-vous. Allez, on s'écarte, les animaux. On s'écarte, là. Je vous gaze les yeux, là. Sors la gazeuse. Ça s'écarte. Oh mon Dieu, j'ai raté mon coup de laser, chef. Ça s'écarte, allez. Il est lent, taser. Ça se disperse. Reculé. Reculé, je vais ouvrir le feu. C'est mon bébé, la merde. Le centre de police département, tu sous les deux autres cadets. On a perdu un cadet, chef. On a perdu Malcolm. Rends ta machette. C'est vous, je vais vous calmer. Malcolm. Allez là, Laura, c'est bon. On va sortir les chiens, on va sortir les chiens. Allez, bouge. Cassez-vous. Allez, montez. Malcolm, grimpe. Casse-toi là. Dégage vite là. Dégage là. Du Brésil ici. Ah, attends-moi. C'est du Brésil. Casse-toi, je vais t'arracher. Casse-toi. Vite là, dégage là. Putain, des Brésiliens. Savais pas, bordel de merde, ils nous ont ramené ici. Ils m'ont mis des coups de bouteille. Putain. Bientôt, ce sera quoi? Ce sera le Maroc. Wow. D'ailleurs, je vais aller voir mon pote le Marocain là. T'as un pote marocain? Ouais, il s'appelle Mora là. Je vais lui demander des informations sur lui. D'accord. Enfin, sur eux. Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Tu sais que là, ils vont... Putain, mais voilà, fait chier. Qui c'est qui a fait un manque de renfort? C'est... Malcolm. C'était moi. Non, c'est Laura. D'accord, Laura, c'est Laura. Tu vas dire que t'as fait une demande de renfort? En radio, voilà, dis-le. Laura, dis-le. Ça va, chef? Ma jambe. Ça va, collègue? Ça pourrait aller mieux, ouais. Putain. Ouais, mais Laura, tu fais chier. Laura, elle sait pas conduire. Elle sait pas conduire. C'était une femme au volant en plus. Ouais. Mais non. 55, qu'est-ce que tu racontes là, putain? Non, je sais pas, ils disent que c'était Laura qui conduisait. Elle sait pas trop conduire, c'est tout. Elle débute. Ok, ouais, bah. Je sais pas. Elle débute bien en tout cas. Ça va, vous êtes pas trop blessés, les mecs? Attendez, vous arrivez à ouvrir la porte. Attends, j'essaye. Putain. Ça va? Les gars, faut pas lui en vouloir à Laura, Ça fait prendre la partie. Ouais. C'est bon, lui en veut pas. Il a rien fait, mais moi je conduis mieux que lui. Appel de vente de drogue. C'est bon, on s'excuse de la part de Laura. Laura, tu conduis plus, hein. Tu conduis plus, Laura. Tu ne conduis plus. C'est fini. Arrête. Vite, Timus. Les collègues, ils sont en train de se faire prendre la partie là-bas où on était. Ouais, j'aime bien les rebeller, la population. Bon, là, c'est coup de matraque sur coup de matraque, s'il vous plaît. Regarde. On perd pas nos couilles. Vas-y, tu fais quoi? Allez, ça se disperse! J'ai tassé! Le shoot! Viens là! Bien joué ça! Toi, tu veux faire chier. Arrêtez. Tu veux faire chier. Pardon. Ok, c'est pas grave. Ok, c'est bon, super. Ils ont compris. On bouge. Je crois qu'il est mort. C'est bon, super, les collègues, on peut faire 10-19. Super, on s'est sorti de cette galère. Malheureusement, faut pas les embarquer. Qui sera au niveau de la fête foraine pour les ventes de drogue, s'il vous plaît? On vous a déjà niqué. Je crois que je l'ai tapé dans le front. Il y a une personne qui a été agressée par eux qui est blessée en collègue. Je sais, occupez-vous-en là, je vais parler à... Non, attends, laisse-le, faut déposer s'il te plaît. J'ai tapé dans son front. Saute s'il te plaît, Riz. T'as tapé dans son front? Ouais. Enfoiré. Il s'est relevé! Arrête, enfoiré. Non, Riz. Oui. Non. Ah, Riz, tu t'appelles toi? Ouais, Riz. Culio d'apouta, lâche mon frère. Culio d'apouta. Recule toi. Ah, lâche mon frère. Recule. Allez. C'est bon, on laisse
Ouais, tu vas voir Riz. Riz, tu vas voir Riz. Tu vas voir Riz. Tu vas voir Riz. Riz, tu vas voir. Filion de putain. Tu vas voir Riz, on va t'attraper. Riz, c'est bon. Hein, Riz. Retiens-toi, Riz. Il est combo. Ah, c'est comme. C'est comme ça, hein. Ouais, je te retiens. Oui, je te retiens. Pardon. Je te retiens. Pardon. Pardon. Il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Un film. Oh, un film. Oh. Putain. Vite, on se réveille, j'y venais. Je l'ai raté. Non. Allez, circulez. Sortez les pites. Bonne de 5 plus là, filo d'un putain là, M6. Allez, rentrez dans mon bidet, vous de l'air. Non, c'est mal, oh, merde, elle a filmé la meuf. Ouais. J'ai mieux, c'est ce qu'il y en a qui ont été. Mais je suis là, hein. Merde, putain, mais c'est de la mienne. Dégagez là. Il y en a un, je l'ai littéralement tasé 7 fois. C'est Brésil ici, c'est Brésil. Mais. Laura, c'est toi? Ah oui, c'est ça là, notre voiture. Ok, avance dans un coin discret là, c'est la merde. Quoi? C'est la merde, avance dans un coin discret. Il y a une meuf qui m'a filmé pendant que je faisais une bavure. Qui a filmé. Ok. Laura, tu as la bouche pendue, toi, ou pas? Quoi? On fait. Non, rien. En vrai, on fait porter le chapeau à Laura. On dit que c'est elle qui les a tous tapés. Ouais, c'est elle qui les a tous tapés et celle qui a donné l'ordre. Bah, le capitaine, il vous a vu, donc non. Du coup. Non, mais avant. Le sergent-chef, il a vu quoi? C'est compliqué, hein. Bon, Laura, écoute. Capitaine, vous me recevez? Je vais rédiger un rapport. Laura, elle a fait des petites bavures dans le quartier des Brésiliens. Je confirme, je suis Malcolm, le colocataire de Riz. Un des menteurs, bref. Oh, s'il te plaît, la radio. Moi, je vais prendre ma fin de service. Tu devrais la prendre à 1h40? Oh non, mais on plaisante, hein, t'inquiète, on va pas te mettre dans la merde. Il reste 14 minutes, il reste Laura. Laura, vraiment, on va pas te mettre dans la merde. Laura, c'est dans 14 minutes. Laura, on te met pas dans la merde, on plaisante. Laura. Madame 15, 19, Ah putain, les gars, dites-lui qu'on l'a mis pas dans la merde, s'il vous plaît. Bah non, je vais vraiment faire un rapport. Il plaisante, t'inquiète pas. Non, je plaisante pas. On aura pas besoin de faire de rapport. Bah non, moi je veux confirmer ce que dit Riz. Je confirme. Je te passe. Alors Laura? Je l'ai égoûté. Oh, vous arrêtez de embêter vos collègues là-haut. Oh Laura, c'est pas parce que on a la radio quand on vous parle, merci. Laura. Mais elle est aigrie de fou. Bonne soirée. Laura. Laura. Arrête. Laura, on va rien faire contre toi, d'accord? Si, je vais faire un rapport. Contre elle? Bah oui. Bah elle s'appelle Laura. Arrête Riz. Tu vas pas la mettre dans la merde alors que t'as tout ça dans le coltard. Mais je vais pas arrêter parce qu'elle boude, c'est ridicule. Au contraire. Oh, chef. Oui, c'est vrai. Attends, c'est vrai. Mais... Bon, vas-y, Laura. J'aurais pu rester à Liberty, je serais resté là-dedans. Au revoir, Laura. Attendez, par contre, je dois vraiment faire une petite sieste. Vas-y. Écoute. Vas-y, casse les couilles, ça. Oh. Et vas-y, dépose ça. Elle était vraiment aigrie, hein. Oui, elle était aigrie, par contre. Oh, regarde, écoute. Non, mais sérieux, Riz. Pourquoi elle était autant aigrie? On a fait un truc. Non, on a rien fait, mais vas-y. Tango 93 se transforme en Madame 93, oui. On repart sur un là, c'est la merde, elle a pris en photo. Ma crête et ta tête. Tabasser quelqu'un. Oui. Il va falloir récupérer cette photo. Et la faire supprimer. Oui. D'accord. 10-41, tout secteur. Et pour ça, généralement, dans le Los Santos Police Department, on agit. Tu vois? Oui. On agit, action, réaction, c'est ce que je vous disais depuis le début. Est-ce que toi tu vas agir contre ça ou pas? C'est sûr que je vais agir contre ça. D'accord, alors on va agir contre ça. On va agir contre ça. On va y aller avec Malcolm, on va agir contre ça discrètement. On va juste prendre son téléphone. Tranquille, voilà, c'est tout. Tranquille, son téléphone pépère. On va lui proposer du hashish à la... en échange, je pense que voilà, elle va kiffer ça. On s'habille en civil? On s'habille en civil? Non, on va abuser de notre pouvoir. C'est-à-dire abuser de notre pouvoir, chef. Voilà, je te dis les termes, on va abuser de notre pouvoir. C'est-à-dire, chef? On est des agents de police, si on te demande de venir t'interroger, on va t'interroger. Mais on sait comment ça s'appelle? On sait à quoi elle ressemble. Non? Oh, elle peut s'appeler Ludmilla, Corteza, tout ça, c'est bon. Fais-moi confiance, d'accord? On va récupérer cette photo et elle en tournera pas parce que monsieur le maire, sinon il nous vire. D'accord. Tu sais ce qui s'est passé il y a pas longtemps? Non.
Il y a un Afro-Américain qui a été exécuté par un policier dans une risque par accident. D'accord. Et ça a c'est posé triste. Plein de merde. C'est super ça triste. Veut dire que c'est super triste, ouais. Et ça a posé plein de merde et ça fait qu'on est pas mal bridé sur tout ça. Alors, pourquoi elle était aigrie, Laura? Bah, je sais pas. Elle est pas aigrie, elle est gars cool. Ah non, ok. Allez, quelqu'un annonce le départ. Attends, laisse pas conduire, je peux conduire? T'as pas le permis, non. D'accord. Chimus, on part en patrouille. C'est vrai? Conduit. Merci. Ouais, vas-y. Conduit. On va là-bas? Ouais, on va là-bas avec discrétesse. Pardon. On va faire quoi? On va faire quoi? Bon, on va récupérer le téléphone. On va essayer de récupérer simplement la photo. Chimus, je t'aime. C'est bien, moi aussi, je ne vous aime pas, d'accord, je suis professionnel. C'est dans un cadre professionnel, notre carrière est en jeu. En vrai, je sais que tu faisais du catch avant ou pas, s'il te plaît. J'ai dit, je ne parlerai pas de ça. Tu connais Rey Mysterio ou pas? Je ne répondrai pas à cette question. Vous avez déjà vu le film Les Misérables? Non. Ouais, oui, je l'ai vu. Et bah, t'as vu, c'est un peu comme ça dans cette situation où on se retrouve. D'accord, faut que je mette de l'essence. Vas-y, il y a une station juste là, là. Donc, on c'était, quoi ton c'était quoi ton finisher? Eh hey. Oh, je ne parlerai pas de ça. Je te l'ai déjà dit. C'est une histoire que je veux. De toute façon, le catch, c'est que du faux. Y'a rien de vrai. Pas du tout. Putain, y a mon ex qui me recontacte là, ça me casse les burnes. Pourquoi? Parce que c'était quand j'étais triste et que je sortais avec elle. Tu sortais avec elle parce que t'étais triste? Ouais, je savais pas ce que je faisais, je me murgeais trop la gueule, tout ça. Attends, Riz, quoi, il a plein d'ex aussi. C'est vrai, Riz? Riz, t'es un baiser ou t'es pas un baiser? Tout le temps. Le canapé, je l'ai goûté, hein. C'est la merde, hein. Je vous le dis, c'est la merde. Là. Si cette photo, elle tourne, on est dans la merde, jusqu'aux couilles. Après, on peut dire que c'est un photomontage. Parce que j'ai vraiment abusé, hein. Je les ai vraiment tabassé, hein. Mais c'est ce qu'il faut, ils comprennent avec les coups, malheureusement. Moi, je dis toujours, malheureusement, ça me fait pas plaisir. Riz, et c'est comme je ça. Je promets que j'ai tasé un mec 8 fois. 8 fois d'affilée. Mais il est lent, ce taser, hein. Oui. Mais tant mieux. On arrête maintenant les coups de taser. Par contre, l'essence, je la paye avec mon argent, mais comment on me la rembourse après? Bah, Dieu avec les payes. D'accord, donc. On gagne combien dans la police? Ah, c'est vrai, on gagne combien dans la police? Je sais pas. Moi, je fais pas ça pour l'argent, moi. J'ai déjà un autre business pour gagner de l'argent. Ah, qui c'est qui paye le loyer? Pour gagner de l'argent, moi, j'ai déjà un autre business. Ah ouais? Ouais, je suis chasseur. Ouais. Chasseur quoi? Bah, chasseur. 75 a pris sa 20. Tu chasses quoi, genre? T'as un pet et tout? Ouais, j'ai mon mousquet, tout ça, quoi. Permis de chasse ou bordel. T'es niveau combien? Hein? Non, mais je sais pas. Mais non. Je suis chasseur dans la vraie vie. Ah, Horde ou Alliance? 92, est-ce que t'es sur la radio? Ouais, moi, je suis plus dans la team de l'Horde, je te cache pas. Ok, ça marche. Mais c'est 92, pas seulement. Horde aussi. C'est bien. Allez, on range. Elle est là. Regardez derrière, Yaki. C'est pas elle, c'est pas elle. Mais non. Bonsoir, on aimerait juste communiquer avec vous si possible. Non, c'est pas possible. Vous m'avez jeté des gaz à dessus, vous voulez communiquer, c'est pas possible. Montre-moi. Il faut communiquer dans la voiture. Bonsoir, nous aimerions. C'est qui ça? C'est qui? C'est lui, m'a pété la gueule, les gars. Calme. Mais non, me pète la bouche, les gars. Aïe! Aïe! Appelle des renforts! Oh non, on appelle pas de renforts! Ça tire! Pète la bouche, les gars! Aïe! Aïe! Pétez-lui la bouche! Pétez-lui la bouche! Aïe! T'es niqué, fou, tu dégages! Chassez-le, les gars, chassez-le! Aïe! On l'embarque, embarquez-le lui! Ah, celui qui console, moi! On l'embarque! T'as frappé mon Irmao! Aïe! Niquez-le, comme ça tu fais des bavures! T'as frappé mon Irmao! Giflé la bouche! Aïe! Les zombies! Non, non! Tu touches à la voix du père. Tiens, fouet, je vais t'aider. J'en embarque un. J'en embarque un, je te préviens. Prends-en un. Toi, tu montes dans la voiture, chevelon. Prends-en un, ça a l'air d'être le meneur. Filo de putain, regardez-moi les gars. Filez-moi. Ok, madame, on vous embarque de force. Arrête. On vous embarque de force. Tu me... Fais-le monter. Non, fais-le monter. Allez, fais monter la dame. Allez, la dame. Filo de putain.
Allez je vais le kick lui hein. Vas-y, flic là, dégage avec le flic là. Nexa, reste. On a la dame dans la voiture, vite. Allez, grimpe, arrête. On fait comment? Allez, hop là. Moi, attends qu'elle se relève là. Mais je l'ai mis dans la voiture. Elle est où? Allez, madame, on vous embarque. Elle est où? Apparemment, ça fait des vols de véhicules. Allez, on a tout. Elle est où? Elle est où? Montez, c'est la dame là. Tu vas voir le. C'est normal, ah là, j'en vois pas. Le flic derrière toi. Tu vas voir le flic derrière toi. J'ai volé aucune voiture. T'es à mon coiffeur. Le flic derrière, tu vas voir toi. Riz, on va t'attraper, Riz. Je la vois même pas. Écoute, mademoiselle, je te connais très bien. Tu vas me donner le numéro de ta copine qui s'est mise à filmer des trucs qu'elle a pas à filmer. Hein? Qui ça? Oh, tu me prends un peu pour un con là. Ta copine qui a des tatouages plein la gueule. T'étais avec elle hier. C'est Nara? J'étais avec elle hier. Ouais, t'étais avec elle hier. Ah, mais oui, je me rappelle de vous. Ouais, c'est bon. Oui. Donc là t'as pas mal déconné, tu vois. J'ai rien fait. Mais putain, je la vois pas moi. Pourquoi je la vois mais pas? Moi aussi je la vois pas, ça me casse les couilles vraiment. Sortez tous de la voiture alors. Ah, je tombe vite. C'est bon là, tu la vois ou pas? Non. Attends, si je fais ça. Tu peux retirer tes vêtements un haut ou un bas s'il te plaît? T'as vu? début de version, il va y avoir des bugs. Ça va mettre une semaine et tout, après ça va aller mieux. Moi je te vois, mais c'est. Faut que je te porte. Ah, mais sinon je fais une sieste. C'est bon là, tu la vois, non? Non, vas-y, je reviens. Vas-y, fais. C'est comme ça tout le temps. Si jamais il y en a qui découvrent une nouvelle version de serveur, c'est comme ça tout le temps, rassurez-vous. Paniquez pas. Non, je l'ai pas ban. Il est pas ban, mais juste un petit kick. Un petit kick, ça fait du bien. Je suis sur lui, je lui mets. je lui mets 4 coups de matraque. Il s'est relevé comme. Il était prêt à repartir. C'était pas Wachi. C'était Wachi? Attends, c'était vraiment toi? Ah non, ok, d'accord. Non, j'allais dire, même toi, tu fais pas ça. Merde. On peut coopérer comme ça, comment tu t'appelles? Ah bah, finissez avec lui et 92. Mila, quelque chose comme ça. Nexa. Ouais, voilà, c'est pas ce que tu as. Mais je la vois pas. Tu peux faire une sieste, s'il te plaît, Nexa. Bien sûr. C'est mes collègues qui te voient. Je vais vous prendre 3 semaines avec moi dans le bureau, je vous prendrai 3 semaines, d'accord? Donc c'est oui, capitaine, je viens dans votre bureau. C'est clair ou c'est pas clair? C'est écrit comme tu m'as envoyé, Seamus. Bonsoir madame, on aimerait juste parler avec vous, votre copine est partie faire une sieste. Il y a vraiment pas de problème, vous inquiétez pas. Bonsoir madame, tout va bien. Apparemment, vous vous amusez à voler des véhicules, c'est les. Le 9e vol de véhicule. Il a vous ce véhicule? Il a qui? Il était dans le quartier. C'était mon ami. Attendez, laissez-moi vérifier la plaque. Si c'est un véhicule volé, malheureusement, ce sera 7 ans de prison. Ah ouais? Vérifie la plaque. Ouais. Bah, si vous voulez, je peux vous fournir la carte grise, monsieur. Ouais, non, c'est. Ça appartient à qui le nom prénom? C'est un véhicule volé, ça. C'est un véhicule volé? Bon, ok, mademoiselle, je vais vous demander de lever vos mains et de vous mettre contre le mur, s'il vous plaît. Je vais vous demander de lever les mains et de vous mettre contre le mur, s'il vous plaît. Je vous fournis la carte grise, monsieur. Je vous demande allez de vous... contre le mur, madame. Attendez, mais je vais péter les plombs. Mais... Allez contre le mur, madame. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Oui, je sais, on est chiant, mais on est flic, c'est comme ça. Ouais, tu montres une procédure, s'il te plaît, Rookie. Vas-y. Allez, tu lui laisses ses droits Miranda, tu lui dis qu'on l'arrête pour... Pour quelle raison? Vol de véhicule. Clairement pas. On me l'a passé. Si vous voulez, je vous dis que c'est qui. Bon, après, si vous voulez, si vous voulez pas d'ennui, si vous voulez pas d'ennui, il y a une possibilité, madame. C'est quoi? Vous sortez votre téléphone et vous supprimez la photo. Ouais, la vidéo. Toutes les vidéos, et je regarde. Et vous montrez bien sûr tous vos contacts et on regarde si vous avez bien supprimé toutes les vidéos. Oh, c'était pour ça alors. Regardez bien. On procède, c'est le protocole. Ah, bien sûr. C'est le protocole, on est comme ça, c'est obligé. On n'a pas le droit de prendre en photo vidéo. Alors, on agit. Bah oui. C'est bon, tu la vois, Riz? Ah ouais. Oui, je la vois. Photo. En plus, je vous vois tous les deux dessus. Je suis là. Elle est incroyable. Ah oui, je vous vois, magnifique. Allez, tu la supprimes tout de suite. Regardez. Allez, pouf, tu me le donnes, ça. C'est bon. Bien sûr. Capitaine, retour radio. C'est bon, vous avez vu, j'ai supprimé. Hop là, attends, c'est moi qui le fais à ta place. Ok.
J'ai essayé d'enlever ton t-shirt et de le remettre pour voir. Message. Ça donne des mains. C'est quoi ça? C'est de la robe ça que je sors. T'as fini? Je te vois, mais je te vois chauve. Ah, c'est bon, impeccable. Ah Rabis-toi. Vous êtes célibataire, les filles? J'arrive pas. Célibataire, les gonzesses ou pas? Ouais, je suis célibataire, ouais. Ah ouais? Bon, bah voilà, hein. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir coopéré. Et la prochaine fois, me criez pas dessus comme vous l'avez fait. Muchas gracias, ouais. Muchas gracias. Arrivederci. T'es con. Putain. Tu vois, ça m'énerve là. Il est où, Camille Malcolm. En gros, il a un problème. Du coup, il revient demain. D'accord. Mais, okay. Mais chef, pourquoi on a pas appelé des renforts? On fait pas une grosse descente et on les éteint. Ça, c'est pas comme ça. Parce que. On peut pas les laisser me frapper comme ça. Bien sûr, bien sûr. Et le rapport qui va être fait. Le rapport. On dit que c'est Laura qui est coupable. Oui. Va servir à faire la descente. Ok. On dit que c'est Laura. On dit qu'elle a fait quoi dans le rapport? Je sais pas, on peut faire. Moi, ce que j'ai vu, c'est... J'ai l'impression qu'elle va plus revenir, donc on peut en mettre ce qu'on veut. Moi, ce que j'ai vu, je le dis clairement mot pour mot, c'est qu'elle est venue et dans le quartier, elle a dit ouais, nique ta mère. Oui, c'est vrai. Donc voilà, la tribu elle fait quoi? Elle s'énerve, elle dit oh non, j'ai pas mon tagine, tout ça. Elle s'énerve forcément, voilà. Mais ils ont pas parlé de tagine par contre. Ouais, bon, je fais des raccourcis. Par contre, d'accord. Chef, il faut que vous montriez un petit peu où c'est les quartiers chauds, s'il vous plaît. Oui, bah laissez-moi conduire. Vas-y. Vous avez déjà vu la position du sud ou pas? Après, il y en a beaucoup dans le nord aussi, ça il faut faire très attention. D'accord. Vous allez voir dans le nord? Nous on patrouille dans le nord ou on patrouille pas trop dans le nord? On peut patrouiller dans le nord. Y a une police du nord? Il y a une police du Nord, mais eux, c'est des merdes, et nous, on n'est pas des merdes, donc on peut patrouiller dans le Nord. Ok. Et dans le Nord, du coup, il y a des gangs de rue, il y a des organisations criminelles, il y a des bikers. Les bikers, ça, on fait pas chier. Ok. Parce que généralement, bikers, ils sont là pour le pays. Vas-y, viens, on va dans le Nord, ça fait longtemps que je suis pas allé dans le Nord. Eh bah, allez, c'est parti. De toute façon, j'ai un compte à régler là-bas. Avec qui? Je dois aller voir mon ex. Après je dois aller faire un truc, mais ça je te demanderai c'est quoi, de pas c'est regarder. C'est quoi le numéro de Vastano déjà les mecs? Parce que c'est... voilà. D'accord. Bien sûr, pas un mot de ce qu'on a fait. Non, moi je suis là pour apprendre de toute façon. Voilà, quand tu as un citoyen qui va contre ton gré, tu hésites pas là. Oh putain. Oh toi là, oh. Merde. Tu vois, moi je compte sur toi pour pas me baiser la gueule, tu vois. Non, moi je baisse pas ta gueule, moi. D'accord, parce que tu sais, moi je peux... Voilà, moi je suis ami décadé, pas ennemi décadé. Et je vous apprends le métier. Non, je crois que c'est 58. C'est un plaisir. Hein. 5. T'as le numéro de Vastano? Non. Non, 58-01. Madame 07, 10. Je suis jamais allé dans le Nord. C'est vrai? Ouais. Moi ça fait 6 mois que j'ai pas mis les pieds là. J'ai pas mal dans mon rue là-bas. Parce que t'es un raciste? Non, parce que... J'ai un passif. De catcheur? Ça c'est dit, je veux pas en parler. Tu sais, Malcolm, lui c'est un grand fan de catch. Moi je suis plutôt UFC, ouais. Ouais, mais... UFC c'est pas mal, ouais. Grégor, je le connais. McGregor? Oh ouais, c'est un pote. Allô? Oui, Vastano, oui. Ça va, tu vas bien? Ça va, Riz. Tu fais quoi, tu patrouilles là? Oui, je suis au PDP actuellement. T'es toute seule? Non, je suis avec le capitaine et le lieutenant. Tu veux quand même te récupérer avec Seamus, on patrouille ensemble? Non, je reste avec le capitaine et le lieutenant parce que je dois régler une histoire. Mais rien par rapport à vous pour une fois. Tu veux qu'on te récupère après? Pas de soucis, je te tiens au courant. Vas-y, ça marche. Elle est belle, non, hein, Vastano? C'est ça que je kiffe, putain. Ouais, je te jure. C'est que là, tu vois, dans le nord, il y a des gens. Hein. Dans le sud, il y a des gens. Hein. Et même, ça fait du bien de voir de la montagne. Ouais. Ouais, ça fait du bien, ouais. Tu le dis bien, Bouffi. Bon, là, on rentre dans une zone... Putain.
Je vous préviens, je ne vais pas tanker la fatigue longtemps. Vous voyez que plus le stream y passe, plus je suis affalé sur ma chaise. Oui. Je vais régler quelque chose. Oui. Je vais juste aller récupérer un bidon d'essence. D'accord. On va se planquer deux secondes. Mm-hmm. Je règle mon truc. D22-1041, tout secteur. Eh hey, Seamus, vous êtes mon supérieur. Moi, je vous suis au doigt et à l'œil. Je ferai ce que vous me demandez de faire. Oui, à part des trucs sexuels. Sinon, je fais. Non, mais c'est mes limites. Voilà, je donne mes limites. Je vous attends là. Tu m'attends là. Oui. C'est bon, j'ai pris ce que j'avais à prendre. Super. Ça va régler mes comptes plus tard. Bah, arrêtez de prendre des photos. Je me fais un selfie pour. Pin. Non, pour. Quand on. Ma photo de contact. Ah, d'accord, ok, super. T'as réussi à trouver ? Ouais, c'est bon, j'ai ce que je voulais. Ouais. Je passerai plus tard. T'as déjà fait des conneries dans ta vie, Riz ? Non. Jamais ? J'ai peur si je vous le dis, après, vous allez m'en vouloir. Non, t'inquiète pas. Je suis ton sergent. Si t'as merdé, je pardonne. Ça m'arrive de fumer un peu. Ah, tu mets quoi, du cannabis ? Ouais. Ouais, le hashish, tout ça, vraiment. Tu fumes un peu, toi ? Ouais, de temps en temps, je me fume des petits pets, là. Ça fait les du bien, ça se détend. Les pets des saisies ? Non, tu déconnes. Non, c'est Leroy qui me met bien sur ça. C'est qui, Leroy ? Un pote, j'ai pas mal de potes, moi. Bon, là, normalement, on va croiser un petit groupe. Ok. Oh, il y a un braquage de supérettes. Il est proche de nous ou pas ? Non, je crois pas. Tango 87, 19, sur le dernier braquage de super-héros. Putain, le Nord. Oh là là. Mais t'as jamais eu de petites copines dans ta vie, Riz ? Un peu. C'est compliqué. Raconte-moi. J'étais amoureux d'une fille. Ouais. Elle est amoureuse d'un autre mec. La dame partenaire est partie. Un afro-américain. 69. Non. Latino-américain. Non. Alors c'est bizarre. Pourquoi ? Ah, je sais pas, mais... Ah, ouais, bon, bref, passons. Ouais. Et du coup, elle voulait pas de moi, quoi. Elle voulait pas de toi ? Non. Ah, ça fait mal. Ouais. Et depuis, t'es bloqué sur ça. Ouais. Et toi ? Ouais, moi j'avais une femme. Il y avait cette femme. Melinda, elle s'appelait. Mmh. Elle est décédée. Ah. Il y a 3 ans. C'est ta femme ? C'était ma femme, on était mariés, j'ai eu 2 gosses avec. Voilà, les 2 gosses, j'ai renié, ils s'amusent à faire du skate. Pour la demande pour le Malheureusement. Tiens. On s'arrête, on se boit un café. Tango 87, si jamais on s'arrête, sache que je vais dormir. Car je suis réveillé depuis très tôt ce matin et que je commence vraiment à ne plus tenir. Ah ouais. Tu veux dormir ? Ouais. Je vais pas t'arrêter dans le Nord. Bon, tu peux. Ok, y'a pas de problème. Comme ça, je passerai aller voir mon ex et régler mes comptes. Tu veux aller voir ton ex d'abord ? Tu veux rencontrer. Vas-y. Tu veux rencontrer mon ex. Vas-y. Ah, tu gardes le secret pour toi, je te dis que j'étais triste à cette époque. Oui, t'inquiète. Ouais, ok, bon, on va aller la voir. C'était genre un pansement ? Ouais, un pansement dépressif, tu vois. Mais tu le dis à personne, Riz. C'est bon. Entre toi et moi. On est sur la route, voilà, je me dis. Entre toi et moi. Oui. Serre-moi du petit doigt. Je te la serre le petit doigt. Entre agents, on se la met pas à l'envers. On se la met pas à l'envers entre agents. C'est bien. Ça fait longtemps que t'es flic ? Ouais, ça fait 10 ans que je suis dans le métier là. 10-15 ans, ouais. Putain. Ça va ? Ouais, c'est juste que repasser devant cette station là-bas, ça me fait bizarre. Regarde, ça, c'est des bikers ça. Je les ai vus derrière. Non. Ah oui. Ok, c'est bon, j'ai vu. Là, il y a un petit motel, je te dépose au motel ici pour que tu dormes après, d'accord ? Impeccable. On va aller la voir. Ça s'appelle Bitaler. Bitalele. Bitaler, elle s'appelle ? Bitalele. Bitalele. Elle est au commissariat ? Ouais. Mais j'ai dû te sortir. C'est une flic ? Ouais. Mais flic du Nord.
Allô, ma bite à l'aile, je suis devant ton commissariat, tu peux venir? Ouais, ça va, ouais, Sir Max. Ça va. Ah putain. C'est cool, mais j'aime bien être patron de live. T'en veux une? Non, toi, tu veux une clope ou pas? Ouais, je veux bien. Ah, tiens, par contre, t'as un feu, s'il te plaît. Oui, tiens. Merci. De rien. T'en fais du bruit hein, quand tu fumes ta cigarette? Ouais, je suis en fumeur. 52, nous sommes en 10-56 d'une coquette blanche, suite au braquage. Je fais bien le bruit du briquet. Ouais. Voilà, voilà quoi. Ouais. On a eu de la route là, on a fait au moins 2-3 heures de route là ensemble. Pourquoi tu rigoles? J'ai l'impression que tu me dragues. Mais non. Non, je te jure que je te drague pas. Ça me gêne pas, hein, j'ai rien contre, mais Oui, oui, non, mais je te drague pas, je parle juste comme ça avec tout le monde. Du coup, je me sens un peu mal à l'aise. Non, 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 juste je te raconte ma vie, tout ça. Raconte-moi la tienne, tiens. Ben, ma vie, elle est super simple. Ouais. On s'est rencontrés quand on était petits, Malcolm et moi. On ouais. a trouvé ça marrant, parce que lui, il s'appelle Malcolm. Et toi, Riz. Et moi, Riz. Du coup, on s'est dit, ouais. Si on faisait une coloc ensemble. Il m'a dit ouais je suis chaud. J'ai dit ben moi aussi je suis chaud. Du coup on a fait une coloc ensemble. Et depuis on habite ensemble. Ouais. Ok. D'accord, d'accord. Bon, en gros c'est un petit peu le palmier sur la semoule quoi. Le palmier sur la semoule. Comment ça? Ah le sandwich au jambon halal. Comment ça? Bah la roue sur la voiture quoi. Comment ça? Bah le panneau sur le parking. Comment ça? Tango, bah en gros vous collez bien ensemble quoi. Ouais. Ouais voilà tu vois putain. C'est bon quoi si on a plus le droit d'utiliser des expressions avec les On est potes, on vit ensemble mais on n'est pas Ouais ouais je comprends t'inquiète pas je mais suis on pas, pas homosexuel aussi. On n'est pas amoureux. D'accord ok. Riz, je prévois une relation avec 15 d'accord. 15 c'est qui 15? C'est la flic avec les cheveux rouges. Ok. Voilà, je prévois une relation avec elle. Moi aussi, je prévois une relation avec une flic. Bah voilà, on est deux. Bah, dans ces cas, si tu veux, je t'emmène à la chasse. Tu prends ta gonzesse et je prends ma gonzesse. Et on prend Malcolm avec un gonzos. Tu veux ou pas? Mais elle est en couple, celle que j'envisage. Bah, on ramène son mec à la chasse. Une balle perdue? Non, non, non. D'accord. Non, non, non. J'engage quelqu'un, un petit con. Et le et but, il lui met une balle perdue? Non. Ok. Le but, c'est qu'il lui fasse peur comme ça. Je se dise, putain, mon mec, c'est vraiment un peureux, tu vois. Tu comprends? Ah, elle est là, ma femme. Enfin, mon ex. C'est mon ex. Ah, comment tu vas, chérie? Comment tu vas, chérie? On n'est plus ensemble, arrête. On n'est plus ensemble, mais t'as l'élé. Attends, mais tu es sérieux que... On n'est plus ensemble, voilà, je suis venu passer le bonjour. Voilà, bonjour. Comme ça, on n'est plus ensemble. Tu peux pas me faire ça, Brian. Sauvé, c'est pas Brian, arrête, tu me confonds encore avec ton ex. Moi, c'est Seamus. Putain, chiché. Je t'ai dit, j'étais triste, c'était une phase compliquée. J'étais trop attaché à moi. Putain, j'étais en train d'expliquer aux collègues qu'il n'y avait pas n'importe quoi qui rentrait dans mon cul. Tu peux être fier de moi, quand même. Tu passes sans toi. Voilà quoi, c'est honorant de savoir que... Maintenant, voilà, je suis venu pourquoi? Pour te demander d'arrêter de m'envoyer des mails. C'est terminé, j'ai plus envie de recommencer une histoire avec toi. Seamus, arrête. Je sais que je suis passé au-dessus de ce que tu m'as fait, d'accord? T'es une malade mentale, hein. Vraiment. Oui, t'as trompé en plus. Bah ouais, qui m'a trompé, je suis passé à autre chose. Passé au-dessus de ça. Qui c'est qui resterait passé au-dessus de ça comme moi, là? Je suis passé à autre chose. Bita Lélé, maintenant tu me lâches. D'accord. Vas-y, t'as une autre cœur en bouche, c'est ça. Ah, il prend quelqu'un d'autre. Ah, il vous trompe. Non, non. Arrête oui. de mentir, t'as pas. Dis-leur la vérité, Seamus. Quoi? Tu fais quoi là? Tu sors la vie. Vas-y, papa, continue. Seamus, déjà que je t'ai crevé l'œil avec ma queue, tu vas pas. Voilà. Seamus, c'est bon, on est en couple maintenant, donc tu le laisses tranquille. Quoi? Attends, t'as dit quoi? Bon, voilà, je voulais pas le dire, voilà, je suis en couple avec un cadet. Eh ouais. Eh va si bon. Fais pas de conneries, Bita, fais pas de conneries. Ouais, ouais, ouais. Fais une deuxième bavure, s'il te plaît. Écoute, t'as de la chance, tiens, ma plaque de cœur. Ouais. Mais là... Bref, il fallait qu'ils te le disent, maintenant c'est dit. Je suis passé à autre chose. Donc tu arrêtes de lui envoyer des messages.
Avec un cadet là? Vas-y, je peux pas passer avec un cadet. Quoi? Quand je me suis trop attaché à ta queue là, je peux vraiment. Shame, s'il te plaît, ne fais pas ça, s'il te plaît. Mets-moi un coup de temps en temps, mais. D'accord. J'aurais du mal à prendre la tenue. C'est terminé, Seamus. L'aigle, c'est terminé pour toi. D'accord? Comment on va faire le stage dans la forêt? Je ferai le stage dans la forêt. Moi, je vais mettre mes rookies en stage dans la forêt, ouais. Mais bref, là n'est pas la question. Et il y aura mon rookie aussi dans la forêt. Bah, on fera les rookies de la BCSO contre les rookies de la LSPD. Ah bah, parfait. Mais là, c'est tout le BCSO, je suis au gradé, je me suis fait mordre. Vous êtes tous des rookies. Putain. Bref, Vita Lélé, t'arrêtes de m'envoyer des mails, grognasse. Allez, on y va. Quoi, c'est ça, ouais. Tout à l'heure, il a dit que l'homme de sa vie. Pétasse. 55 en attente de 18. Vas-y, dégagez de mon compte. Mon madame partenaire. Alors, je te dépose au motel, merci. Vas-y. Ah ouais, de rien. Il a dit quoi? Je t'aime, James. C'était pour sauver la vie là, j'ai bien vu que tu voulais t'esquiver. Ouais, merci putain. Mais si, dis-moi, c'est 15. Essaye pas de me faire des avances comme ça, ok? Moi c'est Sébastano. Ok, super. Bon, oh, je te dépose au motel. Ouais, c'est bon, impeccable. Je prends une chambre, c'est moi qui paye, d'accord? C'est gentil, merci. Ouais. J'entre rapide. Ouais, n'importe. Je veux juste bien, dormir au plus vite. Celle-là, là. Merci, ouais, c'est gentil. Ah. Merde, celui-là, il est fermé. Je crois qu'ils sont tous fermés, Seamus. Non, Seamus, ouais. Il se trompe pas sur les motels. D'accord. Les motels. Merde, oui, c'est une porte ouverte. Ah non, ils sont tous fermés, putain. Eh oui, Seamus. Parce que j'étais te le dire engagé. Mais c'est bon, regarde, c'est ouvert. Regarde. C'est bon, je suis dedans. C'est bon, un backup, ça fera l'affaire. C'est bon, tu aimes bien la chambre que j'ai offert. C'est bon, c'est nickel. Merci beaucoup. Ah, tu aimes. Oui. Bon, allez. Allez, bonne nuit. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent, juste parce que je pourrais percer. Depuis petit, j'ai les crocs, ils veulent ma peau, mais n'ont pas eu les couilles de chasser.